Hadouken! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de reprendre les lives thématiques avec mon ami Monsieur Garcin. Comment vas-tu, mon cher Monsieur Garcin ? Salut, salut. Eh ben, ça va super bien. Ça a été assez intense ces deux, trois derniers jours parce qu'il a fallu. Enfin, je me suis aperçu en préparant le live que Taito, ils avaient fait 450 000 jeux et que, en fait, je pense que je connaissais 30%. Enfin, des jeux vraiment, enfin, les Darius, les Rastan, les Puzzle Bubble, tout ça. J'ai découvert des tonnes de jeux. Enfin, c'est fou, j'ai l'impression que c'est un des éditeurs les plus prolifiques des années 80-90. Et donc, ça va être assez passionnant de voir comment cet éditeur s'est créé, tout ça, avec nos chers invités. Donc, en fait, c'est assez important parce qu'en fait, ça fait vraiment un certain moment que j'avais arrêté de faire les lives thématiques parce que c'est des lives qui prennent du temps. C'est des lives qu'il faut quand même un petit peu travailler en amont. Et puis, c'est des lives même qui en général se prolongent assez longtemps. Donc, j'ai laissé un peu de temps avant de recommencer, hein, parce que le dernier qu'on avait fait ensemble, Monsieur Garcin, c'était IRM. Et bon, ouais, c'était génial. Un gros morceau aussi. On avait fait des détaillistes aussi avec l'un de nos invités. Puis on reviendra un petit peu sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir préparer Taito, il fallait du temps. Il fallait que tout le monde soit OP au mieux de sa forme. Parce qu'effectivement, on va revenir sur ce géant qui est Taito, ce géant historique, et surtout sur la genèse de ce géant historique et revenir un petit peu sur la ludothèque de Taito. Et pour ce live exceptionnel, j'ai la chance et le privilège d'avoir deux invités de marque, Monsieur Garcin. On est très content de les avoir. Hein. Ah ben là, c'est ouais. Je pense qu'ils arrivent avec leur sac d'anecdotes et d'informations. Voilà. On accueille notre premier invité en la personne de Monsieur Florent Gorge. Bonsoir à toi, Florent. Bonsoir, monsieur. Salut, salut. Très content d'être avec vous ce soir. C'est nous qui sommes contents de t'avoir, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. On a notre deuxième invité qui est, pareil, quelqu'un que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup de chance de pouvoir parler facilement comme ça avec lui. Et à chaque fois que je lui propose quelque chose, il est toujours partant et ça fait vraiment plaisir. Bienvenue à toi, Monsieur Gunned, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. PC Engine forever. Ouais, la PC Engine est en force ce soir. Merci de m'inviter, c'est super sympa de ta part. Et puis, bonjour au chat hein, qui se remplit progressivement. Kumagumi. Et Monsieur Gartin nous a sorti le t-shirt. Ouais, le fameux t-shirt Kumagumi. Si vous le voulez, vous pouvez aller sur le site Kumagumi. Regardez, c'est une des premières pubs de la PC Engine en t-shirt. Bah, écoutez, messieurs, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir. J'ai beaucoup de plaisir de continuer cette série avec Monsieur Garcin, cette série de live. En général, j'ai des séries, que ce soit dans des vidéos ou dans des lives, et c'est vrai que ces lives-là, on les a démarrés depuis un certain moment maintenant avec Monsieur Garcin. Ça remonte même à la Neo Geo. On avait fait la Neo Geo au tout début quand on s'est rencontrés la première fois. Et on continue un peu sur ça et je suis vraiment content donc de pouvoir vous avoir pour parler de Taito. Messieurs, on va commencer par la genèse de Taito, si vous voulez bien. Vraiment le début et la fondation de Taito. Et je vais laisser peut-être Florent pour commencer ça. Puis Gunned enchaînera avec ce qu'il nous a préparé juste après. Oh, bah écoute, non, il faudrait en fait commencer par Gun parce que voilà, pour parler de la genèse de Taito, il faut évidemment remonter à son fondateur, Mikhail Kogan, un soviétique, enfin du moins c'est un Ukrainien de l'Union soviétique, donc un Russe, et qui est venu au Japon pour faire du business, un empire assez étonnant, hein, puisqu'il a commencé par la vente d'alcool, la vodka, ce genre de choses. Et puis, il est devenu le leader du marché du jeu vidéo à la fin des années 70. Donc, un parcours assez étonnant. Mais Gunned le connaît bien. C'est ton pote, hein, Gunned? Ah ouais. J'aime beaucoup ce type de personnage. Attends, juste un truc.
Gunned, avant que tu démarres, excuse-moi, je manque à mes devoirs, je n'ai pas salué le chat. Je m'en veux énormément, donc il faut qu'on coupe. C'est pas bien ça. Je salue rapidement nos viewers. Donc je salue Lacani qui est là depuis un moment et qui attend depuis un moment. Je salue Dark Vazago, Alex Gaming, Jean-Philippe Boutioui qui est là aussi. Salut Jean-Philippe, salut Taki Arcade, un ami à moi. Akli Rani, salut Taki. Salut Maiden Cloud, salut Gaming des Cavernes aussi, ça fait plaisir le moulitron de service. Fan de d'Atari, un grand atariste, Gaming des Cavernes. salut Jazz Funkyman, salut No Retro aussi, notre ami Pierre qui est là. Toujours fidèle quand il y a Gunned. Salut Nicky Larson, salut cousin Hubert, salut mon cousin Hubert. Salut Slipderman, salut Starbuck 9, salut Ion 26, Max Log. Salut Philippe Latière, Damien M, on a déjà pas mal de monde, on est plus de 100 là, on dépasse les 100 déjà, alors qu'on n'a même pas démarré. Salut Cascoriou, qui est-ce qu'on a ? On a Ronan Lefebvre, salut Mister FPGA, quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs, je pense qu'on fera un truc ensemble pour parler de Mister, parce qu'il a de très grandes connaissances dans le sujet. Salut Jérémy Béraud, salut Zach, Retro Gaming, j'espère que ça va. Salut Toguro. Que je salue bien bas aussi Toguro, salut Grégory Scott. On va démarrer tranquillement. Salut même Kabrahimi, il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Salut tout le monde, merci salut. D'être là. Je ne veux pas saluer vraiment tout le monde, il y a déjà beaucoup de monde, Mika Duvar, tout ça. Vous avez Hubert. Ouais, Ben Shout aussi qui est là, Marseille. Donc voilà, on va commencer, je te laisse donc la parole dans ce cas Gunned pour nous parler de ce fameux personnage. Ouais, écoute, en tout cas, merci au chat de répondre présent à cette super invitation. Ça me fait toujours plaisir. Alors, je suis super honoré d'être aux côtés de Florent Gorge. Alors, bien sûr, vous aussi, hein, Monsieur Garcin et Big Cam, je suis toujours honoré d'être à vos côtés. Mais Florent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour ses travaux. Et c'est vrai que Monsieur Garcin en a parlé. Et ça, c'est pour moi l'un de ses meilleurs livres. Je tiens à le dire. C'est l'édition collector, là, non, que tu as? Ouais, c'est l'édition collector. Ah ouais, moi j'ai l'édition classique. Ouais, dedans tu as. Je te parle plus, monsieur Garcin. Merde. J'aurais dû fermer ma gueule, comme d'hab. Je ne sais plus le terme, comment ça s'appelle quand ça bouge, quand tu arrives à faire bouger. Ça s'appelle l'anticulaire. Ouais, voilà. Nous disait hologramme de mon temps à moi. Voilà. Et donc, franchement, c'est l'un de mes livres préférés de Florent et beaucoup de choses y sont dites. Moi-même, pour préparer ce live, j'ai replongé dans ce bouquin pour en savoir un petit peu plus. Et c'est vrai que Florent nous fait le plaisir d'être présent ce soir et je pense qu'il va nous révéler des anecdotes de fou sur la genèse de Space Invader et de tout le reste. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est ce que je vous ai dit en amont de cette vidéo, c'est que l'histoire du fondateur de Taito, comme en a parlé Florent, Michael Kogan. Alors, Michael, c'est son prénom, entre guillemets, d'adoption, mais c'est Misha à la base. Misha. Et donc, effectivement, c'est un homme d'affaires. Alors, on avait tendance à dire que c'était un homme d'affaires russe, parce qu'à l'époque où il est né, en 1920, à Odessa, c'était l'Empire soviétique, qui est devenu par la force des choses la Grande Russie après la Révolution de 1917. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails historiques. Mais voilà, c'est un Ukrainien. Et puis, pendant cette période relativement trouble, les Juifs sont clairement menacés parce que, Misha Kogan est d'origine juive. Mikhail Kogan. Je préfère dire Misha, plus sympa. c'est le surnom, c'est comme Mike. Misha, c'est l'équivalent de Mike pour Michael, quoi. Ouais, voilà. Donc, notre ami Misha, ses parents se sentent un petit peu menacés par la montée du nazisme à l'ouest, entre guillemets, de l'Ukraine. Les Russes ne sont pas non plus spécialement conciliants avec la communauté juive. Ce qui fait que la famille Kogan va se retrouver en Mandchourie. Alors, la Mandchourie, c'est en Chine. Alors, pour ceux qui l'ignorent, à l'époque, la Mandchourie est un territoire chinois occupé par Mika L. Jackson. La Mandchourie est un territoire chinois occupé par les Japonais. Alors ça a son importance parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est quoi le lien avec le Japon. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu aux origines parce que c'est
C'est un parcours atypique, hein. C'est un petit peu, moi je pense souvent au pendant de Sega, c'est-à-dire David Rosen, l'Américain qui se retrouve dans l'histoire de Sega. Ben oui, ça bon, me fait penser à ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de boîtes japonaises qui sont à la base faites par des Occidentaux, des Européens ou des Russes, quoi. Mais là, c'est vrai que Sega et Taito, du coup, ça démarre par des non-japonais, quoi. Voilà, donc alors le Japon à l'époque, pour peupler la Mandchourie, a ce qu'on appelle adopter le plan Fugu. Alors le plan Fugu, c'était entre guillemets de coloniser les territoires conquis par les Japonais, et ils ont bénéficié de cet exode des Juifs pour les placer dans des territoires qui étaient occupés. Donc la famille Kogan se retrouve en Mandchourie, et puis... voilà, il baigne dès le départ dans la culture japonaise. Et puis, alors, je regarde ma fiche. En 1939, toute la famille se retrouve à Tokyo. Et 5 ans plus tard, notre ami Mirahel se retrouve carrément à Shanghai où son père a monté une petite affaire. Et cette affaire se nomme Taitung. Alors, Taitung, pour ceux qui veulent retrouver l'historique. Donc, c'est une petite boîte. Et que fait notre ami Michael ? Eh bien, il achetait des cheveux. Voilà, on a tendance souvent à dire qu'il faisait de la vodka, mais à l'époque, avec son père, Taitung, il rachetait des cheveux pour en faire des perruques. Et c'est quelqu'un qui foisonne, qui a plein d'idées en tête. Et puis, il se dit, on va aussi se diversifier. On va pas faire que des ventes de perruques. On va aussi faire des pinceaux. Et ils se mettent à racheter des poils de porc. Donc, okay. Aux Chinois du coin, etc., de la soie aussi, de poils de porc. Alors, les poils de porc durs, c'est pour faire des brosses, et puis la soie de poils de porc, c'est pour faire des pinceaux. Donc, pour vous rappeler quand même l'historique, on revient de très, très loin. Et puis, ils vendent ça alors, aux artistes peintres, hein, les monsieur Garcin de l'époque, mais aussi aux peintres en bâtiment. Voilà, ils écoulent leur stock un petit peu comme ça. Et puis, notre gaillard a quelques mauvaises fréquentations et il part un petit peu dans tous les sens. L'affaire ne marche pas terrible. Et puis, il a 24 ans, notre gaillard, hein, quand il se retrouve à Shanghai. Et puis, à force de fréquenter des femmes de petite vertu, de dépenser un peu de l'argent, un peu n'importe comment, l'affaire n'est pas terrible. Donc, la famille Kogan tape du poing sur la table. Ils lui disent, maintenant, t'arrêtes un petit peu tes conneries, tu te ressaisis, mon gars. Et puis, dans la pure tradition juive, hein, il épouse une femme et il commence à fonder sa famille. C'est à partir de là que le gaillard commence à se stabiliser. Et malheureusement, le cours de l'histoire continue d'évoluer un petit peu. Et ça va pas très bien pour les Japonais en Chine parce qu'il y a la révolution communiste. Et puis, la Mandchourie, mais aussi Shanghai, etc., sont des territoires qui vont redevenir sous le giron chinois. Je fais peut-être des raccourcis historiques. Hein, s'il y a des historiens qui sont dans le chat, ils vont peut-être hurler parce que je fais quelques petits raccourcis. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que ça devient compliqué pour ceux qui sont japonais, et y compris pour ces colons juifs, de rester en Chine. Donc, ils quittent Shanghai et ils retournent à Tokyo où ils fondent Taitung. Taitung, le nom entre guillemets d'origine, se transforme en Taito Yoko. Et là, grâce à ses connaissances, le milieu un petit peu fréquentable qu'il côtoyait à l'époque, ils vont se mettre à vendre des vêtements. Donc, des vêtements, surtout issus de surplus militaires américains. Donc, c'est là où Michael commence à avoir des relations avec les bases américaines qui sont basées donc, au Japon. Il rachète des jeans, des vêtements surtout américains, et puis il commence un peu à les revendre sur le territoire japonais. Mais là aussi, ça part un petit peu en cacahuète et c'est franchement pas un bon gestionnaire. Alors, son salut viendra d'un Japonais nommé Akio Nakatani, qui est un ancien journaliste qui s'est reconverti en avocat. Et ce gars-là va aider notre ami Michael à devenir un petit peu plus sérieux dans la gestion des affaires, à se stabiliser. D'un côté, on a un gars qui connaît toutes les lois japonaises, toutes les subtilités comptables et tout. Et de l'autre, on a quelqu'un qui est bouillonnant, qui est foisonnant, qui a des idées en veux-tu, en voilà. Et leur nouvelle société, donc créée en 1953, et là, ça s'appelle la Taito Trading Company. À partir de là, ils vont faire
comme l'a rappelé Florent, de la première distillerie de vodka au Japon. Et accessoirement, ils vont s'intéresser aussi aux distributeurs automatiques. Alors, notre ami, voilà, je vous l'ai dit, il foisonne dans tous les sens. Et il va se mettre à distribuer des parfums dans des distributeurs automatiques, des cacahuètes. Il va même mettre des bouteilles de vodka et tout. Mais le business de la vodka, ça devient un petit peu compliqué. Donc, ils vont se concentrer. Alors, la vodka, ça dure 2-3 ans. Ils vont se concentrer sur les distributeurs automatiques. Parce que là, ils se rendent compte que c'est une véritable mine d'or et qu'ils gagnent. Bah voilà, l'entreprise commence à se développer et à se faire un renom dans le Japon grâce à ces petits matériels. Mais ce n'est pas là non plus que Taito va véritablement démarrer, c'est avec les jukebox. Les jukebox, bah voilà, après la Seconde Guerre mondiale, c'est en pleine expansion. Et toujours par ses connaissances via les bases militaires américaines, il rachète des jukebox défectueux, il les répare et il commence comme ça aussi à les distribuer sur le territoire japonais. Mais bah, comme c'est du matériel en panne, bah, forcément, il commence un petit peu à être épuisé rapidement au niveau des pièces, des stocks et tout. C'est compliqué. Et il se dit, bah, il faut que je passe un accord avec une société américaine. Donc malheureusement pour lui, les plus grosses boîtes américaines, alors Wurlitzer, Rockcola ou encore Seaburg, voilà, ça c'est les plus prestigieuses américaines, elles sont déjà prises. Et lui, là, il va dégoter entre guillemets un partenaire qui s'appelle AMI. Alors, je l'ai noté quelque part, c'est AMI, American Musical Instrument. Donc, et il obtient la licence de distribution pour le Japon. Alors, au début, alors AMI, comme je vous le dis, leurs jukebox, ils sont pas terribles. C'est un peu art déco, c'est un petit peu rococo dans le style. Ça marche pas terrible, mais lui, fort de sa licence, il va continuer son petit bonhomme de chemin. Et surtout, AMI, à un moment donné, en 1957, ils vont sortir deux jukebox qui sont mythiques pour les puristes. C'est l'AMI H et l'AMI I. Alors, ces deux jukebox ressemblent en gros à des caisses américaines. Ils ont des gros pare-chocs à l'avant. Et surtout, on peut claquer 200 disques, 245 tours dans leurs entrailles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très innovant à l'époque, parce qu'avoir autant de stocks... C'est iTunes avant l'heure, quoi. T'avais 200 titres dans la bécane. Et lui, ben, il va avoir une idée qui est géniale pour l'époque, c'est qu'il va mixer 50% entre guillemets du catalogue avec les variétés américaines que les jeunes raffolent, et puis 50% de musique traditionnelle folklorique japonaise. Et ça va plaire parce que ben, ceux qui tiennent des salles, qui tiennent des bars, des restaurants, des hôtels, etc., ils vont pouvoir à la fois contenter les jeunes et puis contenter les Japonais un petit peu plus vieux, plus sensibles à la musique locale. Et voilà comment ça démarre, parce qu'il va vendre plus de 1500 machines. Donc là, on est au début des années 60. Et franchement, Taito commence vraiment à prendre de l'ampleur. Alors voilà, la suite, ben c'est Florent qui va nous en parler, parce que forcément, par la force des choses, là, on a commencé entre guillemets avec la base. Mais pointe les machines électromécaniques qui commencent aussi à susciter de l'intérêt. Et c'est pour ça que voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais monopoliser cette soirée. J'avais promis de faire court et pas plus de 10 minutes. Mais voilà en gros le parcours de ce fameux Mikhaël Kogan, dit Misha. Ouais. Juste voilà les amis. Je fais appel à votre connaissance, les gars, mais il y a Taki qui avait mis un message intéressant, et moi, je ne savais pas si c'était vraiment les mêmes. Lui, il me dit que si. AMI a distribué, il y a un AMI qui distribue les caves, tout ce qui était les jeux cave. Vous n'avez pas vu dans l'écran de boot du jeu qui est juste là, il y a écrit AMI, donc un A rouge, un M vert, je crois, et un I en bleu. Est-ce que c'est les mêmes AMI qui ont distribué les PCB cave, les jeux cave? Alors ça, c'est à vérifier, parce que je ne pense pas, parce que je pense que la société a déposé le bilan après. Alors après, peut-être qu'ils ont racheté la marque AMI, qui était quand même assez connue aux États-Unis. Ça, c'est peut-être à vérifier. Mais ouais, c'est vrai que dans les années, après les années 60-70, ça a été très compliqué pour les vendeurs de jukebox. Et tu as les leaders qui se sont quand même imposés, hein, que ce soit Wurlitzer et les autres, ils ont vraiment... fortement dominé le marché. Donc je sais pas, ça c'est à vérifier, mais bon, AMI, c'est un acronyme, hein, tu peux lui mettre beaucoup de choses. Juste petite chose, je salue Yann Boutian qui est devenu membre, et juste un truc, Yann, je sais pas si tu te souviens, Gunned, vous aviez fait un all-in, une partie de poker un soir,
à chaque fois, juste pour en fait te troller, il donnait de l'argent, tu te souviens? Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas revu. Et le revoilà, salut Yann. Mais s'il te plaît, on arrête. Là, aujourd'hui, on ne parle pas d'Atari, hein, d'accord, ni d'Amiga. Voilà. Je salue au passage Ronan Lefebvre, qui est un dessinateur de BD. Merci à lui d'être présent. On doit faire un live justement ensemble pour parler de l'Atari et de l'Amiga. Comme tu parles de l'Atari, ça me fait penser à ce qu'on doit faire ensemble. Donc je ne t'oublie pas, Ronan. On va travailler ça prochainement. Est-ce que donc après cette partie-là, est-ce qu'on peut en venir justement à ce que Taito, le démarrage de Taito vraiment dans le jeu vidéo, et on va plutôt parler de machines d'arcade électromécanique, c'est un peu plus ça. Je te laisse embrayer là-dessus, Florent, et puis surtout nous présenter quelque chose d'incroyable. J'ai quelques images en plus, ça va être génial. Bien. Écoutez, oui, effectivement, Gunned a fait une super présentation des origines de Taito. Maintenant, j'aimerais. Est-ce que tu as mentionné qu'il faisait aussi des distributeurs de cacahuètes avant de se lancer dans les. Parce que après les poils de porc. Voilà, pour accompagner le whisky, en fait, ils ont d'abord fait de la vente de distributeurs de cacahuètes. Et c'était ultra rentable. Tu mettais 10 yens, 20 yens, tu tournais, tu avais 4 cacahuètes qui tombaient. Et ça, c'était ultra rentable pour Taito. Mais ça oui, effectivement, on va dire qu'au Japon, les machines électromécaniques, ça commence déjà par des petits chevaux mécaniques, ce genre de choses. C'est aussi à ce moment-là que débute la véritable histoire de Namco, hein, notamment Nakamura Seisakusho. Taito arrive à ce moment-là, Sega arrive à ce moment-là. Tout à l'heure, Monsieur Garcin mentionnait le fait que c'était deux gaijin, donc deux étrangers qui créaient des boîtes qui vont devenir leaders. Et effectivement, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que à la fin des années 70, les deux grands rivaux, c'est pas Nintendo versus Sega, non, c'est Taito versus Sega, et ils se tirent la bourre en fait depuis les années 50. Taito, c'est à partir de vraiment de 1953, mais Sega arrive à ce moment-là aussi. Donc, c'est deux concurrents, et ils se connaissent très bien. Hein, ils sont amis, hein, les deux fondateurs, que ce soit David Rosen ou Mireille Kogan, ils se connaissent très bien dans le sens où, évidemment, deux gaijin à cette époque, c'est pas forcément très courant dans un Japon qui est encore assez pauvre suite à la défaite. Ils sont en pleine reconstruction, bref. Mais c'est effectivement eux qui vont relever en grande partie l'industrie des loisirs et du jeu d'argent, mais du jeu ludique, voilà, pour les enfants, etc. À cette époque. Alors, Taito va effectivement se lancer dans le jeu. Là, tu montres le jeu basketball, qui est un jeu américain à la base, et Taito l'adapte aussi. Ils ont plein de petits jeux comme ça, et c'est vrai qu'il faudra. Moi, j'ai surtout envie de parler effectivement de Monsieur Nishikado, que j'ai la chance de très bien connaître, puisque tu viens de le montrer, Monsieur Garcin, mais il m'a montré en long et en large tous les jeux électromécaniques sur lesquels il avait travaillé. Il y en a certains qui sont absolument géniaux, et je pense notamment à Sky Fighter. Alors, j'ai retrouvé des images. Sky Fighter, ouais, très bien. C'est une énorme borne. Il y a beaucoup de choses à raconter, mais ce qu'il faut dire, c'est que on est loin d'être dans du jeu vidéo. Hein. Pour ceux qui effectivement ne connaîtraient pas, quand on parle de jeu électromécanique, il n'y a absolument aucun signal vidéo dans tout ça. Tous les effets vidéo, enfin tous les effets visuels qu'on voit, c'est uniquement des jeux de miroir, des jeux de reflets. D'éclairage, ouais. Ouais, exactement. Et c'est absolument incroyable. Il y a des choses, tu te dis, mais c'est de la magie. Aujourd'hui, en 2022, tu vois encore certaines bornes, tu te dis, mais comment c'est possible? Et c'est assez bluffant. Je voudrais vous montrer. Je vais essayer de faire un partage d'écran. Parce que j'ai des images de Sky Fighter. Vas-y. Moi après j'ai des images de la borne des Lepong après. Mais... Ah t'as réussi à trouver. Ok. Alors attends. Donc vas-y, passe Sky Fighter. Tu la mets en bas en partage et puis je peux l'afficher ensuite. Ouais. Mais souvent beaucoup de ces bornes, c'était pas un peu le principe comme des zappers sur les consoles. Ça jouait beaucoup avec la lumière. C'est ça, non? C'est ça. Ouais, des miroirs, des jeux de miroirs. C'est ce qu'il disait Florent juste avant. Donc oui, là, je vois ton écran. Du coup, tu peux. Vas-y, tu peux lancer. Voilà. Ah, donc voilà, là, vous voyez Sky Fighter et les avions qui volent. On a vraiment l'impression que les avions sont suspendus dans le ciel. Ouais. Et tout ça, c'est mécanique. Et le ciel, pareil, il est animé évidemment avec un rouleau.
et de la lumière qui est à l'intérieur, c'est assez bluffant, quoi. Et quand on a la borne, là, c'est vidéo filmée avec l'iPhone à l'arrache, sans effet, enfin, sans véritable effort de lumière. Immersion, ouais, l'immersion est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc voilà, c'est ce genre de jeu, en fait, qui sont, on va dire, la norme. Et c'est extrêmement important de le signaler au Japon. Il y a aussi un jeu qui aura fait extrêmement sensation au Japon et qui est dans le monde entier, qui s'appelle Mini Drive. Souvenez-vous, ces machines avec un tapis roulant et vous contrôliez une voiture avec un volant. On l'avait, moi, je l'avais, le tableau de bord Tommy, en fait. C'est Tommy qui avait fait ça. Et en fait, c'est un rouleau. Moi, je l'avais quand j'étais petit. Au bout de 5 minutes, j'ai senti l'arnaque. Je leur ai dit, mais vous m'avez bien eu. C'est quoi ce jeu? En fait, il se passe rien. En fait, il y a un rouleau, puis tu avais un levier. Oui, mais bon, moi, j'aimais bien. Tu étais dur quand même. Quand j'avais 7-8 ans, j'adorais. Ouais, tu as le petit levier de vitesse. C'est pour ça. Ça, c'est l'adaptation en jouet, effectivement. Mais c'est vrai que Mini Drive, on peut trouver des images assez facilement, mais c'est un jeu qui était génial pour l'époque. Et les enfants adoraient ça. Un tapis roulant avec plein de petits décors. Et la voiture, c'était une vraie voiture en plastique avec des roues, etc. Que tu fais tourner avec le volant, ça mécanise, c'est ça, elle roule de droite à gauche. Exactement. Et en fait, il y avait des plots qui étaient représentés par des patchs métalliques. Et quand tu passais dessus, en fait, ça te donnait des points ou ça t'en enlevait en fonction de... Et il fallait avancer le plus loin possible. Il fallait faire le tour du Japon. Enfin bref, c'était assez génial. J'ai une autre image, si tu veux, d'un autre jeu électromécanique qui est complètement différent, mais qui s'appelle Borderline. Et vous allez voir, donc, c'est des décors qui sont faits en plastique, comment on appelle ça, thermoformé ou terraformé. On voit là, il y a la utilise, ça utilise en fait la technologie des hologrammes. Et donc, regardez bien, c'est pas forcément très clair à cause de la qualité de la vidéo, malheureusement, mais vous pouvez voir l'avion. Ouais, c'est génial. Et quand vous réussissez le tir, en fait, vous voyez, ça, il y a des animations comme ça qui s'affichent et c'est extrêmement précis, c'est très très fun. Donc nous, on a une mitraillette, parce que là, je vois la photo de la borne. En fait, on a une mitraillette pour expliquer aux gens et on tire sur les avions, c'est ça? Exactement. Et c'est plutôt précis, ça marche bien. Et quand vous arrivez à toucher le vaisseau, vous avez vu qu'il fait une chute. Vous n'avez peut-être pas entendu le son, mais on entend l'avion qui fait... et puis vous entendez un crash avec un flash. Enfin, voilà, tout ça. Il y a la pub là. Ouais. C'est très joli. C'est la même techno que la maison hantée de Disney, en fait. C'est la maison hantée qui a. Tu vois de quoi je parle? Ouais, les hologrammes. Ouais, c'est un affichage holographique. C'est assez basique, mais là, il y a vraiment un côté interactif qui est assez novateur. Ouais. Enfin, qui est novateur. C'était vraiment les technologies de cette époque. Et en réalité, Taito fait de très bonnes ventes avec ce genre de machine. Hein. Là, on n'en montre que deux, mais il y en a plein d'autres. Namco va cartonner avec un jeu qui va s'appeler F1 et qui est absolument incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans une bagnole alors que c'est juste un disque qui tourne avec une petite bagnole comme ça. Et la sensation de crash est assez bluffante. C'est magique. Moi, je suis ultra fan de ces machines-là. Le seul problème, c'est que c'est absolument impossible à émuler. Et tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas comprendre le véritable intérêt de ces machines-là. Et il y a quelques musées, il y en a un en Russie, qui expose ce genre de machine. Et j'aimerais tellement qu'on prenne plus soin de ces trucs-là. Quoi. Ouais. Mais bon, ce n'est pas émulable, malheureusement. Non. Et est-ce qu'à cette époque-là, déjà au Japon, il y avait comme un peu des salles d'arcade, c'est-à-dire des lieux où il y avait plein de machines de ce type? Alors, au Japon, ces machines, effectivement, qu'on appelle donc des éléméca, on en trouve un peu partout, sauf que la salle d'arcade en tant que telle n'existe pas. Okay. Ces machines-là, on les trouve où? On les trouve, dans les bowling. Par exemple, entre quand on attend de faire son tour, hop, on va jouer sur des machines qui sont posées à côté des flippers, parce qu'on trouve des flippers. Ou alors, on trouve ces machines... Au dernier étage des grands magasins au Japon, il y a toujours eu, à côté de l'étage des jouets, un espace un peu paré d'attractions où tu avais toujours des manèges, des petits manèges 3-4 places, hein, des petits trucs, des chevaux mécaniques, les voitures qui, enfin, vous voyez, les voitures qui font avant-arrière là. Et c'était là aussi qu'on trouvait ce genre de borne, quoi. Mais en tant que telle, la salle d'arcade n'existe pas encore parce que la salle d'arcade, c'est surtout à partir de Breakout et surtout Space Invaders. Puisque c'est les adultes qui vont squatter ces endroits-là. Ces bornes-là, donc, qu'on montre, elles sont surtout exploitées là où il y a des enfants. Là, les bowling, ils sont accompagnés des parents, quoi. Mais voilà, il n'y a pas encore véritablement de salle d'arcade telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Ok.
Et alors, ce qui est absolument génial, en fait, c'est de se dire, voilà le genre de jeu qu'on avait au Japon à cette époque. Et on va passer tout de suite derrière à l'arrivée des premiers jeux vidéo, et notamment à Pong, qui sort fin 72 aux États-Unis et qui arrive au Japon tout début 73. Et il y a une histoire absolument géniale, en fait, sur l'arrivée des jeux vidéo au Japon, puisque Taito est pionnier dans le jeu vidéo, on va le voir assez rapidement. Il faut raconter comment le jeu vidéo est arrivé. Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que, vous voyez, là, les trucs qu'on vient de voir, là, les jeux électromécaniques, on en a montré deux, mais il y en a, c'est des trucs de malade. En termes d'immersion, tu te dis, mais c'est tellement fabuleux. Ils se font vraiment suer pour avoir des décors qui sont vachement colorés. Enfin, c'est des œuvres d'art. J'insiste là-dessus. Hein. Certaines bandes sont des œuvres d'art. Il y en a avec les chevaux. J'avais déjà vu des immenses plateaux. Tu sais, les courses de chevaux, c'est des chevaux mécaniques. Ouais, c'est impressionnant à voir. C'est des trucs de foire, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Ils sont absolument hallucinantes. Et derrière, t'as Pong qui arrive. Et tu te dis, oui, avec le recul, on sait tous que le jeu vidéo, c'est devenu un succès phénoménal. Mais honnêtement, qui aurait pu miser sur Pong? Quand tu sais que tu joues à des trucs qui sont interactifs, qui sont vachement réalistes pour certains, vraiment réalistes, et derrière, tu arrives avec poum, poum, poum. Il fallait vraiment être culotté pour y croire, en fait. Moi, je trouve. Ouais. Et c'est ça qui va être assez génial, en réalité, dans l'histoire de Taito. C'est que, vous le savez certainement, mais à cette époque, le Japon, on ne va pas se mentir, c'est un pays qui copie tout. C'est les copieurs. Et tout ce qui se fait aux États-Unis, en Europe, et qui marche bien, ils l'importent chez eux, et ils font la même chose, et ils essayent d'améliorer le truc. Bon, ça a duré toutes les années 60, 70 et 80. Maintenant, ils font les vierges effarouchées dès qu'on copie un truc à eux, mais bon, c'est dans le problème. Mais bref, en 1972, quand Pong sort aux États-Unis, évidemment, il y a des gens sur place aux États-Unis de Taito qui sont là pour repérer, voir ce qui fonctionne aux États-Unis, parce que c'est un argument de vente, hein, comme vu à la télé. Je voulais dire, en fait, parce que là, tu dis ça comme ça naturellement, mais c'est pas évident. En fait, il y avait déjà, à cette époque-là, un Taito aux États-Unis, parce que là, c'est surprenant. Alors, j'en sais rien. Il y a peut-être déjà une succursale à Taito. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour faire du repérage, qui sont là pour faire de. Je veux dire, nous, on a. Moi, j'ai pas au MacBooks au Japon, mais on a des gens au Japon qui sont là pour nous, pour regarder ce qui se fait. Et dès qu'ils trouvent un bouquin qui est intéressant, ils nous en parlent, vous voyez. Donc, okay, ouais. Ça, c'est parfaitement normal dans le monde du business. Et évidemment, il y avait plein de Japonais qui bossaient, qui étaient sur contrat. Dès qu'ils ramenaient un contrat, ils touchaient des sous. Enfin, bref, ils sont là pour trouver les bonnes affaires. Et donc, forcément, tous les trucs qui marchent aux États-Unis, Taito le reçoit. Et ils reçoivent une borne Pong. Au début de l'année 1973, et elle arrive en fait quasiment à côté du bureau de monsieur Nishikado, le futur père de Space Invaders. Et alors là, on leur dit, bah, écoutez, voilà, ça c'est un truc qui cartonne aux États-Unis, est-ce que vous pouvez l'étudier pour voir ce que c'est, puis si ça vaut le coup de le faire, de le vendre au Japon, quoi. Et donc Nishikado, il regarde et il est vachement étonné parce que ça a l'air d'une borne électromécanique, mais quand il ouvre à l'intérieur de la machine, il n'y a aucun mécanisme. Il voit, c'est une PCB. Alors, il est ingénieur en électronique, donc il voit que c'est une PCB et il voit que c'est un écran, entre guillemets, tout ce qu'il y a plus normal comme écran, quoi. Un écran d'oscilloscope, un peu. Non, c'est un écran normal, vraiment. Ouais. Je ne suis pas technicien, mais c'était un classique, je pense. Ouais. C'est pas du tout oscilloscope, c'est vraiment un écran normal, quoi. Bon, bref. Et donc, il est quand même assez étonné. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi, ce truc? Et donc, ils allument la borne, ils voient que c'est un ping-pong. Et Nishikado, lui, il voit tout de suite le potentiel de ce truc. Et il comprend tout de suite que c'est l'avenir. Mais c'est ça qui est plutôt rigolo, c'est qu'à côté de lui, tous les gens qui sont dans la division business, ils regardent le truc et il y en a un qui fait la réflexion suivante et il dit, ça ne marchera jamais. Et alors là, il y a monsieur Nishikado qui fait, pourquoi vous pensez que ça marchera jamais? Et il a une réflexion qui, avec le recul, est assez, assez révélatrice de cette époque et qui est assez géniale. C'est qu'il dit, monsieur Nishikado, regardez, quand vous ouvrez une borne Taito électromécanique, quand vous ouvrez, c'est blindé de lumière, c'est blindé d'ampoules, c'est blindé de mécanique complexe, il y a des processeurs, enfin des trucs sonores.
quand vous achetez la borne, ce qui est très cher, vous en avez pour votre argent. Par contre, regardez la borne là, américaine, quand vous ouvrez, c'est vide. Jamais aucun opérateur au Japon acceptera de payer pour une boîte vide. Voilà, vous vous rendez compte de la réflexion? C'est assez génial, en fait, d'entendre ce genre de propos avec 40 ans de recul. Et donc, Taito, du moins les décisionnaires de Taito, ne vont pas y croire. Ils vont laisser la borne là, bah, comme ça. Alors que les ingénieurs, de leur côté, et notamment Nishikado, ils trouvent ça génial. Et ils y jouent toute leur pause de midi. Ils n'arrêtent pas de jouer à Pong. Ils trouvent ça super. Et il va y avoir un déclic qui va tout changer. C'est que très rapidement, ils vont apprendre que Sega, qui est évidemment leur grand rival à cette époque, s'est procuré, pareil qu'eux, une borne Pong. Et ça va devenir Pong-tron. Et en réalité, Sega, plutôt pragmatique, ils vont changer l'habillage, ils vont enlever l'habillage de Pong normal et ils vont rajouter un autre titre, ils vont appeler ça Pong-tron avec un autre habillage différent et ils vont le mettre en location test. Bon, c'est kiff-kiff bourrico, hein, ça change quasiment pas hein, pour ceux qui connaissent la première borne Pong. Et ils vont mettre des babes, surtout sur la promotion. Il faut des babes, forcément. Et c'est les babes qui ont permis aux jeux vidéo de se développer. Ouais. Et donc, ils vont réussir à placer leur borne adaptée dans une salle pour ce qu'on appelle le location test. En gros, c'est des tests de grandeur nature. Hein. Ils posent une borne et ils voient la réaction des gens, si ça plaît, s'ils remettent des pièces, s'ils se lassent au bout d'une pièce. Et puis, ils décident en fonction de ça, si oui ou non, ça vaut le coup. Voilà, c'est comme ça que ça marche dans le monde de l'arcade, on va dire, pour simplifier. Et quand ils apprennent ça, branle-bas de combat chez Taito, ils disent, bon, si Sega l'a fait, il faut absolument qu'on soit, faut pas qu'on soit à la traîne, surtout qu'ils ont entendu dire qu'ils ont fait du repérage aussi, ils ont bien vu que les gens faisaient pas forcément la queue, mais qu'il y avait beaucoup de succès autour de cette borne et que ça rapportait beaucoup de sous. Et surtout, chose qui est plutôt rigolote, c'est que en réalité, le jeu électromécanique coûtait entre 20 et 30 yens la partie jusqu'à présent. Et Sega, pour ce Pong, Tron, ils ont décidé de mettre la partie à 50 yens. Et c'est un gros choc hein, par rapport au coût de pratiquement doubler le prix de la partie. Et malgré cette augmentation à 50 yens, ça cartonne. Donc clairement, Taito se doit de réagir très très vite. Et donc en moins d'un mois, ils vont refaire évidemment leur borne et le disposer dans leur propre salle agréée Taito. Et là encore, ça va être un énorme succès. Donc, ce qui va se passer, c'est que Sega et Taito, quasi simultanément, vont acheter des centaines de PCB à Atari. Les premières bornes, il faut le savoir, elles sont officielles. Hein. Enfin, elles sont officielles. C'est-à-dire que Atari n'a pas de succursale au Japon. Et Atari est même très, très content de pouvoir vendre des PCB par centaines. Et évidemment, au Japon, ils refont l'habillage parce que ça leur coûte moins cher de faire l'habillage sur place que de les faire importer des États-Unis. Donc, ils n'achètent que des PCB qu'ils placent, etc. Bon, après quelques mois, M. Nishikado me l'a avoué, Taito ne va pas s'emmerder, ils achèteront des bootlegs beaucoup moins chers, faits par des concurrents américains à Atari, et ils se contenteront de bootlegs. Mais ni Sega, ni Taito, à cette époque, ne sait faire de jeux vidéo encore. Donc, ils utilisent des PCB américaines. Mais c'est malgré tout ce déclencheur-là qui va faire naître le marché du jeu vidéo au Japon. Et est-ce qu'on en vient tout de suite à parler du premier jeu dont on voulait parler justement, de la fusion de Pong et de Taito? Ouais. Alors c'est ça qui est passionnant, c'est qu'effectivement, M. Nishikado, en ce sens, il a vraiment été pionnier et c'est plutôt rigolo, mais alors il n'en a pas vraiment conscience à cette époque, mais il se dit que Sega a exactement le même jeu, bah oui, c'est du Pong. Et que le jeu vidéo a un véritable avenir. Et donc, il décide d'étudier. Il va passer quasiment 2 mois à essayer de comprendre comment fonctionne la PCB. Il va dessiner, il va coller plein de feuilles les unes à côté des autres et sur le pan de son bureau. Il va refaire le plan de la PCB pour essayer de voir où est la connectivité, comment fonctionne tel condenseur, etc. Enfin, il va passer 2 mois à étudier le truc. Il va s'arracher les cheveux. Et il va comprendre comment on fait un jeu vidéo en TTL ou TTC, je ne sais plus comment on dit, hein, je suis tellement nul en technique, j'en sais rien, mais en gros, c'est en logique. Quoi. Il faut savoir qu'à cette époque, le microprocesseur n'est pas utilisé. Je ne sais même pas s'il existe déjà à cette époque. Mais en tout cas, ce n'est pas des lignes de code, hein, c'est juste des assemblages de composants qui fait qu'on affiche des trucs. Donc, il n'y a pas de ligne de code. Et chaque PCB est très différente l'une de l'autre en fonction du jeu. Mais il va essayer de comprendre comment ça fonctionne.
et il va essayer d'innover avec le peu de moyens. Et surtout, à cette époque, le Japon n'est pas encore le géant de l'électronique tel qu'on le connaît. Ça va arriver très vite, mais pas encore. Et avec très peu de moyens, il va réussir à créer son propre jeu, from scratch, hein, comme on dit. Et ça va être Soccer. Alors évidemment, c'est un dérivé de Pong, parce qu'à cette époque, il est difficile encore de faire autre chose que des jeux de balles et de raquettes. Mais Soccer, il a quand même quelques petites originalités, dans le sens où là, pour le coup, il va y avoir un terrain qui est délimité, et puis des cages, et deux raquettes qui se déplacent simultanément avec un attaquant et un défenseur. Alors évidemment, lui, il en a parfaitement conscience, hein, c'est un dérivé, c'est pas une copie, mais c'est une amélioration de Pong. Mais malgré tout, ça reste le premier jeu vidéo créé par un Japonais de l'histoire. Ça, ah ouais. Pareil. Alors ça, c'est 1973 et il y avait le Pong de Taito. J'ai des images de ça. Ah ouais, vas-y, balance. Du Pong de Taito qui est Ele Pong, en fait, pour la fusion de électromécanique, oui, et de Pong. Ils n'ont pas voulu utiliser le même nom que Pong parce que ça prête à confusion, évidemment, ouais, avec Atari. Ouais. Allez, on y va. Mais ton livre est juste dans son titre. C'est-à-dire comment Tomohiro Nishikado a donné naissance au jeu vidéo japonais. Mmh. Et je crois qu'effectivement, c'est le point de départ du jeu vidéo made in Japan. Mais bon, le point de départ du jeu vidéo japonais, du coup, c'est un jeu vidéo américain. C'est fou, quoi. En fait, tu vois, bah ouais. Un dérivé, pourquoi il l'appelait Ele Pong? Parce qu'il y avait de l'électromécanique à l'intérieur également. C'était une fusion. Ouais, bah, disons que le mot électronique, c'était quand même un mot à la mode, parce que c'était tout nouveau. L'électronique, c'était un truc qui était hyper onéreux, mais qui faisait rêver tout le monde, quoi. On savait qu'on allait révolutionner l'univers avec l'électronique, et donc ça tapait. Et puis surtout, il y avait Pong, et puis c'est quand même Sega qui a donné le point de départ avec son Pong Tron. Il fallait qu'évidemment que de son côté, Taito ait un autre titre qui soit ni Pong ni Pong Tron. Donc ils ont choisi Ele Pong. Ouais. Après, il n'y avait pas un double dans celui-là, de ce qu'on voit. Il y avait un double, il me semble. Tu avais un mode pour jouer en double. En fait, tu avais... Oui, alors il y a eu tellement de variantes. Après, c'est compliqué, mais il y a eu des Pong pour deux joueurs, pour quatre joueurs. Enfin, il y a eu plein de trucs, quoi. Mais c'est Soccer qui arrive la même année, après que Nishikado ait réussi à monter du moins son propre plan, qui va être le déclencheur, en réalité. Ouais. Et puis, à partir de là, ça va aller très, très vite. Ouais. Il y a un autre jeu qu'il faut absolument mentionner, c'est Basketball. Ah bah je l'ai. Qui lui aussi est vraiment notoire à plusieurs titres. C'est parce que non seulement il va être vendu aux États-Unis, et c'est en réalité le premier jeu japonais vendu aux États-Unis, mais il y a plein d'autres choses qui sont assez intéressantes. C'est que c'est, a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est le premier jeu qui a des personnages humanoïdes identifiables. Ouais. Puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas d'humains. Voilà. Donc, voyez les joueurs de basket. Et ça aussi, c'est plutôt intéressant. C'est que c'est le premier jeu qui est aussi visuellement identifiable. Quand tu vois l'écran, tu sais tout de suite que c'est un jeu de basket. Tu le vois. Ouais. Même si c'est très simpliste. Ouais. Et moi, j'adore ce jeu de basket parce que ça reste, mine de rien, encore une adaptation de Pong. La balle, elle rebondit indéfiniment. Mais quand tu arrives à la faire rentrer dans le panier, j'adore l'animation du panier. Il a réussi à reproduire le filet logique. La façon dont le ballon descend, tu vois, le ballon il ralentit, ouais, et puis t'as le filet qui vibre un petit peu, c'est assez génial. Et vraiment, ce jeu, moi je le trouve assez, assez fabuleux, quoi. Donc, ouais. 74, et bah, il est également novateur, novateur pour, à bien des égards, quoi. Et à cette époque-là, en 74, alors du coup, on a qui ? On a Sega. Il y a Namco déjà en 74 aussi qui fait de jeux électroniques. Oui, Namco est déjà là en 74, ouais. Mais après, ouais. En jeu vidéo, je ne suis pas certain qu'ils aient fait quelque chose encore. Voilà, c'est vraiment les prémices. Et là, il n'y a que quelques éditeurs. Du coup, c'est très… Là, ils sont quoi, 4-5 peut-être. Ah oui, après, Nintendo est déjà là puisqu'eux, ils font de l'électromécanique. Et voilà, ouais. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est rapide, hein. Ouais, alors ça, c'est la partie démo. Voilà, mais quand ça rentre, en fait, c'est un peu ralenti et puis ça fait des rebonds à l'intérieur du filet. C'est assez marrant, quoi. Bon, là, on ne voit pas les joueurs. Et oui, là, voilà, je me disais… ok, d'accord. Voilà. Ah, ok. Mais en fait, finalement, tu vois vraiment que c'est presque une variante de Pong, quoi. Ah mais ça l'est, hein, ça l'est. C'est juste que les raquettes sont remplacées par des basketteurs. Des petits bonhommes. Ouais, voilà. Là, c'est extrêmement simpliste, mais tu peux difficilement faire mieux. C'est déjà des prouesses, hein, d'arriver à faire ça à cette époque. Ah, on est en 73, ouais, effectivement. Et ouais, 73, c'est chaud, quoi. 73, ouais.
Ouais, alors pour apporter une petite touche complémentaire, parce qu'avec Cousin Hubert, hein, qui est présent et que je salue, on est en train de bosser sur le X68000. Donc, au niveau des processeurs, j'ai fait pas mal de petites recherches. Et il faut savoir que c'est donc alors les processeurs, ça faisait longtemps que c'était en cours de développement, mais le premier qui a vraiment été commercialisé, c'était le Intel 4004, et c'était en 71. Et alors, c'était un 4 bits, mais il faut vraiment attendre 74 pour que ça se démocratise avec le 8008, et puis après le 8080, enfin les processeurs entre guillemets plus connus et qui ont été entre guillemets plus accessibles. Donc c'est vrai que c'était quand même hyper compliqué à l'époque parce que c'est des c'est comme l'a dit Florent, hein, voilà, c'est des circuits logiques. C'est bien expliqué dans le bouquin sur Ralph Baer, puisque l'Odyssée Magnavox était développé sur ce même principe. C'est vraiment le tout début, et il faut saluer comme la rétro-ingénierie qu'a faite notre ami de chez Taito, parce que voilà, il fallait comprendre comment ça fonctionnait, et à partir de... Une fois que tu avais compris le mécanisme, tu pouvais apporter des petits ajouts ici et là, mais c'était limité. Donc là, quand tu vois déjà les prouesses qui sont réalisées avec les moyens du bord, tu dis bravo, quoi, bravo. Ouais, après, on va voir des jeux, tu te dis, mais c'est pas possible de faire ça en circuit logique. On peut le voir avec le jeu suivant, déjà, qui pour moi est encore une fois une véritable prouesse. Speed Race. Ouais, je l'ai. Super, je l'ai. Ouais, j'ai une vidéo aussi que j'ai prise, moi-même, si tu veux. Voilà, Speed Race. Vous n'avez pas le son, mais le son est plutôt sympa, il est plutôt réaliste. Et ça, c'est 1975, et c'est le début d'une licence donc, qui va s'appeler Speed Race, et qui va être pendant, jusqu'à l'arrivée de Monaco GP, etc., qui va être le gros succès du jeu de course. En arcade, ouais. Là, on dirait qu'il y a deux joueurs, là, non ? Non, il y a un joueur. Alors, il y a des versions deux joueurs, mais... ah si, t'as raison, ça, c'est, je crois que c'est... Parce que là, t'as vu, on dirait qu'il y avait deux voitures identiques qui ont l'air d'être opposées à tous les autres. Mais je me souviens plus, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de visiter les archives de Taito. On peut voir des tas de photos dans mon bouquin, mais il y a des bornes qui sont alignées les unes à côté des autres. Et j'ai pu faire des photos et jouer à tous les jeux de Nishikado à l'époque. Alors ça, oui, c'est une petite partie, mais il y a peut-être des photos plus parlantes, mon cher Gunhead. Mais et donc j'ai fait des parties de différentes versions de speed race. Ouais, voilà, exactement. Là, vous voyez, ça c'est les archives de Taito. Ouais. Ah ouais, waouh, classe. Ça fait musée, quoi. Ouais, ça fait musée, c'est vachement chouette. Et voilà, là vous avez Speed Race GL5 et là il est en couleur, mais c'est toujours. Parce qu'il y a eu deux suites, j'ai vu en 76, je crois, il y a eu deux autres. Ça devait être un gros succès du coup. Ouais, mais c'est un énorme succès. Et là aussi, alors il y a plein de choses à dire sur ce jeu parce que Speed Race c'est le premier scrolling de l'histoire du jeu vidéo. Même si techniquement parlant, c'est pas vraiment un scrolling parce que c'est juste trois versions d'affichage qu'on fait se superposer les unes après les autres. Mais mine de rien, c'est la première fois qu'on a un jeu vidéo avec un défilement. Mais un défilement super rapide. Super rapide en plus. C'est super rapide. Ah ouais, c'est alors, bon. En fait, l'idée, elle vient de... L'origine de ce jeu Speed Race est plutôt intéressante. C'est parce qu'en réalité, encore une fois, Atari a créé le premier jeu de course de l'histoire. C'est Grand Track 10. Grand Track 10, vous voyez. Et donc, ils reçoivent une borne chez Taito, ils décident de l'étudier, et le jeu est très sympa, sauf que c'est vu de dessus, c'est que des petits points qui délimitent le circuit, et vous contrôlez une voiture sans opposant, et vous faites des tours de circuit avec un timer, quoi. Et vous devez marquer le plus grand nombre de points dans le timer, dans le temps imparti. Et en réalité, c'est assez difficilement jouable, parce que vous faites des tours de circuit, et donc, parfois, la voiture est inversée, et avec le volant, vous perdez les pédales, quoi. C'est très compliqué à gérer, à manipuler au début. Et donc, ils trouvent ça assez dommage. Et Nishikado va se dire, moi, je voudrais faire un jeu de voiture qui ressemble à ce que j'ai connu avec le jeu électromécanique Mini Drive, dont on a parlé tout à l'heure, avec les fameux tapis roulants. Et il se dit, je vais utiliser la technologie vidéo, du jeu vidéo, pour faire autre chose. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, ça apporte autre chose, le jeu vidéo. Là, avec le jeu vidéo, on peut faire rétrécir la route, il y a beaucoup de choses qui sont apportées et qui n'étaient pas possibles avec un simple tapis roulant et des mécaniques, quoi.
Et donc, c'est le premier jeu avec scrolling. Et autre chose qui est plutôt intéressante, c'est que la direction de Taito croit tellement en Speed Racer que c'est un des rares jeux qui passera, qui sera commercialisé sans même version de test. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ouais. Et ils ont tellement confiance en ce jeu en disant « ça va cartonner, ça va forcément être génial », qui décident de mettre le monnayeur sur 100 yens. Et alors là, Nishikado, il est vent debout contre cette décision. Et il dit « mais non, c'est un suicide, le jeu il va être super, mais vous doublez de 50 yens à 100 yens le prix de la partie, vous êtes fou. 100 yens en 1975 ?» je sais pas, c'est peut-être l'équivalent de 2 ou 3 euros maintenant, quoi. C'est pas rien. C'est la boîte de Pandore, ouais. C'est la boîte de Pandore, parce que 100 yens est resté et perdure encore aujourd'hui. J'ai envie de te dire. Là, on voit la version, c'est étonnant, avec les deux volants. Moi, j'avais jamais vu de bande d'arcade avec deux volants, tu vois. Après, il y a des bandes Atari avec 8 volants, mon pote. Hein. Ah ouais. Ah bon, c'est moi, j'avais vu le off-road avec les 4 volants déjà. Ah oui, c'est vrai que voilà, celui-là, je le connaissais, j'avais déjà vu le off-road avec les 5. Ça vient de là, tu vois, ouais. Ok, c'est ouf. Mais voilà, et en réalité, et ça c'est aussi une anecdote qu'il y a dans la biographie, donc dans mon bouquin Nishikado, mais il va discrètement modifier les monnayeurs des bornes, et il va placer un espèce de switch en fait qui permettra au tenancier de placer éventuellement, s'il voit que ça ne marche pas au prix de 100 yens, de remettre la partie à 50 yens. Et finalement, ça va cartonner même à 100 yens. Et c'est ce jeu-là, en fait, Speed Racer, qui va imposer le prix d'un crédit à 100 yens au Japon. Ouais. Ah bah super, merci. Hein. Bravo. Ouais. Ok, victime de son succès. Est-ce qu'on cite rapidement en 75, est-ce qu'on montre Western Gun ou pas? Ouais, il est hyper important. Mais attends, avant, moi j'avais noté quand même qu'il y avait un jeu, bah, tu sais, c'est un jeu d'avion Interceptor. Ouais, t'es dans la cabine d'un avion et alors je sais pas, j'ai vu ça, ils mettaient, alors moi je connais rien, genre c'est le first scaling sprite, genre le premier jeu avec des, je sais pas ce que c'est scaling. Alors je vais vous en parler parce que c'est un jeu de Nishikado aussi, donc je peux vous en parler. C'est a priori, là encore je mets toujours des pincettes parce qu'il y a toujours tu trouves toujours un truc encore plus obscur et qui te démontre que ce que tu dis est faux, mais c'est a priori le premier FPS de l'histoire. Donc, c'est pas rien. Ah ouais, carrément. Donc, si tu veux mettre Big Cam, j'ai mis la vidéo. Mais voilà. Donc, voilà à quoi ressemble Interceptor. Interceptor, waouh. Et le jeu, en réalité, est assez génial parce que on le voit peut-être pas forcément, mais effectivement, il y a des effets de zoom sur les avions ennemis. Ouais. Et puis, il a réussi aussi. Et ça, c'est assez bluffant. On les voit partir, ouais, là. Ouais, c'est fou. Ouais, et surtout, il a réussi avec. Alors, il m'a expliqué, mais j'ai oublié comment il avait fait. Mais vous voyez, les nuages, ils sont flous. En transparence, non, vraiment une sensation de nuages, quoi. Là, je vais le remettre, hein, comme ça permettra de revoir. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier, entre guillemets, FPS, first person, parce que là, on est vraiment à la première personne de l'histoire. Et là aussi, c'est Nishikado. Et je sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas une cabine est-ce qu'ils n'avaient pas fait, il me semble avoir vu. Un habitacle où tu rentres dedans, je sais pas si. Interceptor, non, on le voit là, ouais. Ah ouais, parce que là, on la voit, c'est une borne classique, ouais. Interceptor, ouais. C'est celle-ci là, ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, on a déjà vraiment les prémices des jeux qui vont arriver, quoi, du futur. Ouais. Le futur est là. Ouais, parce que cet effet. Ouais, il y a la belle pub. Cet effet de zoom, c'est impressionnant quand même pour cette époque-là. Ouais, franchement, le jeu est vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé y jouer. Il se contrôle très bien parce que vous contrôlez avec votre manche à balai, vous contrôlez vraiment le viseur et ça déplace en temps réel, évidemment, les nuages et puis le positionnement des avions ennemis. Mais en réalité, il avait fait Sky Fighter. Vous vous souvenez tout à l'heure de son jeu électromécanique ? Ouais. Eh bien, il a voulu adapter en jeu vidéo ce qu'il avait déjà fait, quoi. C'est une adaptation de son propre jeu électromécanique. Ouais, par rapport au jeu que tu nous as montré avec les fameuses surfaces, en fait, c'est une adaptation de ça, non ? Ouais, c'est ça, le jeu électromécanique Sky Fighter qu'on a vu tout à l'heure avec les avions qui volaient, voilà. Et c'est une adaptation de ça. Et puis, effectivement, il faut vraiment mentionner Western Gun, alias Gunfight. Il y a eu deux versions, en fait. Voilà, c'est ça, là. Et ce jeu-là est absolument génial. Ouais. Donc, les personnages se dirigent, c'est un jeu de duel, hein, vous l'avez compris. Avec des rochers,
Là, c'est moi qui suis en train de jouer et je vais d'ailleurs gagner la partie. Mais il est assez génial parce qu'il est très stratégique, il est très technique. T'as les balles qui rebondissent. Ouais, hein, ouais, t'as les ricochets. Par contre, ouais, sur Atari, j'étais sur Atari 2600, il me semble, mais il n'y avait pas les ricochets, il me semble. Hein. Alors, il y a effectivement, c'est, enfin bon, il y a aussi les cactus qui vous protègent une fois, mais après, il faut jouer avec les ricochets. Et il y a trois niveaux de hauteur pour le tir, en plus. Wow, là, il a eu un ricochet, là. Oh, ouais. Et le jeu est très, très fun. Aujourd'hui encore, franchement, c'est super rigolo. Et donc, Bally Midway, qui a déjà adapté plusieurs jeux, dont Speed, enfin, qui a déjà adapté plusieurs jeux Taito aux États-Unis, va acheter les droits pour celui-ci, mais ils vont décider de le retravailler. Et c'est a priori le premier jeu avec un microprocesseur, ça va être le jeu de Nishikado, mais version Bally Midway. Vous voyez ? Et graphiquement, il va être un peu retravaillé, mais honnêtement, ludiquement parlant, il sera moins bien. Les personnages, là, c'est typiquement japonais, ils ont fait des personnages en version SD. Et aux États-Unis, les versions SD ne vont pas trop leur plaire. Ils décident d'avoir des personnages plus réalistes d'un point de vue des proportions. Voilà, mais c'est ça. Au final, le jeu sera moins fun parce qu'on les tire beaucoup plus, on évite les tirs beaucoup plus difficilement que dans la version japonaise. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais là, on est encore sur du jeu basique, sur circuit logique. Hein. Il n'y a encore pas de microprocesseur dans la version qu'on vient de voir. Oui. Monsieur Garcin. Après, je sais pas s'il y a eu. Attends, je sais pas s'il y a eu des suites ou quoi. Là, tiens, je regarde. Il y en a un, regarde là. Ouais, mais avec c'est la version Midway, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dont tu nous parlais, qui est un petit. Ah, où on voit les personnages qui sont un petit peu plus grands, avec des formes plus classiques. Okay, c'est celle-là qui est sortie sur Atari 2600. Je me souviens qu'il y avait même la diligence qui pouvait te servir de bouclier. Ouais, on voyait qu'il y a une petite diligence. Oui, il y a une diligence qui traverse l'écran pour apporter un petit peu de trucs, ouais. Voilà. Monsieur Garcin, est-ce qu'on va passer à un jeu On va passer là au jeu mythique, là, non, c'est ça. Hein ouais. Si je, sur ma petite liste, là, maintenant, c'est le jeu qui a révolutionné, qui a ruiné le Japon en pièces, hein, on va nous raconter ça. Hein. Mais c'est là, le fameux. Je tiens quand même à préciser, parce qu'on est sur une soirée Taito, mais avec tous ces jeux, Taito est le maître incontesté du jeu vidéo au Japon. Ils ont tous les gros hits, c'est Taito qui les devant signe. Devant Sega, évidemment. Sega arrive un peu plus tard. Monaco GP va être un grand, grand succès. Ils vont avoir Samurai qui va aussi très, très bien marcher. Enfin, ils ne sont pas ridicules, les autres. Mais Taito est leader. Hein. Et ils vont marquer leur empreinte, évidemment. Ils vont écraser tout le monde avec Space Invaders. Mais si on se sent que... Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur ton antenne, hein, Big Cam, mais moi, je regrette tellement que ces créateurs de génie tels que M. Nishikado, dont on parle depuis tout à l'heure, ne soient pas plus connus parce que ce gars-là, il a signé tous les hits des années 70. Et quand bien même on peut trouver que c'est un peu ridicule parce que ça fait clic-clac, etc., ce sont des jeux géniaux. Aujourd'hui encore, la plupart sont hyper jouables et hyper intéressants. Donc, c'est des jeux qui ont marqué l'histoire et vraiment, Nishikado, retenez son nom parce que c'est un pionnier et c'est un génie. Alors, je suis d'accord avec toi, Florent, là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a une base à tout. Il y a une histoire, d'où les choses qu'on connaît, nous, dans notre époque. D'où ces histoires sont venues. Et c'est vrai que les bases de gameplay, elles reposent sur ces jeux-là. Malgré le fait que la technologie, après, nous a permis de faire plus ou moins ce qu'on voulait, mais l'idée même d'un jeu vidéo, ça part de là, en fait. L'idée même de dire, on va jouer à un jeu et provoquer une interaction dans un écran devant nous. Ne serait-ce que ce concept, en fait, ce concept-là. Il part de là. Il faut comprendre comment le jeu vidéo, il a existé. Et c'est des choses importantes. Et c'est vrai que c'est ce qu'a vocation ce genre de live, hein. C'est un peu de remettre l'église au milieu du village, en fait, de reparler de ces gens-là qu'on a oubliés et qui sont à l'origine des choses qu'on aime aujourd'hui. Ah, mais la chronologie du jeu vidéo d'un point de vue du game design, c'est absolument passionnant. Et effectivement, tout part de Pong et on peut voir la façon dont ça s'est développé. C'est assez simple. Et au début, vous avez Pong. Après, effectivement, vous avez du soccer avec un peu plus de raquettes. Et après, vous aboutissez en 75 à ce qu'on appelle Breakout, le jeu du casse-brique. Ouais. Le jeu du casse-brique, c'est tout con. C'est un Pong revisité. Vous jouez à un joueur, vous avez tourné l'écran à 90 degrés et au lieu de raquettes, vous affichez les petits éléments que vous devez détruire. Mais dans les faits, c'est un Pong. Mais Breakout, c'est un jeu américain aussi. C'est Atari, ouais. Putain, mais c'est fou quand même. Non, mais ils étaient bons aussi à l'époque parce que moi, j'étais persuadé que Arkanoïde, c'était, on a des lacunes hein, des fois dans les connaissances. Dans mon imaginaire, Arkanoïde, c'était le premier jeu de ce type.
Non, non. Et en fait, non. C'est, j'ai vu en bossant la émission que bien avant, il y a eu Breakout. Du coup, aussi. Alors, même, peut-être même avant Breakout, il y en a eu un autre qui s'appelle Sweep House. Je dois retrouver. Je crois qu'il est dedans. Moi, c'est le casse-brique, c'est Breakout. Et ils en ont reparlé dans le documentaire, dans le documentaire qui est sorti sur sur Netflix là. Netflix. Ouais, mais attends, je tiens à confirmer quand même un petit documentaire, truc. Ouais, mais après. Parce que moi, j'avoue, j'ai connu Arkanoid en premier. Moi, j'ai découvert Arkanoid avec la fameuse molette, la bande arcade avec la fameuse molette. C'était génial à jouer, mais je savais pas qu'il y avait Breakout. Clean Sweep. Alors, Clean Sweep, il date de. Si vous pouvez regarder, est-ce que vous pouvez regarder en fait? Parce que moi, je ne suis pas persuadé. Il y a Clean Sweep, qui est un des pionniers aussi, qui est complètement oublié. Il est assez chiant comme jeu, d'ailleurs. Peut-être pour ça qu'on ne l'a pas noté. Je ne l'ai pas, là. Ouais, Clean Sweep, c'est avant Breakout. Moi, je pense que Breakout s'est inspiré de Clean Sweep. Sauf que Sweep, ils n'ont pas été au bout du délire. C'est un casse-brique, hein, Clean Sweep. Sauf que 82, le truc, il est sur Vectrex, hein, Clean Sweep. Oui, mais ça, c'est beaucoup, c'est des portages, ça. Ouais, c'est des portages. Mais Clean Sweep, c'est vraiment, ça allait de 73, quoi, 74. Mais, et donc, on parlait d'évolution. Donc, on a effectivement Pong. On a ensuite des ersatz de Pong un petit peu plus complexes. Ensuite, on a du Clean Sweep. Ensuite, on a du Breakout. Et on va arriver sur Space Invaders. Et le développement de Space Invaders, c'est assez génial parce qu'en réalité. 74, pardon, Florent, je te coupe. C'est 74 Clean Sweep. Ouais, et Breakout, c'est 75. Ouais, donc c'est avant. Là. Ah ouais, c'est un maze. Mais ils considèrent que c'est un Maze Runner, en fait, Clean Sweep. Mais ouais, oui, parce que. Mais non, mais c'est sur Vectrex. Moi, je l'ai sur Vectrex et tu diriges un aspirateur à la place d'un Pac-Man. Ah ouais, la bande d'origine, ils disent Ball. Ah, moi, and Paddle. Effectivement, ils disent Ball. Je connais pas la version Vectrex, mais la version d'arcade, c'est un Breakout. Sauf qu'au lieu d'avoir des briques en haut qui sont assez grosses et qui sont atteignables assez facilement, c'est des petits points. Et donc, la balle, elle doit essayer de récupérer tous les petits points. Raison, mais au bout d'un moment, c'est infernal parce que les points, ils sont tellement petits. Quand il t'en reste un, tu as raison, Florence, c'est ça. Et le jeu est très, très chiant. Vous voyez ouais. Ah, quand il t'en reste un, laisse tomber. Quoi. Et quand il t'en reste un, c'est injouable, quoi. T'en as marre, quoi. Pendant 4 heures, t'es avec ton truc, là. Mais là, il y a la base, en fait. En fait, donc, il y a eu 100 premiers. Après, Breakout. Et donc, Breakout s'inspire indéniablement de ça, sauf qu'ils font beaucoup mieux. Et ouais. Mais pour tous ceux qui disent que Breakout, c'est le premier, non. Clean Sweep est arrivé avant, d'une part, et puis indéniablement, il a inspiré… comme tu dis, Florent, il y en a toujours un avant. Quand on dit c'est le premier, c'est celui-là, en cherchant, on trouve toujours… Non, on trouve toujours… C'est pour ça que c'est très compliqué. Et en réalité, Space Invaders… va partir d'une volonté de Taito et notamment de comment ça s'appelle, de monsieur Nishikado. Et là tu peux le laisser pendant un bout de temps parce que je vais en parler pendant un certain temps. Mais à cette époque, le Japon connaît son premier grand boom du jeu vidéo et ce premier boom, en fait, c'est Breakout. Clean Sweep n'a pas du tout marché, ni aux États-Unis ni nulle part ailleurs d'ailleurs, ou très peu. Et Breakout, lui, par contre, il va avoir un vrai, vrai, vrai succès à l'international et notamment au Japon, où c'est là qu'on va commencer à avoir des bornes, des tables cocktails qui vont être posées dans les cafés, etc. Mais c'est un carton. Et en réalité, Nishikado est assez jaloux et il va avoir une réflexion qui est assez géniale et tellement typique de ce qu'est l'évolution du jeu vidéo. C'est que Nishikado, de son côté, si vous regardez bien l'évolution de ce qu'il a fait, il a toujours essayé de faire de plus en plus réaliste. C'est-à-dire que quand vous regardez basketball, il ne voulait pas des raquettes, il voulait des humanoïdes. Après, derrière, il voulait une borne réaliste de course avec un défilement. Pareil pour Interceptor, il voulait un truc qui soit dans un cockpit, qu'on soit vachement immergé dans l'action pour tirer sur des avions. Et en réalité, tous ces jeux vont bien marcher, mais le gros carton à ne surtout pas louper à cette époque, c'est Breakout. Et là, c'est ça qui va être pour lui une explosion dans sa tête. C'est que quand il va se rendre dans un bar, enfin dans une salle et qu'il va voir Breakout, il va se dire, mais on est revenu en arrière. On revient encore à des trucs de Pong, ouais, Pong. Et là, il voit qu'en réalité, sa quête de réalisme était vaine et que ce n'est pas forcément en faisant réaliste qu'on arrive à faire qu'on a un super jeu, quoi. Et déjà, en 1976-17, on se pose ces questions. Est-ce que vraiment c'est utile de faire ultra réaliste, quoi? Ouais, alors qu'on en est loin. Hein. Quand tu vois là.
C'est quand même assez bluffant. Et donc, il va avoir une mission parce que le jeu cartonne tellement qu'il éclipse toutes les autres bornes. Et donc, pendant un temps, toutes les bornes qui vont sortir à côté vont être éclipsées par Breakout. Et donc, Taito va lui lancer une mission et on va lui dire « Tu vas faire mieux que Breakout ». Et alors là, il va rentrer dans une réflexion qui est assez géniale. Et peut-être que ça ne se voit pas, mais regardez bien, ça, c'est quasiment la même chose que Breakout. C'est mais quasiment un casse-brique. Sauf que tu veux dire que les briques, elles bougent. Oui, et toi, tu tires quoi, là, parce que ce soir-là. Oui, c'est vrai que c'est un dérivé, j'avais jamais pensé à ça. Et elles sont animées de surcroît. Il va changer plein d'éléments, il va améliorer. Mais lui, son but, c'est de faire mieux que Breakout. C'est d'être le jeu qui va remplacer Breakout. Et donc, il va partir de Breakout, il va se dire comment je peux améliorer Breakout. Et donc, il va déjà commencer par arrêter le concept de la balle qui rebondit indéfiniment. Et il va imaginer que la raquette, en fait, c'est un vaisseau spatial et qui tire. Mmh. Et en face de lui, les briques qui n'ont aucune forme, hein, c'est juste des carrés, des rectangles. Et ben, au début, il va essayer d'imaginer un certain nombre de trucs. Au début, ça va être des humains. Et alors là, sa direction va lui dire « Non, non, c'est trop violent. » pas... « C'est trop violent. » Les enfants ne vont pas supporter. Ouais, c'est insupportable. Donc non, tu peux pas faire ça. Et alors ensuite, il va choisir des cibles. Donc les cibles, vous savez, c'est des petits ronds comme ça, etc. Mm. Et on va tirer sur des cibles. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est assez chiant en l'état, à ce stade de l'histoire. Et il va avoir l'idée, en fait, de faire se déplacer les cibles. Donc, c'est des cibles de tir à l'arc, hein, si vous préférez. Ouais. Sauf que, il trouve que c'est pas passionnant non plus, les cibles de tir à l'arc. Et donc, il va chercher d'autres éléments. Et donc, il va tester les bateaux, il va tester les avions. Sauf que les avions qui se déplacent de façon latérale, c'est bizarre. Ouais. Et de toute façon, d'un point de vue moral, la direction trouve que ça reste trop violent, quoi, et que ça risque de poser des problèmes. Et il s'avère qu'au même moment, il y a un film qui cartonne aux États-Unis. Et qui s'appelle Star Wars en 1977, 17. Au moment où donc Space Invaders s'est développé. Et là, il se dit pourquoi pas en fait utiliser des envahisseurs, enfin des extraterrestres, des monstres venus de l'espace. Là, les calamars. On n'a aucun scrupule à les massacrer, quoi. Ça reste la même violence, mais c'est des extraterrestres, donc on s'en fout. Ça passe. Et donc, en réalité, il va créer toute une histoire autour. Là, vous êtes, en réalité, quand vous regardez la borne, là, c'est noir et blanc, c'est tout moche, mais quand vous regardez le jeu dans sa borne, le jeu est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Ce que dit Cousin Hubert, il dit que le décor est peint à la main derrière, et ça fait un effet holographique, en fait, avec les sprites. Il y a un effet de miroir qui fait que les éléments, on a l'impression qu'ils sont dans l'air, quoi, dans l'espace. C'est génial. Moi, j'adore. Je rêverais d'avoir essayer de nous borne. Trouver. Vikam, tu peux pas nous trouver une vidéo sur YouTube, peut-être, de la borne originale Space Invader pour voir quelqu'un qui la filmerait, peut-être. Ouais. Mais est-ce que c'était comme l'écran? C'était pas comme la Vectrex où tu sais, des fois, tu mettais des overlays. Ils ont pas fait. Il y a pas un écran avec de la couleur sur. Alors, il y a eu beaucoup de versions. Enfin, il y a eu plusieurs versions de Space Invaders. La version upright, qui était massive, etc., bien mastoc, elle utilisait donc cet effet de miroir réfléchissant avec un décor peint main, avec une surface. On a l'impression, en fait, le concept, c'est la Lune. On est sur la Lune et c'est la dernière base avant l'invasion. On est la dernière défense avant l'invasion de la Terre. C'est ça l'histoire de Space Invaders. C'est assez épique, quoi, tu vois. En plus, ce que je trouve assez intéressant dans le jeu, c'est que tu as aussi le côté, tu as tes bases à défendre. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Elles te protègent, mais faut les défendre aussi, donc ça rajoute un côté un peu épique, on va dire, entre guillemets, au jeu. Alors là, ce qu'on voit, c'est la vitre, mais ce qui est bluffant, c'est à l'intérieur, en fait. Pourquoi le gars, il avance pas, là, avec son téléphone? Il faudrait qu'il avance. Tu veux pas lui dire, Bicam, qu'il avance un peu, là? Et j'espère qu'il a conservé le truc. C'est la bande française, hein, c'est écrit, un bonus laser, machin, c'est écrit dessus. Hein. Ah ouais, on voit un peu, là. C'est sûr que c'est plus beau que sur le talent. Faudrait qu'il éteigne sa lumière, en fait, pour que ce soit plus joli. Mais effectivement, il y a les cratères de la Lune. Ça donne une idée. Bon, là, on aura une petite idée de ce à quoi ça donne. Ce que j'essaie d'expliquer, en réalité, c'est que Space Invaders part vraiment de Breakout, et qu'il a changé plein de détails, et qu'au final, on ne voit plus du tout Breakout. C'est quand on vous le dit, vous dites « Ah oui, c'est vrai que ça ressemble, mais il faut qu'on l'explique pour se dire que effectivement, il y a exactement la même base. » Et donc, ça a été le carton d'entrée, ce jeu? Ou il a fallu un peu de temps avant qu'il explose?
Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que lorsque le jeu va être présenté à la journée de présentation professionnelle de Taito, il ne va pas du tout avoir de succès. Comment on appelle ça, les tenanciers, les acheteurs, on va dire, les opérateurs, voilà, je cherchais le terme, les opérateurs vont pas du tout aimer Space Invaders. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est un peu différent de ce qui se faisait, de ce qui se pratiquait à l'époque. C'est que c'est un des rares jeux qui n'utilise pas un timer. Faut se rappeler qu'à l'époque, hein, la plupart des jeux vidéo, vous mettiez 100 yens et vous aviez 60, 90 secondes, la salle pouvait régler le timer de jeu. Et après, une fois que c'était fini, vous regardiez votre score et si vous aviez fait un bon score, bah, tant mieux pour vous. Mais ça utilise un timer. 100 yens, tant de jeux. Et Space Invaders, lui, il reprend le concept de Breakout, t'as 3 vies, quoi. Et là, pour le coup, autant Breakout, c'est un jeu contre vous-même, parce que c'est votre dextérité qui est mise en jeu, là, voyez. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez rattraper la balle, mais vous jouez contre vous-même, contre un mur, quoi. C'est comme vous jouiez au tennis contre un mur, il n'y a pas d'ennemi. Là, Nishikado, il fait le pari de faire un duel homme contre machine. Ça paraît anodin aujourd'hui. C'est plus exotique. C'est révolutionnaire. Regardez, les envahisseurs vous attaquent aussi. Et ça, mais c'est complètement fou. Bon, j'ai l'impression que les gens vont dire il exagère un peu, mais non, j'exagère pas du tout. C'est des nouveautés. Non, mais c'est une remise en contexte. Il faut remettre dans le contexte, encore une fois. C'est comme les premières parties d'échecs contre un ordinateur. Tu vois, c'est un peu là, c'est l'homme contre la machine, quoi. Non, mais c'est vrai quand on y pense. Ouais. Et c'est ce qu'il voulait, en fait, parce que quand il a fait son jeu où on devait tirer contre les cibles, au début, quand il a essayé d'améliorer le concept, il a trouvé ça très chiant parce que, un, ça bougeait pas, et deux, bah, on faisait que tirer, on risquait rien. Et donc, il a eu l'idée, en fait, que les ennemis pouvaient vous tirer dessus. Et à partir de là, le jeu, il est devenu déjà beaucoup plus fun. Voilà. Il y a les bases qui sont détruites. Ce qui ne va pas plaire du tout aux opérateurs de cette époque, c'est que le jeu, il est très difficile. Et pour ceux qui n'ont jamais expérimenté un truc comme ça, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils vont mettre 100 yens et ils vont tous perdre en genre 20 secondes chrono, quoi. Et là, ils se disent, mais c'est quoi votre merde, quoi ? Désolé, mais vous, on vient mettre 100 yens, j'ai perdu en 20 secondes. Jamais personne ne va vouloir remettre 100 yens derrière, ça ne marchera jamais. Et donc, ils vont tous préférer un jeu qui s'appelle Shark Panic, je crois, ou Blue Shark, pardon, et qui va être un jeu de tir aussi, avec un timer qui se passe sous l'eau. Pareil, le décor est très, très joli, et qui utilise un timer, quoi. Et ironie de l'histoire, il va être le jeu Taito va, pardon, le jeu Space Invaders va pas être extrêmement sollicité vis-à-vis des opérateurs, donc les commandes vont être assez faibles. Et le jeu va surtout être distribué dans les succursales Taito, parce que Taito a ses propres salles. Et donc, le jeu va d'abord être diffusé dans les salles Taito. Et là, effectivement, assez rapidement, ils vont se rendre compte d'un phénomène, c'est que ben, ça plaît énormément. Alors que Blue Shark, lui, tout le monde s'en fout. Et ce qu'il y a de véritablement intéressant, en fait, dans ce jeu, c'est justement le côté qu'il n'y a pas de timer. Les mecs qui sont doués, ils peuvent tenir toute la nuit. Et pour un joueur qui veut impressionner sa copine ou les copains qui sont là, allez, on se fait un pari, celui qui tient le plus longtemps, ça cartonne. Tous les étudiants se lancent des défis comme ça, quoi. Donc, ça ajoute au contraire un côté vraiment angoissant à la partie. Parce que autant quand tu mets 100 pièces et que tu as 90 secondes, ok, tu as le stress de marquer le plus de points possible. Mais quand tu mets 100 yens, que tu as durement gagné en faisant ton petit boulot et que tu te dis, il faut que je tienne plus de 20 secondes, le stress n'est pas le même. Et tu te dis que pour 100 yens, tu peux même tenir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Enfin, c'est une nouvelle façon de concevoir ta partie. Et c'est ça qui va réellement plaire, en fait, aux joueurs. Et ça va devenir un carton assez rapidement, assez vite, ouais. Et je sais pas si déjà… Il y a un truc qui me marque, c'est le côté oppressant du son. Bah, ils se sont inspirés, tu sais de quoi, parce que tu as lu le bouquin, mais tu sais de quoi ils se sont inspirés pour le son ? Non, moi, je vois pas. Plus. Non. Les dents de la mer. Ah oui, si, je vois. T'écoutes Space Invaders, c'est exactement ça. C'est au début, il faut c'est ça, ouais. Et ça accélère petit à petit. Et ça devient très, très opérant. Donc, ça, c'est les dents de la mer, effectivement. Et est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà, je ne sais pas, est-ce que les tenanciers de salle pouvaient régler la difficulté ou pas déjà à cette époque-là, je ne sais pas. Il y avait un certain la difficulté, je ne sais plus. Je me dis, c'est vrai que ça peut. À l'époque, les tenanciers de salle, ils devaient se dire, mais merde, si le jeu est trop facile, les gens vont jouer trop longtemps.
Et du coup, ben, les gens derrière, ils ne peuvent pas mettre dessous. Donc, c'est vrai que c'est ça devait être… Bon, et il se trouve que le jeu, quand même, est assez balèze, quoi. Honnêtement, ouais. Il est à partir du stage 3, il faut être balèze, quand même. Il faut être balèze, ouais. Et ce qui est fou aussi avec ce jeu, alors je ne sais pas on va en parler maintenant, mais c'est que ce jeu, l'iconographie du jeu, le design, tout ça, ça va perdurer et ça va devenir quelque chose qui va s'ancrer dans l'inconscient collectif à travers des générations et pendant 40 ans. C'est fou, hein, c'est ce sprite-là. Donc, peut-être tu peux nous dire quelques anecdotes sur la façon dont ils ont dessiné ces espèces de poulpes extraterrestres. Bah, Nishikado, effectivement, il a voulu représenter des extraterrestres. Et lui, qui dans sa jeunesse, il avait adoré lire de la science-fiction. Et il y a un livre qui l'avait marqué, c'était La bataille, la guerre des mondes. Ouais. Et donc, il s'est inspiré en fait des martiens tels qu'on s'est représenté. Les tripodes, un peu. Ouais, et qui ressemblent un peu à des poulpes. Et donc, bah, il a le premier qui deviendra le premier personnage, on va dire, qui deviendra un peu emblématique. Bah, c'est un poulpe. Et puis après, il s'est dit bon bah quitte à faire d'autres trucs, il a fait un crabe. Enfin voilà. Et puis après, il y a un calamar. Enfin, vous voyez, il est parti. C'est génial, quoi. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Du coup, ça va. Après, c'est vrai que le Japon, ils ont toujours eu ça, tu vois, Ultraman, tous les méchants d'Ultraman sont inspirés, tu vois, aussi de créatures marines. Ils ont ça, ils, je sais pas, ils aiment bien les crevettes, les poules. Ouais, c'est un pays qui est entouré de mer et qui vit autour de la mer, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes autour de tout ça. Le Zula vient de la mer, tous les trucs de machin, ils viennent tous de la mer. c'est les Iliens qui doivent réfléchir comme ça, en fait, on peut pas comprendre. Et voilà, carton absolu, ça va être un phénomène de société, mais absolument inimaginable, quoi. En réalité, si vous regardez mon émission, comment ça s'appelle, Collector's Quest, je suis parti à la rencontre d'un monsieur qui a 84 ans, qui tient toujours sa salle d'arcade aujourd'hui, du côté de Nagoya, et qui se souvient parfaitement de cette époque. Et il dit, vous savez, il y a eu trois phénomènes vraiment, vraiment marquants dans l'histoire de l'arcade au Japon. Qu'on retrouvera plus jamais, c'est Space Invaders, Street Fighter 2 et Virtua Fighter. C'est les trois jeux piliers de l'histoire du jeu vidéo japonais en arcade, quoi. Et oui, il y avait le fameux le succès est plutôt occidental. C'est la fameuse histoire que tout le monde connaît, mais la fameuse histoire qui paraît que le Japon manquait de pièces de 100 yens. Ah, mais c'est véridique. C'est véridique. Enfin, moi, j'ai eu les confirmations et j'ai les preuves à l'appui dans mon bouquin. J'ai été chercher les documents de la Banque nationale japonaise pour voir le nombre de pièces qui ont été frappées en fonction. Ça, c'est des données qui sont publiques. Tu vas à la Bibliothèque nationale, tu peux les trouver. Et on voit qu'effectivement, en 1979, entre mars et avril, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous les retrouverez là-dedans. Mais en gros, ils doublent la production de pièces de 100 yens. Ouais, à cause de ça. Parce qu'on n'en en trouve plus. Où est-ce qu'elles sont, ces pièces? En fait, c'est pas compliqué. Quand tu connais un peu le business de l'arcade, les gens mettent des pièces et puis régulièrement, bah, en général, tu enlèves le monnayeur et tu fous des... Et les monnayeurs, en fait, quand les jeux sont en leasing, c'est-à-dire qu'ils sont loués, c'est les éditeurs, donc des employés de Taito, qui venaient, ils faisaient tous les jours, c'était leur boulot, ils allaient de salle en salle et ils venaient récupérer les sous. Donc, ils retiraient les monnayeurs, ils comptaient le nombre de sous, ils regardaient le compteur de partie pour voir s'il n'y avait pas eu une arnaque du vol, ils comparaient et ils refilaient la part à la salle d'arcade et ils repartaient avec les pièces pour eux, quoi. Sauf qu'en réalité, Space Invaders avait tellement de succès, ça allait tellement vite que les pièces, en fait, ils n'avaient pas le temps de les récupérer. Ils avaient tellement de pièces dans les mains qu'ils étaient obligés d'aller carrément avec des sacs entiers à la banque avant d'aller chercher les autres pièces. Et donc, il y avait du témoignage de M. Nishikado, dans certaines salles, dans l'arrière, là où il y avait les bureaux, etc., il y avait des sacs remplis, mais c'est méga lourd en plus, de pièces de 100 yens qui étaient stockées là parce qu'ils n'avaient même pas le temps de les porter à la banque. Ah ouais, putain. Et à la banque, en réalité, le problème, c'est que quand ils arrivaient à la banque en disant « bah tenez, j'ai tout ça », il faut les compter, les pièces, quoi. Et c'était un truc de malade. Et au guichet des banques, etc., ils refusaient. Et donc, c'était une véritable folie. Les pièces étaient stockées dans les salles parce qu'ils n'arrivaient pas à écouler toutes ces pièces. Alors, ils les échangeaient contre des billets de 1000 yens parce que les gars, ils arrivaient pour jouer… ils arrivaient pour jouer, ils filaient 1000 yens au gars au guichet et le gars leur filait 10 pièces de 100 yens. Ils pouvaient faire un certain nombre de parties, mais le problème c'est que ça restait en vase clos et les pièces elles ne sortaient jamais des salles, quoi. Des salles, oui, ouais, parce qu'il fallait faire la rotation limite.
Exactement. Donc, ouais. Et quand il y en avait trop, ils essayaient de les écouler en banque. Mais M. Nishikado, lui, se souvient parfaitement de véhicules de transport de fonds où c'était tellement chargé en pièces de 100 yens qu'ils roulaient quasiment sur les essieux, quoi. Donc, c'est la voiture est comme ça. De ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas une légende urbaine. Le coup aussi de Pong qui était en panne avec le monnayeur, etc. Moi, j'y crois. Je pense que c'est pas une légende urbaine parce que ça s'est réellement passé aussi pour Space Invaders. Il y a des tenanciers qui disaient, votre machine, elle est en panne, il faudrait que vous veniez. On peut plus mettre deux pièces. Mais ouais, c'est ça. Et votre machine, elle est en panne, il faut que vous veniez. Et effectivement, quand ils ouvrent, parce qu'encore une fois, les tenanciers, quand ils n'ont pas acheté la borne, qu'ils la louent, ils n'ont pas les clés, ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ouais. Et donc, elle est en panne, objectivement, pour eux, elle ne marche plus. Et donc, quand ils arrivent, effectivement, le truc, il est tellement plein que ça, tu ne peux plus mettre de pièces. C'est fou, quoi. Ouais, alors, en complément de ce que dit Florent, faut savoir, par rapport à ce qu'il explique, c'est-à-dire qu'en fait, les tenanciers, les opérateurs, géraient pas eux-mêmes, sauf s'ils avaient acheté la borne, ce qui était quand même très rare à l'époque, mais tu avais un coût kilométrique qui était facturé. C'est-à-dire quand tu avais un technicien qui venait depuis la succursale Taito jusqu'à ton magasin, voilà, pour intervenir, tu avais alors 0,x dollars, ça c'est pour les États-Unis, d'intervention au kilomètre. Donc il y avait aussi des problèmes de rentabilité sur les jeux parce que à force de les appeler pour leur dire de venir, ça coûte des sous. Ça coûtait aussi des sous aux tenanciers. Alors bien sûr, il avait une part, c'était hyper rentable pour lui, mais ils ont ensuite évolué sur ces notions de pièces à cause de certains gros succès en arcade. Et je crois que ça s'est résolu à partir de Street Fighter, donc bien des années plus tard, comme tu le disais Florent, par rapport au grand succès des jeux d'arcade, parce que alors c'est plutôt du côté américain ce coup-ci. Mais ça les faisait un peu rager, tous ces opérateurs, de devoir à chaque fois avoir des frais kilométriques facturés pour venir réparer des bornes alors qu'elles n'étaient pas en panne. Les gars étaient simplement venus désengorger tout le tiroir caisse, entre guillemets. Et donc voilà, moi aussi, parce que c'est vrai que j'ai vu dans le chat qu'on disait que c'était une légende urbaine et que Mythbuster avait retiré ce truc-là. Moi, j'ai eu le doute sur le coup. Et c'est vrai que, comme Florent, j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite des témoignages de tenanciers, d'opérateurs. Alors, plus du côté américain, parce que le japonais, je ne le parle pas. Mais ça s'est aussi vu du côté des États-Unis, où c'est pas forcément un mythe. Hein, et il y avait d'ailleurs une pénurie de quarters aux États-Unis du côté. Ouais, pareil, c'était pareil avec le quarter. Avec les quarters américains. Les quarters aux États-Unis, à cause justement du succès de certaines bornes d'arcade. Et la plus grande concentration de quarters aux États-Unis, c'est du côté de Las Vegas, forcément, avec toutes les machines à sous et puis tout ce qui va avec. Mais voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Effectivement, il y a quand même doute parce que Joseph Redon a des doutes sur cette. Il n'y a pas de doute. Très clairement, moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Enfin, quand tu vois que la progression des pièces de 100 yens, les frappes de la Banque nationale fait paf d'un seul coup comme ça. Et que ça correspond à la sortie du jeu. Ça correspond au moment où Space Invaders est dans tous les journaux parce que ça a créé des tas de problèmes de société. Bon, évidemment, on a envie de faire le lien. Ou alors démontrer que ce n'est pas Space Invaders qui a provoqué ce rebond incroyable. Enfin, c'est significatif comme progression. Et puis, il y a des articles de presse aussi qui mentionnent ça. Où sont les pièces de 100 yens? Parce qu'il n'y en a plus. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y en a plus, elles ne sont pas disparues. Mais c'est juste qu'elles ne sont plus en circulation. Elles sont cantonnées à quelques... Elles sont dans des bornes d'arcade. T'en trouves effectivement à Shinjuku, à Shibuya, mais t'en trouves autant que t'en veux parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Mais effectivement, dans d'autres parties du Japon, on n'en a plus. S'est reproduit aux États-Unis. Il n'y a plus de doute. Et même après, ça s'est reproduit plus tard parce que ça s'est refait avec certains jeux. Vous avez cité Street Fighter, il y a eu des jeux effectivement qui ont reproduit cet événement. Ça a moins marqué, mais clairement, Street a aussi provoqué un certain nombre de problèmes. Peut-être moins importants, mais effectivement, on retrouve des témoignages. Mais aux États-Unis, aux États-Unis, dans les années 90, c'était un vrai sujet. Tu avais vraiment même des responsables de l'arcade qui étaient montés au créneau, qui avaient été au Sénat américain
pour défendre leur point de vue, parce que c'était compliqué. Et aux États-Unis, ils ne souhaitaient pas frapper de nouvelles pièces, parce qu'ils essayaient d'imposer le billet de 1 dollar américain plutôt que la pièce de 1 dollar. Et il y avait comme ça des ruptures de pièces. Alors, il y a le quarter, ça, c'était problématique. Mais pour les gouvernements, c'est aussi un coût, parce qu'en fait, entre la valeur d'une pièce et la production d'une pièce, ça coûte de l'argent aux États. Donc, ils étaient aux États-Unis, ça a été vraiment compliqué, parce que les Américains voulaient vraiment que tous les opérateurs américains passent au dollar, au dollar américain, et c'est pour ça qu'il y avait des monnayeurs avec billets aux États-Unis. Parce qu'ils souhaitaient effectivement démocratiser le billet qui était beaucoup plus rentable à produire que les pièces qui leur coûtaient un bras. Parce que déjà qu'il y avait Las Vegas qui absorbait, je ne sais plus, une quantité astronomique de pièces, mais tu avais comme ça dans tous les États américains, toutes les bornes d'arcade où tous les gamins étaient fous et dépensaient toutes les pièces. Alors ça s'est résolu avec des pièces spéciales, des pièces frappées pour... Des jetons. Coins, alors, des jetons, et voilà, ouais, des tokens. C'était plus des coins, mais c'était des tokens. Et donc, voilà, ça... Mais là, c'était à l'initiative de certains éditeurs qui éditaient des tokens ou alors des fabricants spécifiques pour essayer effectivement de régler le problème qu'avait le gouvernement avec ses productions de pièces. Alors, je confirme que différent, ça s'est aussi reproduit aux États-Unis. En Europe, je ne pense pas, mais... Non. Alors, je me permets malheureusement, mon cher Jérémy, de remettre encore en cause ce qui a marqué, je ne sais pas d'où est cette source, mais de toute façon, ça ne change rien. Cette interprétation de la pénurie de 100 yens, elle est fausse. Parce que peut-être qu'il y a effectivement eu un changement de matière dans la pièce de 100 yens, et encore, ça reste à prouver, parce que moi j'ai des pièces d'avant 78 et après 78, c'est les mêmes. Et puis surtout, ça ne change rien parce qu'ils ne font pas disparaître les pièces. Elles restent en circulation pour qu'il y ait exactement le même volume. Il n'y a pas de pénurie. C'est-à-dire qu'ils elles ne se font pas détruire les pièces, effectivement. Où sont-elles? Exactement. C'est-à-dire que quand tu refais de la monnaie, en général, tu en rajoutes. Mais quand tu fais de la monnaie ou des billets, tu récupères des billets qui sont endommagés et tu les remplaces par des nouveaux. Il n'y a pas un moment où ils se sont dit, bon allez, on vire toutes les pièces de 100 yens. Ah zut, on a un problème de production, il n'y en a plus. Non. C'est un cycle qui continue. Donc, s'il y a une explosion, c'est parce que justement, les pièces, elles sont dans les bornes, en fait. Non, c'est... Mais on ne les trouve pas. Enfin, elles sont effectivement confinées. Mais le Japon est obligé, en fait, d'en réinjecter en quantité phénoménale. Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une demande, exactement. Donc, cette histoire de... c'est plus le même matériau et qu'ils ont eu des problèmes d'approvisionnement ou de fabrication, mais ça ne tient pas debout, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la fabrication de la monnaie. Oui, c'est ça. C'est remis en circulation dans les banques. Oui. Dans les publicités américaines, tu vois d'ailleurs les camions qui s'occupaient de récupérer les pièces avec des gros sacs style les Raptou dans Mickey. Avec le dollar dessus, ouais. Et c'était, il y a des photos d'époque qui en témoignent, c'était vraiment, je dirais, la folie, parce qu'eux étaient obligés d'aller chercher ces gros sacs pleins de pièces, ensuite aller les déposer et faire un comptage pour les déposer dans les banques américaines. Donc voilà, le circuit était fait, mais c'était pas assez rapide pour ensuite réapprovisionner tout le monde en pièces. C'est surtout ce problème de logistique, c'était simplement ça, c'est un problème de logistique, pas un problème de pénurie ou de destruction de pièces. Et puis moi, le problème des Mythbusters, justement, c'est que leur but, c'est de démystifier les trucs. Donc, ils vont forcément essayer de trouver un truc pour démystifier les jolies histoires, parce que c'est leur période de gloire. Enfin, c'est leur moment de gloire. Et moi, je suis un Mythbuster aussi à mon niveau. Des fois, quand je trouve des histoires qui vont à l'encontre de ce que tout le monde croit, je suis bien content d'avoir trouvé un truc qui vient expliquer que tout ce qu'on croyait était faux. Et moi, j'en ai malheureusement propagé des mythes que j'ai été obligé de rectifier derrière parce que la suite des recherches te permettait de contredire ce que toi-même tu croyais. Mais c'est pas un mythe. Moi, je veux bien qu'on trouve d'autres raisons qui expliquent pourquoi ça a un peu augmenté. Mais non, c'est pas un mythe, c'est la réalité. Ouais. Moi, je suis un Babes Buster. Babes Buster. Sérieux, Monsieur Garcin, est-ce qu'on parle d'un autre titre de 79, si tu veux bien, peut-être un titre déjà?
Est-ce que Là, on va attaquer 79. Ouais. Mais après, j'en ai noté que deux, moi, là, de 79. Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, peut-être? Moi, j'avais noté. Alors, il y avait les prémices d'Arkanoïde avec Field Goal. Field Goal. Ouais, c'est ça. C'est celui-là que j'ai chargé, Field Goal. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant parce que voilà, c'est bien d'avoir Arkanoïde, mais on sait déjà qu'ils ont envie de faire à ce type de jeu, quoi. Le casse-brique, ouais. Là, on y est déjà, même si on est toujours un peu genre. Minitel, quoi. Non, mais en fait, Field Goal, ça va même être du football américain. Ouais, voilà. Mais là, c'est, je crois, ouais, c'est ce qu'il dit. Il le vend un peu comme ça, mais je crois que c'est. Regarde, on voit le gars là qui court. Et c'est des casques de football américain sur lesquels tu dois tirer. Ouais, tu vois, tu peux mettre KO le joueur. Ouais, le gars. Donc, voilà, moi, ça, je t'avoue que je ne connaissais pas avant de. Ben, c'est un peu sur l'émission, hein. Toi, tu avais déjà croisé son chemin, Florent ou Guenette? Non, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Il y a tellement de jeux. Mais ce qui est rigolo, en fait, avec ces jeux-là, et c'est ça qui est dommage, en fait, avec l'émulation aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, on a vu ben voilà, Space Invader, ouais. On a vu celui-ci, mais ça ne rend pas hommage, en fait, à ce qu'étaient réellement ces jeux à l'époque, parce que j'imagine que ce jeu-là aussi, il devait avoir un décor. Oui, je pense. Et peut-être une molette pour jouer, peut-être, hein, je ne sais pas, comme la Vertigo. Sûrement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait certainement encore un effet de miroir semi-réfléchissant avec certainement un terrain de football américain et des décors, etc., qui mettaient vraiment en valeur les écrans qui étaient cheapos, on l'a vu, hein, c'est assez cheapos, c'est très léger d'un point de vue graphique. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, comment tu passes d'un jeu électromécanique qui est bluffant d'un point de vue visuel à un Pong? Et donc, pour pallier à cette pauvreté graphique, les bornes, notamment les upright, elles utilisaient des décors, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Space Invaders. Ouais, pour le et ça change. Le jeu de football américain, il n'a pas l'air très sexy, mais je pense que dans son jus d'origine, il devait être beaucoup plus chouette. C'est pour ça que les bornes dédiées, à cette époque-là, je pense que c'était important. Après, ça s'est arrêté. Mais là, chaque jeu avait vraiment son univers, comme vous dites, avec les reflets de miroir comme ça, on comprend là avec ce que tu nous racontes que c'était important. Ouais. Moi, je vais montrer un autre jeu que je trouvais assez innovant. Mmh. C'est un Maze Runner, mais en fait, c'est un shmup, mais un Maze Runner, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils avaient piqué l'idée de Galaga. Je ne sais pas quelle année c'est Galaga, mais en fait, le sprite du vaisseau spatial, il évoque Galaga. Et ce jeu, c'est Space Chaser. Donc en fait, on se fait poursuivre par comme Pac-Man un peu, hein. Et ouais, ça me fait penser c'est un prémisse de Pac-Man, là, parce que Pac-Man, c'est 80. Oui, Pac-Man, c'est totalement inspiré de ça, et ça, c'est un jeu Sega à la base, c'est Chase. Ah ouais? Tapez Chase Sega, vous allez trouver. Et tu veux dire que Taito a copié le concept de Sega pour son jeu, alors c'est ça? Bah, là, oui, c'est quasiment une copie de ce qu'a fait Sega. Mince, comment il s'appelle ce jeu arcade? C'est l'arcade de Chase. Mais parce que là, c'est vrai que c'est fou. Le but, c'est de ramasser tous les petits points de l'écran. Pac-Man arrive. Je pense que quelqu'un va retrouver très rapidement. Mais oui, ça, c'est un grand classique du jeu de la fin des années 70. Non, c'est pas Dig Dug. À la base, en fait, c'est un jeu qui se joue avec des petites voitures et Taito, en fait, s'est contenté de mettre des vaisseaux, de mettre un Starfighter avec des missiles et on se poursuit à coups de missiles, quoi. Il y a le côté Wipeout aussi déjà, tu vois. Bien avant, tu te poursuis en vaisseau et tu tires sur l'autre. Oui. Et les bases sont là, tout est là dans ce jeu, dans Space. Il y en a, ils disent Ray Chase. Alex dit Ray Chase. Non, c'est pas ça. Je vais le retrouver. Hein. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais ce jeu a inspiré énormément de choses. Chez Namco, il a inspiré aussi Rally X. Et sinon, pendant que tu cherches. Je trouve, quoi. Ah, c'est quand même les jeux des années 70, c'est pas... Là, j'en ai découvert plein, là, je te dis. Mais je cherchais Head On, ok, rien à voir, c'est pas Chase. Et du coup, ils ont piqué complètement le concept finalement. Tapez Head On et vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais Head On Sega, suspense, roulement de tambour. Ouais, je pense que tu vas le trouver, Big Cam. Mais tu tapes Head On Sega et là tu vois que c'est quasiment la même chose sauf que c'est les petites voitures.
Ouais, effectivement. Ouais, c'est exactement ça. C'est une petite voiture de course. Ah oui, voilà. Ça ressort. Ah ouais, le fond est bleu aussi. Chose, hein. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Putain, ouais. Et en sauf fait, que là, il ne se tire pas dessus. Ouais. Ouais, et en fait, c'est une course-poursuite. Mais Hedon a très, très, très bien marché. Ça, et c'est un ancêtre, c'est un des pionniers de ce qu'on appelle le Dot Heat Game, donc les bouffeurs de pixels, quoi. Et ça va évidemment inspirer Pac-Man. Et Hedon va avoir plein de clones. Et clairement, ben, Taito va cloner aussi. Et, c'est pas que Taito, hein, ils se clonent tous à cette époque. Ouais. Ouais. Et là, donc, je voulais parler d'un autre jeu là, qui a aussi un mythe. Et je crois que vous allez me le confirmer, je l'espère. C'est le jeu Phoenix, Midcam, tu vois, le fameux shoot. Oui. Et donc, ben, vous devez vous le connaître, mais enfin, beaucoup de gens doivent le connaître. Mais moi, on m'a dit que l'anecdote de ce jeu et le mythe de ce jeu, que c'est le premier jeu qui comporte un boss. Et peut-être tu n'en as pas parlé dans la préhistoire. Moi, je savais aussi qu'il était annoté comme ça. Mais moi, je trouve qu'il a une énorme affiliation avec Galaga. Ah ben oui, carrément. Oui, totalement. Enfin, c'est même pas Galaga, c'est Galaxian plutôt. Galaxian, ouais. Mais premier jeu qu'un boss. Ouais, c'est possible. Ouais, je crois. Il faudra, tu vas avancer la vidéo, Bicam, tu verras, t'as une espèce de gros vaisseau avant de refaire la boucle du jeu. Ben, t'as une espèce d'énorme vaisseau à détruire et après hop, la boucle du jeu redémarre un peu plus dur. Ouais. Et voilà, ah, ben, il est là. C'est ça qu'on appellerait peut-être alors j'avais lu ça, je ne dis plus où, le premier boss de l'histoire des jeux vidéo. Bon. Faut faire des recherches, mais après voilà, ça dépendra de la définition que tu donnes au mot boss, parce que des fois à la fin d'un niveau, celui-ci effectivement il se tue pas tout de suite, il demande un certain nombre de coups avant d'être éliminé. Mais il y a toujours eu, il y a quasiment de tout temps dans les jeux un peu avancés, des ennemis un petit peu plus gros, mais qui se tuaient aussi en un coup, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est des boss parce qu'ils sont plus gros? Ah, ben lui, quand même, ça fait genre boss. Ouais, c'est un énorme truc, important. Il a plus de vie que les autres, on le tue pas. Il prend la moitié de l'écran. Il faut établir effectivement une hiérarchie de ce que tu appelles un boss. Ouais, de ce qui définit un boss, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'à cette époque, la moindre nouveauté en fait est pionnière. Hein. Mmh. Et le moindre ajout. Chaque bon jeu apporte son petit truc, comme tu dis. On se copie en apportant un truc, et de temps en temps, il y en a qui mettent le doigt sur un truc et ça fait un jeu. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour le premier boss. Là, c'est bon, vous avez vu le morphing. Les oiseaux, on aurait dit qu'il y a eu. Pardon, excuse-moi, Gonadi. On dirait qu'il y a eu un morphing et les oiseaux ont ouvert leurs ailes. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Ouais, apparemment, le premier boss, il serait apparu en 75 sur un système qui s'appelle Plateau. okay. Et c'est DND. DND, qui est plus ou moins l'abréviation de Dungeon and Dragon. Et, et c'est là où tu as une scène avec un boss à battre pour passer au niveau suivant. Donc, ok, mais c'est quel type de jeu ? C'est sur micro, non ? Alors non, je pense pas. C'est université sur DND. Ouais, système Plateau, ouais. Donc c'était un système informatique à usage éducatif dans l'université d'Illinois. Ouais, donc c'était peut-être pas en arcade. C'est pas en arcade. Ouais, si c'est un truc universitaire. Bah voilà, c'est ça le problème en fait avec le jeu vidéo quand on veut essayer de faire qui est le premier. Toujours un truc méga obscur qui n'a été joué que par deux personnes, mais il est là, il existe. Et il est important. Mais c'est ça qui est dur. Gaming des Cavernes, effectivement, il dit que la voiture, on dirait une Formule 1 spatiale. C'est vrai qu'on dirait vraiment une Formule 1 qui avance, en fait. C'est vrai qu'il y a les roues sur les côtés. Mais il est très chouette, hein, ce jeu-là. Ouais, il fait partie de l'histoire, je dirais. Alors, Big Cam, tu vas enchaîner sur quoi ? Alors, là, on arrive en 1980, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de concepts, en fait, qui ont été inventés par d'autres concurrents, etc. Et là, on commence vraiment à avoir les salles d'arcade avec plein de jeux différents, en fait, où on commence vraiment à voir les salles d'arcade. Les vraies grosses salles d'arcade, Florent, elles sont arrivées vers quelle année au Japon ? Ah bah, elles sont arrivées en 78-79. Ouais. Avec ce qu'on va au départ appeler des Invader House,
Donc, ce sont des salles qui sont quasiment à, parce qu'en 70-79, il n'y a que du Space Invaders et des bootlegs de Space Invaders. Tous les autres jeux se viandent. Petite anecdote assez rigolote d'ailleurs, Nintendo, son premier vrai jeu un peu original, c'est-à-dire qui n'était pas une copie, il sort en 78, il est annoncé en grande pompe dans la presse spécialisée. Nintendo y croit dur comme fer et il sort un mois avant Space Invaders, donc viandage total, quoi. et donc à partir de 78-79, pendant les quelques mois que durera le succès de Space Invaders, tu vas avoir des grandes salles qui vont se développer, mais qui sont quasiment toutes dédiées à Space Invaders et qu'on va appeler des Invader House. Et petit à petit, une fois que Space Invaders va tomber en désuétude, parce que ce sera immanquablement le cas, les jeux vont être petit à petit remplacés par des nouveautés. Et le terme Invader House va disparaître quand les jeux d'envahisseurs, entre guillemets, les clones de Space Invaders, vont disparaître. Et ça va devenir des termes beaucoup plus génériques et ça va devenir des Game Centers. Des Game Centers, voilà, c'est ça. Mais si je me souviens bien, il me semble qu'à l'époque, là, quand on avait fait le voyage organisé, tu m'avais fait visiter le Japon, tu nous avais amené dans la première salle, je crois, où il y avait eu Space Invader à Ikebukuro, c'est ça, non ? Ouais, je vous ai emmené à la salle Rossa à Ikebukuro, qui a disparu aujourd'hui, malheureusement. Donc, tu fais partie des chanceux à l'avoir vue. Et qui est la salle qui a accueilli le premier Space Invaders du monde. Classe. Et c'est une salle qui était culte. Voilà, la Rossa dans un immeuble de Ikebukuro. Ah, je me rappelle bien. Merci de nous avoir amenés. Tu vois, je ramène un bout d'histoire dans ma tête. C'était un plaisir. Clair. Et à cette époque, tu n'avais pas ton masque. Moi, je connais ton vrai visage. Et ouais, c'est vrai. Je déambulais dans les rues de Tokyo sans mon masque. Ouais. De manière anonyme. On va parler de Crazy Balloon. Donc, pareil, moi, je pensais que c'était intéressant d'en parler parce que le concept du jeu est assez particulier. Original, on va dire, mais moi, c'est l'enfer. Enfin, j'ai joué sur les compilations parce que tous ceux qui… Si on veut découvrir plein de jeux, c'est vrai que sur PS2, il y a deux belles compilations de Taito avec plein de jeux. Et moi, j'ai joué à ce jeu, mais c'est l'enfer. J'ai joué 10 minutes, j'avais envie de casser la télé. Je trouve trop dur. Le premier niveau, c'est… J'y arrive presque pas. Oh, regardez ça là. En fait, tu as ton ballon qui bouge tout seul automatiquement. C'est ça. Et tu dois le petit dot là, le petit point. Tu le diriges quoi, ouais. Oh, et tu dois passer là. Mais comment ça s'appelait ce jeu avec la conductivité? Tu avais un espèce de tuyau et puis tu devais faire. T'as un anneau en fer. Fer et tu dois passer un fil jusqu'au bout là. Ouais, ça fait penser. C'est la même chose mais avec un ballon et donc il faut éviter les pics. Et moi j'adore, hein. Personnellement, j'ai la compilation sur PSP, j'ai passé des heures à jouer à ce jeu-là. Oh, je trouve ça très très fun. Ah ouais, mais j'ai un problème de mécanisme avec mon cerveau, là je n'y arrive pas. Et en plus c'est hyper précis, c'est-à-dire que c'est au pixel près, à peine tu te diriges, pouah, t'as le ballon qui éclate, t'as... Pardon. Enfin bon. Crazy Balloon, en fait, Florent, les gens, ils doivent se dire, mais Florent, il joue à des jeux vraiment totalement obscurs d'un autre temps. Mais attention, Florent, attention, même les jeux plus ou moins récents, je dis récents, mais qui sont arrivés extrêmement beaucoup plus tard, je pense à Super Adventure Island, j'avais vu ton gameplay que tu avais fait dans un rétro game test. En plus, tu le taquines bien, le jeu, quoi. Je ne sais même pas si tu le termines pas presque pendant le rétro gameplay. Si, on va. Je suis pas sûr qu'on le termine, mais on va au dernier niveau et puis je crois qu'on s'est arrêté avant. Sachant qu'il n'est pas facile. Je l'ai quasiment one-crédité en live. Ouais. Mais. Oui, je. Enfin, je. Écoute, j'ai un certain passif en jeu vidéo dans ma vie. Ouais. Avant d'écrire des livres, il jouait. Il avait le temps. Puis après, Crazy Balloon, voilà, moi, ça fait partie des jeux. Moi, je joue à tous les jeux, entre guillemets, pionniers, quoi. J'essaie de retrouver les jeux les plus vieux possibles. Parce qu'on a besoin de cette culture pour établir des hiérarchies, quoi. Et c'est très, très difficile parce qu'il y a tellement de jeux qui sont totalement oubliés, qui ont disparu. Il ne reste quasiment rien, à part éventuellement un flyer. Mmh. L'histoire du jeu vidéo à préserver, c'est un casse-tête, quoi. Mmh. Et quand on a la possibilité de jouer à des titres comme ceux-là, ben on est content parce qu'ils ne sont pas émulables. Enfin, ils ne sont pas émulables. Ils ont été, je ne sais pas comment ils ont été émulés sur les compilations, mais c'est souvent celui-là, il doit avoir un microprocesseur, donc ils ont pu l'émuler, mais tous les jeux qui étaient avant cette génération, ils sont quasiment y en a pas parce que c'est du circuit logique. Monsieur Garcin, s'il te plaît,
pour le prochain jeu, j'aimerais juste. Attends, parce que j'ai dit, on ne va pas parler peut-être de tous les jeux, mais je voudrais que tu reviennes sur un jeu en particulier de 1981. Ouais. Et en fait, je sais que Guenette va embrayer derrière dessus. J'en suis sûr. Ça dépend. Mais non, mais alors, Guenette, il va nous parler de ce jeu cultissime qui a fait naître des dizaines et des dizaines d'autres jeux dans le même genre. Oui. C'est le fameux, le jeu que tout le monde connaît, le jeu culte de toute une génération, Kix. Oui. Et pourquoi je sais que Guenette va rebondir là-dessus? Parce qu'il y a des babes après dans les suites. C'était tellement. Et moi, je m'en rappelle. Et je m'en rappelle. Tu sais que j'étais très jeune quand j'ai vu ce genre de jeu-là. Et les salles d'arcade, je l'ai dit plusieurs fois, surtout dans ma ville, les grandes salles d'arcade étaient interdites aux moins de 16 ans. D'accord ? Et moi, je faisais la course avec le tenancier de la salle. La salle était immense. Elle faisait quelque chose comme, je ne sais pas moi, 2000 mètres carrés presque. Ou peut-être un peu moins. Ça, tu es sûr ? Elle était immense. Non, mais monsieur Garcin. C'était Japan Expo, la salle, quoi. Non, j'abuse. Elle devait faire... Non, franchement, elle devait faire au moins 500 mètres carrés. Je rigole ah ouais, pas. C'est énorme. C'était immense, le truc. Hein. C'était immense. À Lyon ou ça ? Ouais, c'était à Lyon. Elle était, en fait, tu avais la salle, on va dire, là où il y avait tous les grands hits qui étaient pour tout le monde, etc., qui étaient sans toit. En fait, le toit, c'était le toit de la galerie marchande. Et ensuite, la salle, tu rentrais en profondeur dans les bas-fonds, en fait, de la salle, et tu avais un plafond beaucoup plus bas. Tu avais une espèce d'estrade et tu avais là encore plein de bornes. Il y avait des bornes partout. Et c'est là que j'ai découvert Shinobi la première fois de ma vie, la vraie borne dédiée. Plein d'autres jeux. Ah là, tu vois, Jazz Funky Man, il dit oui à la part Dieu. Et il s'en rappelle, il est du 69, donc il le sait. La première salle d'arcade Strike à la part Dieu était immense. Vraiment, hein, vous ne vous rendez pas compte, c'était vraiment. Non. Et là, vous saviez, j'étais très jeune et j'étais encore trop jeune pour m'intéresser à ce genre de choses. D'accord ? Eh ben, on va dire que ces premières sensations d'émoi sont venues avec ce genre de jeu-là, parce qu'il y avait un de ces jeux comme ça, où tu vas l'expliquer, Guenette, en fait. Ce sera plus simple d'expliquer le concept. Ouais, bah, en fait, c'est un concept tout con. Alors moi, pour l'anecdote, je ne l'avais pas vu en arcade à l'époque, dans son jus d'époque, mais je l'ai vu sur micro-ordinateur par la suite, parce qu'il a été adapté sur tout ce qui pouvait exister à l'époque. Et donc ce titre en fait a été développé par un couple, les Pfeiffer, et ce qui est important dans l'histoire de Taito, c'est que c'est le premier succès de la division américaine de Taito. Alors Taito a créé sa division américaine en 1973. Alors je sais, c'est mon année de naissance, donc forcément je l'ai retenu. Dès les années 70, Taito s'occupe du marché américain. Et donc, bah voilà, il y a une division, mais qui ne fait principalement qu'adapter, prendre les programmes japonais et puis les sortir sur le territoire américain. Et ils essayent de se différencier. Et donc, ils vont lancer ce titre Kix, un petit peu pour essayer de booster les ventes américaines, avec un concept qui est révolutionnaire pour l'époque, puisqu'en fait, tu dois remplir le plus vite possible l'écran. Alors, c'est un système de pourcentage, hein. Tu remplis 57, 60% de l'écran, et dès que tu as atteint un seuil, tu passes au niveau suivant, avec bien évidemment des adversaires qui vont t'empêcher de remplir l'écran le plus facilement possible. Alors, le concept est hyper basique, hein. On le voit à l'écran. En programmation, c'est tout con. C'est tant que tu n'as pas rejoint l'autre bout, comme si tu fermais un circuit. Bah, si tu te fais toucher, tu meurs, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, quand tu appuies sur le bouton, tu commences à faire ton trait, un peu comme un télécran, tu vois, le concept du télécran. Ouais. Bah, c'était adapté, entre guillemets, du fameux télécran qu'on connaît tous. Sauf que là, tu dois remplir l'écran, et tu as un système de pourcentage, et dès que tu as rempli autant de pourcents à l'écran, bah, tu peux passer au niveau suivant. Et ouais, ça a été il ne s'est pas joué, hein, le gars qui... Ah ouais, mais, Et ça a été un succès colossal qui a rendu un petit peu jaloux la division japonaise, parce que c'était un hit entre guillemets développé par les Américains, et ça a été aussi un succès au Japon, à tel point que, alors moi après je l'ai redécouvert sur la Game Boy, ou le Game Boy, hein, je fais attention parce que Florent Gorge est présent, donc... on va essayer de ne pas faire de bévue là-dessus. De ne pas faire d'impair là-dessus.
Et alors moi j'étais content parce que tout le monde jouait à Tetris, tout le monde disait ouais ouais Tetris c'est, ouais, c'est génial sur Game Boy patati patata. Mais moi j'étais content parce que j'avais acheté Kix et je m'éclatais avec ce jeu d'arcade. Et pour la petite anecdote qui ne sert à rien mais donc on va quand même dire, Atari avait sorti la version Lynx. Et bien évidemment Atari frimait en disant ouais mais bon sur Game Boy c'est sympa mais regardez nous on l'a en couleur et franchement ça claque. Ça change tout en couleur. Hein, ouais. Voilà, beaucoup plus que sur Game Boy. Donc voilà, alors moi, c'est un titre que voilà, j'aime bien, surtout que pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà assisté à plusieurs de mes lives, de temps en temps, je fais des, ce qu'on appelle des Goals Panic. Ouais. Effectivement, ça a été dérivé par, enfin, décliné par la suite par d'autres éditeurs parce qu'ils se sont fait piller Taito là-dessus. Voilà, il y a eu plein de suites qui ont été faites. Alors, par Taito, bien sûr, mais aussi par d'autres qui ont développé le concept en mettant voilà, des femmes un petit peu dénudées à l'arrière. Et puis, en fait, on les fait apparaître, fois... c'est ça. En plus, à chaque fois qu'on remplit un carré, on découvre un peu le fond, c'est ça. Voilà, tu as une partie, entre guillemets, dévêtue de la personne. Et donc, Kaneko qui s'implantait aussi aux États-Unis, a lancé Goals Panic et ça a été un énorme succès aux États-Unis ouais. Parce que les en arcade bah voilà c'était des jeux qui étaient un peu plus on va dire plus matures voilà, destinés plus aux adultes qu'aux gamins et c'était gentil alors bien sûr ça n'a rien à voir avec les dernières versions qui ont pu être commercialisées qui sont parfois limites ou pas très intéressantes je crois même Florent qu'il y a une version sur Switch hein, qui est sortie récemment. Ouais, c'est nul. Malheureusement, c'est très très nul. Ouais, Pretty, quelque chose comme ça. Enfin, un truc, Pretty Girls Panic ou un truc comme ça. Ouais, ouais voilà. Et donc, alors pour, voilà, pour terminer là-dessus, il faut savoir aussi que ben, y avait Mario, parce que Nintendo avait racheté la licence, enfin, ils avaient demandé l'autorisation de le sortir sur Game Boy. Et pour booster un petit peu les ventes de Kix, ils avaient inséré des petites scènes, des petites scénettes. Avec Mario qui avait des habits de Mexicain. Mario Odyssey donc, avant l'heure. Et ouais, et en fait, c'est bah, quand Mario Odyssey est sorti, certains ont ressorti ces images-là. Et moi, c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapprochement. Mais voilà, je ne comprenais même d'ailleurs pas pourquoi voilà, on affublait le père Mario d'habits mexicains ou autre. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà, c'est intéressant. Et moi, c'est un titre qui me tient à cœur parce qu'effectivement, je l'ai plus connu sur ordinateur Commodore 64 et compagnie qu'en arcade. Et puis après, quand il est sorti sur Game Boy, j'ai gardé un bon souvenir de ce titre et j'y ai passé beaucoup de temps. Parce que le concept tout comme toi, je suis un énorme fan de Kix et j'adore ce jeu. Mais moi, un de mes jeux préférés qui rentre dans mon top 10 ever, c'est Wolfive. Qui est en fait une suite spirituelle de Taito aussi à Kix. Qui est beaucoup plus élaboré graphiquement. C'est exactement le même concept, mais en moins frustrant, parce que c'est vrai que là, on a vu le gars, je ne sais pas s'il est nul ou si c'est un génie, mais il est passé à des millimètres de se faire buter. Il passe tout debout, sans prendre, enfin, comme s'il ne comprenait pas les risques qu'il prend, et il y arrive. Je trouve ça absolument génial. Ceux qui essayent Kix, vous n'arriverez jamais à reproduire ce qui vient de se passer là. Quoi, de faire toute une ligne entière. Ah ouais, le mec, il passe tout debout, il hop, je traverse. En gros, tu traverses la 6 pendant le mois d'août, les yeux fermés, les bras comme ça, et ça passe. Voilà. Donc, bref. Et alors, Wolfie est sorti sur PC Engine, et sur une PC Engine GT, c'est une tuerie. Ah, c'est génial. Bref, moi, c'est un de mes jeux préférés, donc allez-y. Wolfie, il est vraiment très, très cool. Quoi. Ok, et je voulais juste revenir sur un petit détail. Là, on était en 81 avec Kix, mais on a oublié de parler juste d'un petit truc, d'un détail. En 1980, Taito, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Lupin 3 ou Lupin Third, et j'ai l'impression que ça doit faire partie des premières licences adaptées en jeu vidéo au Japon, j'ai l'impression. Parce que là, en 80, jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'adaptation. Et là, il y avait Lupin 3 en 1980. C'était pour le noter, je ne sais pas s'il y a eu d'autres avant adaptation, mais ça doit être une des premières, je pense. Bon, il y en a eu quand même pas mal. Enfin, bon, après. Oui, après, il y en avait sur Atari, il y avait E.T. Ah non, quoi que E.T., c'est les années 80. Mais fondamentalement, il y en a toujours eu, tu vois, des Mickey, des Popeye, des trucs comme ça. Mais oui, de toute façon, ça fait partie des premiers, quoi, c'est clair.
Ah ouais, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'étais quoi, un Lupin en 1980 wow. Donc voilà, c'est ouais, juste pour parler de ça. J'ai découvert ça, donc peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, mais ce serait intéressant d'essayer de trouver le premier jeu produit dérivé, entre guillemets. En découvrant ça, ça m'a fait penser. Je me suis dit, ah ouais, tiens, je serais curieux de voir avant, qu'est-ce qu'il y a eu au Japon d'adapter, tiré d'un animé ou d'un film. Ah, qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Ouais, t'as mis le doigt sur un sujet intéressant. Ouais. Ah. Là, au Japon, ce serait intéressant de se poser la question parce que aux US, les Spider-Man, les Superman, bon, j'imagine que ça fait partie des premiers jeux qu'ils ont essayé d'adapter, même avec 2 pixels, quoi. Star Wars aussi. Ça a toujours été expliqué, existé dans le sens où c'est tellement logique de vouloir allier un blockbuster à un autre produit pour le vendre. Ça paraît logique. Quoi. Mais pour le Japon, c'est une bonne question. On va savoir, c'est peut-être ce Lupin, j'en sais rien. Il faut pousser la recherche, ouais. Voilà. Et après, autre curiosité aussi, j'ai découvert, là, en bossant un peu sur cette vidéo, quand même, on essaye un peu de fouiller quand même. Il y a un jeu qui s'appelle Colony 7. Et moi, c'est la première fois, c'est un jeu de 81, et c'est la première fois que j'ai l'impression, en tout cas, que j'ai joué à un jeu qui avait des méga bombes. Le jeu, il y a un bouton, ça fait tout exploser à l'écran. Je me disais, putain! En 81, il y avait déjà une méga bombe. Voilà, c'est tout. Donc, Colony 7, c'est un dérivé de Space Invader. Sauf que là, tu diriges un viseur. Tu diriges un viseur et donc tu as des. Voilà, toi, tu diriges le viseur bleu qui est au milieu. Et tu dois. Voilà, le mec ne bougeait pas. Hein, tu dois tirer sur les. Ouais. C'est un clone de Missile Command, ça, a priori. Hein. Je connais pas, voilà, moi, Colony 7. C'est comme Missile Command. Qu'on voit dans Terminator 2 d'ailleurs. Un jeu Atari, un des jeux géniaux. Et effectivement, le Game Over, souvenez-vous, le Game Over de Missile Command, c'est un truc hyper psychédélique, mais qui simule une explosion atomique. Ouais, ça te file une crise d'épilepsie, quoi. C'est typiquement un clone de Missile Command, hein, ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est joli. Pour compléter l'interrogation de Monsieur Garcin, la première adaptation, c'est Star Trek en 1972. Oh, 72 Genre, mais attends, 72, le jeu vidéo, il ressemble à quoi? 72 C'est pas un jeu mécanique, non? C'est un Pong, sauf qu'en fait, ils disent que c'est le vaisseau de Star Wars de Star Trek qui renvoie la balle, quoi. C'est un clone de Computer Space qui était sorti un an auparavant, sur lequel ils ont mis une licence, c'est tout. Ok, d'accord. Ben, merci pour deuxième jeu payant de l'histoire des jeux vidéo. Ouais. Après, voilà. On s'attarde encore sur 80, monsieur Garcin, ou tu veux qu'on passe tu veux dire, là, on était en 81. Ben, après, on peut passer. Moi, j'avais noté un jeu que j'aimais bien, mais on n'est pas obligé de monter d'image. C'était Rock Climber. Je trouvais ça original. Ouais. Et en fait, on suit un gars qui grimpe une montagne. Ouais. Et en fait, qui doit éviter des choses et tout. Et moi, forcément, ça m'a fait penser à plein d'autres jeux. Je ne sais pas si les programmeurs se sont inspirés de ça, mais tu vois, par exemple, Shock Trooper, où il y a plein de jeux de run and gun, tout ça, où il y a des phases où tu grimpes. Et là, donc, le jeu, ben, le concept, c'est ça. Tu dois grimper à une colline et j'ai trouvé ça assez marrant. On va voir, en fait, c'est vrai qu'en découvrant tous ces jeux des années 80, on va voir qu'ils allaient un peu, j'ai l'impression, à la course au concept. Un peu. Tu vas essayer de trouver des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait l'escalade, ok. On n'a pas fait le ski. Ah, le ski nautique, parce qu'après, il y a un jeu de ski nautique qui vient. En fait, je pense que les gars devaient se dire, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils devaient faire tous les sports, toutes les activités, et ils essayaient de le faire en jeu, j'ai l'impression. J'ai été surpris. En 82, il y a Alpinski, si tu veux, on le montre, celui-là. Ben, Alpinski, j'ai joué sur la compilation Taito, il est sympa, mais c'est dur. Je pense que c'est des jeux, il faut les connaître par cœur. Tu sais, gauche, droite, gauche, sapin. Je conseille à tous les gens, ceux qui ne connaissent pas, sur PS2, la compile Taito, elle est géniale. Tu as au moins, 25 jeux d'un côté dans la 1, 25 jeux dans la 2. Avec les deux compiles, tu as au moins 50 jeux de toutes les époques. Et donc, j'ai pu jouer à ce jeu-là sur la compilation et je l'ai trouvé assez sympa. Il y a même… Je ne connais pas le cas particulier de Alpinski, mais il faut quand même aussi se dire que certains jeux sont dotés de contrôleurs assez spécifiques. Ouais. Et que malheureusement, ils ont beau être émulés, etc., quand tu as un contrôleur PS2 entre les mains, tu n'as pas du tout parfois les mêmes contrôleurs. Ça a été adapté pour que ce soit compatible. Mais la jouabilité, elle est forcément très différente et surtout plus difficile parce qu'elle n'a pas été conçue pour être sur une manette, quoi.
Je pense notamment à un jeu qui vient après là, Wild Western. J'arrivais pas à jouer, c'était l'enfer. Je pense que c'est peut-être dû à ça. Oui, souvent t'as un trackball, souvent t'as et donc finalement le trackball il est simulé par l'utilisation du pad analogique, mais tu peux pas jouer clairement comme tu le ferais avec un trackball quoi. À Arkanoid, c'est beaucoup mieux de jouer avec le potentiel, tu sais, avec le contrôleur. Ah ouais. Voilà, avec la molette, c'est beaucoup mieux. J'ai eu la chance, gamin, j'ai eu la chance d'y jouer. Je l'ai connu quand j'étais petit, celui-là. Ouais, avec la molette, c'est moins. Enfin, tu perds de l'expérience. Hein. Ouais. Et là, je voulais parler d'un jeu de 1982 que j'avais découvert grâce à Florent dans tes Secrets de la Préhistoire. Parce que tu avais fait un épisode sur ça, c'est Jungle Hunt. Alors, moi, je l'ai connu en Atari 2600, celui-là. Ah ouais, il existe. Je me trompe pas, Florent, tu te rappelles ou pas? Il me semble que tu as fait un épisode sur Jungle Hunt. Non, je pense que tu confonds avec Fantasy de SNK. Ah, qui ressemble à ça? Graphiquement, non, mais c'est effectivement c'est un jeu d'aventure où je dois confondre à celui-là. Où tu contrôles une espèce d'Indiana Jones, effectivement. Voilà, mais t'avais trois. Parce que là, regardez, les gars, c'est ouf. Il y a des concepts celui-là, totalement différents. Celui-là, il est en Atari 2600, c'est sûr, sauf que t'es un. Tu vois, le héros n'est pas comme ça. Ouais. Il est beaucoup plus simpliste. Hein, c'est génial. Vous avez vu, là, ça commence à devenir. Là, les graphismes, on a passé un cap, là. Ouais, c'est génial. Non, par rapport à les deux, trois jeux qu'on. Là, ça commence déjà à devenir balèze. Les crocodiles ressemblent à des crocodiles. Il y a des espèces de bulles d'eau, de méduses. Bon, ça aussi, c'est des bulles d'eau. Et vous avez remarqué. Vous avez remarqué aussi le scrolling qui va de gauche dans à droite. Dans l'autre sens. Ouais. Et c'est pas logique. Donc, en fait, les game designers japonais, ils ont fait des recherches, et pas que les game designers japonais, mais on a compris assez rapidement qu'en fait, il y avait un sens de lecture qui était logique pour le cerveau, du moins pour les droitiers, et c'était de gauche à droite. Et c'est aussi pour ça que les sushis tournants, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les sushis tournants, mais au Japon, ça a été étudié. Ils se sont posé la question dans quel sens on le fait tourner. Et en fait, les trucs, c'est plus logique de les faire tourner dans un sens. Quand tu regardes dans l'autre sens, ton regard, il va être saccadé. Sens-là, en fait, pour le Jungle Hunt, il sera très, très vite abandonné parce que les game designers vont se rendre compte que c'est plus logique de jouer dans l'autre sens. Ouais. Okay. Voilà le Jungle Hunt à Atari que j'ai connu quand j'étais enfant. Il est quand même assez fluide, hein, le son. C'est génial. Rapide. Ouais. Il était génial. Pour l'Atari 2600, je trouve ça magnifique. Hein. Et donc celui-là, j'ai joué sur la compilation PS2. Et là, je trouve que c'est un peu c'est la première fois que je joue un jeu de cette époque de 82 qui est aussi fluide. C'est-à-dire que quand tu sautes, le perso il décolle, il va super loin en fait. C'est pas juste un truc que sens que tu galères. Le jeu c'est se joue. Sommaire. C'est pas le jeu est super fluide. Quoi. Donc, là, on arrive à l'époque. C'est beau, c'est trop beau. Là, des Spartan beau. X et tout ça. Hein. Là, Spartan X, c'est quoi? C'est 84, c'est dans deux ans. Quoi, quand même. Ouais. Mais tu vois, moi, ce jeu, je pense qu'il faudra le mettre en parallèle avec Fantasy de SNK. Parce que Fantasy, il sort quasiment en même temps que Donkey Kong. Moi, je trouve beaucoup plus complet que Donkey Kong d'ailleurs. Mais celui-ci, j'ai vraiment l'impression qu'il s'en inspire, sauf qu'il a essayé d'aller à contrario. Il a été à contrario, c'est-à-dire que dans Fantasy, le scrolling il est toujours de droite à gauche, et là, c'est de gauche à droite. Okay. L'univers est un petit peu différent, mais tu sens l'inspiration. C'est exactement le même. Sûrement, parce que moi, je te dis, j'ai complètement confondu. Quand j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, mais c'est le jeu dont parlait Florent. Et donc, en fait, tu vois que non, ça doit être le jeu dont tu parles à Fantasy. Ouais, mais c'est génial. Je connaissais très, très. Enfin, j'avais déjà vu des screenshots, je n'y ai jamais joué. Il est super à jouer. Il se joue super. Il est magnifique. Et il y a une suite après. Ouais, en 82, c'est chaud, quoi. Il y a une suite qui s'appelle Pirate Pit. Voilà, bon, je notais ça. Alors, Bitcam, après, tu vas nous parler. Je veux qu'on parle d'un jeu mythique qui a eu après une suite. Pour moi, c'est un jeu mythique. Mmh. Je vais juste essayer de repointer l'année du jeu. Mmh. Il a eu une suite que moi, je rêve d'avoir dans ma borne d'arcade parce que. Il est sur Saturne, Saturne. Exactement. Mais je vois de quoi tu vas parler. J'ai joué. Le premier, il est un peu rude à jouer quand même. Bon, après, c'est un peu rude, mais le concept derrière le jeu, quand tu regardes, comment les mecs ont pu imaginer des trucs comme ça au niveau du concept? Après, comme on dit souvent à l'époque, tout restait à inventer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait tellement peu de choses. Elevator Action, et il y a eu la suite qui s'appelle Elevator Action Returns, qui est juste une. Qui est génial, magnifique. Mais même le concept de base de ce jeu-là, de dire on va faire un bonhomme qui va avancer. Parce que ce jeu,
il a créé, il a fait des sous-concepts, par exemple les concepts des jeux qui ont les hide and gun, tu vois, les hide and gun là, tu sais, les hide jeux où tu caches, hide, voilà. Et ben, ah, c'est, oui, oui. C'est un peu ce jeu-là qui a été l'avant-garde de tout ça, parce qu'effectivement, il y a le concept de l'ascenseur, mais il y a la possibilité de se cacher derrière les portes en fait. Ouais. Oh, mais c'est un métal avant. Ah ouais, faut rentrer dans toutes les portes rouges, sinon tu peux pas finir le niveau. Ouais, c'est même Shinobi, même Shinobi est inspiré de ce jeu. Même Shinobi. Shinobi Rolling Thunder. Oui, ouais. Rolling Thunder qui a l'initiative de Shinobi. Mais même Rolling Thunder, Shinobi, tout ça, il a emprunté des. Oui, des à la place de l'ascenseur, tu sautes. Non. Et Shinobi, tu récupères les disciples pour finir un niveau. Sauf que là, tu récupères des choses, des mallettes, en fait, dans les portes rouges. Ouais, voilà, c'est ça, il y a des mallettes. Même Moonwalker, qui est sorti après, Moonwalker, oui, bon, ça, c'était genre... il prend idée là-dessus. Mais moi, je suis super d'accord avec toi, Big Cam. Enfin, Elevator Action, nous, on l'a complètement oublié. Mais c'est un jeu qui est culte et qui malheureusement a été oublié, c'est dommage. Mais il a tellement eu d'impact, comme tu le dis, après sur la suite de l'histoire du jeu vidéo, que c'est bien de le mentionner aujourd'hui. Hein. Et on peut y jouer sur les compilations PS2, je le répète encore. Oui, Galed. Ouais, est-ce que je peux me permettre de faire un petit retour en arrière? Mais alors attends, fais comme dans Wayne's World, retour en arrière. Non, et en plus. C'est pour réhabiliter ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Gersin. Il a entièrement raison parce que le Star Trek de 1972 a été fait sans les accords. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une bande d'arcade, ils ont appelé Star Trek. Ah ouais. Et à l'époque, ils s'en foutaient des jeux vidéo. Donc, les ayants droit n'ont rien dit. Ils ont laissé la bande Star Trek qui repompait Computer Space qui était sorti un an plus tard. Ils avaient changé quelques petits trucs. Par contre, Lupin 3 que tu as désigné tout à l'heure, c'est non seulement le premier jeu sous licence d'un animé, mais c'est aussi le premier jeu sous licence à être sorti en arcade. Ouais, mais tu allé chercher là sur Internet là, Ouais, j'étais tout vérifié sur l'historique même des sorties de jeux d'arcade. C'est fou ça, je suis content là. C'est cool. Non, voilà, mais... Là, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc bravo Monsieur Garcin pour... Pour l'avoir trouvé celui-là. Bah non, mais c'est fou, mais c'est vrai que j'ai été choqué. Au début, je me disais Lupin 3, est-ce que c'est bien ça? Puis je me suis dit, bon, au Japon, Lupin 3, et bah oui, ça doit être ça, quoi. Et bah ouais, ils ont acheté la licence pour l'adapter en jeu vidéo, et c'est la première. Voilà. Donc bravo. Waouh! Eh bien, on apprend un truc. Hein. Bravo, Taito. C'est bon, on apprend plein de trucs, hein, mais. Ouais, Monsieur Garcin, il y a juste Chariban qui dit d'ailleurs qu'il va peut-être nous rejoindre pour parler d'un jeu tout à l'heure, là, Chariban. Ah! Monsieur Garcin, 39 jeux sur la compile Taito Legend 2. Ouais, c'est de la bombe. Enfin, moi, je me suis éclaté. Heureusement que je l'avais pour préparer ce live, hein, parce que sinon, j'étais dans la merde. Et là, j'ai pu jouer à plein de jeux. L'autre intérêt vraiment de ce jeu, c'est, pour moi, c'est une des meilleures compilations qui ait jamais existé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Taito s'est vraiment sorti les doigts des fesses pour cette compile. Il y a des interviews des créateurs des jeux dedans que vous pouvez débloquer, regarder. Et il y a des témoignages aujourd'hui qui sont extrêmement précieux. Notamment, je pense à Monsieur Mitsuji, le créateur de Bubble Bobble, qui est décédé depuis maintenant des années. Mais c'est une des rares interviews qu'on a de lui, consultable facilement, sans être obligé de retrouver des interviews dans les vieux magazines, quoi. Il n'est pas apparu très souvent. Donc, cette compilation est absolument géniale, quoi. Ah ouais. Et quand tu vois de nos jours, quand tu vois des compilations où ils te mettent 15 jeux ou même moins des fois, là, tu vois, plus de 30 jeux dans chacune des compiles, là, tu as de quoi faire. Et en plus, tu as toutes les époques balayées, début 80, 90, 90, c'est top. Voilà, on ne le dira jamais assez, ces compilations sont géniales. Ouais. Juste pour terminer avec Elevator Action, le nombre de concepts au sein d'un jeu comme ça, de cette époque-là, c'est juste fou. Honnêtement, c'est juste fou. Donc voilà, il fallait quand même le souligner. Alors après, moi j'avais noté, bon ça, c'est des jeux qu'on va passer, on va peut-être pas s'attarder. Il y a un jeu, un même jeu qui s'appelle. Un jeu de 84. Alors attends, oui, moi je disais juste dans les jeux de 83, il y avait Bioattack, qui est un shoot vertical et le scrolling est hyper fluide. On commence vraiment à avoir des shoots qui ressemblent à tous les shoots qu'on va adorer à la fin des années 80. Donc Bioattack que je pensais qu'il fallait citer. Et après, il y a ce fameux Waterski que je trouve assez original. Comme tout à l'heure, je vous parlais d'un jeu où tu escalades une falaise. Ben là, ça ressemble un peu au jeu de Alpinski. Sauf que là, cette fois-ci, tu es tracté par un bateau. Tu as une ambiance un peu été, fun. Et toi, tu es en ski nautique. Je me disais, c'est marrant quand même, tous ces jeux. Ils essayent de trouver à chaque fois des choses un peu originales. Ah, et là, je vois en tournant la page qu'il y a mon gros coup de cœur. Ouais. Tu peux l'annoncer si tu veux, Big Cam. On peut deviner ou pas?
Bah, je crois que... T'as une idée de ce qu'il va dire ou pas? Moi, je sais. Lui, il sait, ouais. Je devine. Est-ce que c'est Bubble Bubble? Ah, non. Bah, et non, figure-toi non. Que non, ah, c'est bon, pas celui-là. Non, moi, tu sais, je suis un fan de Ninja Spirit. Et là, j'ai trouvé l'ancêtre de Ninja Spirit. Oui, Legend of Kage. Ouais. Oui, bravo. Eh bien, j'ai joué grâce à la compilation de Taito, les gars, parce qu'il est dessus. Moi, en fait, sans le savoir, je savais que c'était une suite, mais j'y ai joué en 2008 sur ma DS. Sur la DS, en fait, il y a eu une suite, c'est fou, qui est distribuée par Square Enix. Et ils ont sorti un Legend of Kage 2. Et je connaissais pas le 1. Regardez ça. J'adore, c'est génial. Regardez, il y a les ninjas avec leur tuba dans l'eau. Ah ouais, non, mais carrément, parce que dans Ninja Spirit, premier niveau, t'as les mecs dessous qui avec des lances qui essayent de t'achoper. Et c'est surtout le premier niveau, on va sûrement le voir, ça c'est le niveau 2. Le premier niveau, tu sautes super haut dans la forêt. Le fait de sauter super haut, déjà, bon, bah, tu penses à Ninja Spirit. Et on va dire... Ah ça, je sais pas. J'ai l'impression, alors je sais pas, mais ça m'a fait penser aussi quand même à Spartanix. Spartanix, c'est de 84. Alors je me dis, est-ce que ce jeu s'est pas inspiré de Spartanix? Ah voilà, quand j'ai vu ça, les mecs avec les chapeaux comme ça, les arbres et les grands sauts, ben, il manque plus que 3-4 personnages pareils qui suivent et on y est. Et ce jeu est super. Enfin, moi j'ai adoré. Hein. Et là je me suis dit, ça y est, là on est vraiment dans le jeu vidéo qu'on connaît même actuellement. C'est les débuts. Là. Donc je sais pas si vous connaissez Gunned ou Florent, si vous avez joué, il est vraiment cool. Hein. Si, si. Moi, je fais partie de ces gens qui ont acheté Legend of Kage 2 sur DS. Ah, toi aussi. Peut-être qu'il vaut une sacrée fortune, mais je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc, tu vois, ça, je suis un fan de cette licence. Voilà, mais moi, je l'ai acheté, mais sans connaître. Et là, j'adore comme tu grimpes aux arbres et tout. Enfin, je pense que là, à l'époque, en salle d'arcade, les gars, ça y est, c'était. Enfin, je sais pas, c'est top, quoi. J'adore. Il est hyper fluide, facile. Il se dirige bien. Enfin, voilà. Et là, t'as une espèce à chaque fois. C'est comme dans Spartanix. T'as un mec à battre un peu plus balèze que les autres pour accéder au niveau d'un. Là, c'est lui. Regarde combien il coûte, Legend of Kage. Parce que je l'ai, attends. En plus, il a c'est le genre de jeu qui doit coûter cher. Ah ouais, regardez ça. Pas sûr. Lionel, tu le connais, toi, le premier Legend of Kage, la version arcade? Moi, je connaissais. Et c'est vrai que l'affiliation avec Ninja Spirit est évidente. Hein. Je pense que les gars d'ARM se sont clairement inspirés de ce titre-là. Et ouais, enfin, il fait partie pour moi de l'histoire des jeux vidéo parce que. Non, il vaut rien. Spartanix, ok, ouais, on va dire qu'il a mis les bases. Mais là, c'est du jeu de ninja pur et dur. Et dans ces années-là, on était fous, nous, des jeux de ninja. Donc, c'était le début d'une folie qui n'allait pas s'arrêter tout de suite, quoi. Ouais, c'est clair. Shinobi, machin, c'est toute une folie des ninjas qui a perduré très longtemps. Même sur Sega Master System, enfin, The Ninja. Ah, The Ninja, ça, Sega Ninja, là, de base. Donc, bah ouais, voilà. Il est parti, Monsieur Garcin, il a disparu. Il est parti chercher son jeu, il veut absolument le montrer. Monsieur Garcin qui a un nouveau décor, il faut le souligner. Et derrière, il a des jeux Taito, et c'est-à-dire qu'il a pensé, je vois Final Blow derrière, au milieu, je vois Rastan, je vois Darius et le shmup avec l'avion sur la droite, je ne vois pas. Monsieur Garcin, t'es allé chercher ton jeu ou t'as fait quoi? Ah oui, mais je voulais chercher mon jeu. Je suis allé me chercher à boire et j'ai mangé du chocolat. Non, mais c'est vrai, ami, il est là en plus. Il est là. Bon, il vaut. Alors, les gars, dites-moi qu'il vaut 200 euros. Non, il vaut rien, il vaut rien. Quoi, c'est une blague? Au Japon, il coûte un peu plus cher. Ben Shout, c'est un spécialiste des prix, il a dit, il vaut rien. Donc, ah, ben, je suis dégoûté, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir. Mais au Japon, il vaut cher. 15 000 yens, 16 000 yens. Ouais, c'est Fire Mustang derrière. Fire Mustang qui existe aussi, j'ai la version arcade. Ah, ben, il est là, regardez. Ouais, sur Mega Drive, c'est vrai qu'il y avait eu une conversion de Fire Mustang. Moi, je connais exactement que la version arcade. Je l'ai déjà vu tourner sur Mega Drive. Mais... Et là, depuis tout à l'heure, on vous parle de ça, donc du coup. Ça vaut vraiment le coup hein, si vous avez une PS2 allez-y, c'est de la patate atomique pour parler comme les Legends. Non, remarque, les Legends ils disent pas de la patate. On survole rapidement un autre jeu de Taito de 1984 aussi. Il y en a plein en 84 là. Je voulais souligner parce que en fait il y avait pas encore les jeux de Versus et ça c'est quelque part un des premiers. Mais ouais, c'est pour ça que je voulais le mettre aussi, ouais. Et cette année, c'est marrant parce que dans 84, vous allez voir, il y a eu plusieurs jeux de Versus. Donc, je ne sais pas si c'était les prémices. Parce qu'après, il y a un autre jeu. Bon, on va en parler après.
Mais celui-là, il a l'air hyper fluide et hyper rapide. C'est Ring Fighter, celui-là. Ring Fighter. Donc, franchement, bien, par rapport au jeu de boxe, si tu regardes, il y avait Punch-Out, tout ça, là. Mais Punch-Out, en fait, en termes de liberté de mouvement, etc., c'était plus limité. Non, mais Punch-Out, c'est pas en 84. Non, mais je parle après dans ces années-là. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, du coup, tu vois, t'as quand même très tôt, t'as un jeu où t'es assez libre. Et c'est hyper rapide, hein, je trouve. Avec le damage, etc. Ouais. Sauf que ta barre de vie est un peu est inversée, en gros. Plus tu montes le dommage, plus tu couches le mec. Ouais, ok. Putain, ça a l'air hyper dynamique et tout. Tu as vu les coups ouais. Pour un jeu de 84. Après, il y avait Karate Champ dont on a parlé aussi dans notre live, Monsieur Garcin. Ouais. Mais là, tu vois, là, c'était de la boxe, donc c'était quand même génial, quoi. Comme et là, dans la même année, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Grit Swordsman, et c'est un jeu d'escrime. Pareil, ouais. Donc là, ils sont entrés dans le versus et dans le sport. J'ai l'impression, comme je vous disais, qu'ils essayent de faire bon. Alors, est-ce boxe, on l'a fait, ski nautique, ah, escrime, on l'a pas fait. Bon, allez, hop, vas-y, Akira, mets-toi sur l'escrime. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont sortir un shoot avec où il y a un hélicoptère. Et moi, en fait, j'ai toujours cru que. Comment il s'appelle le fameux jeu là Shoplifter. Twin Cobra. Je oui. pensais que c'était un jeu de Taito, mais en fait, non, c'est juste distribué par Taito. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, là, je l'ai sur Mega Drive, et en fait, il n'y a même pas marqué Taito. Moi, j'étais persuadé que c'était Taito, et c'est même pas marqué Taito. Non, mais peut-être que le jeu original était Taito, mais c'est la conversion Mega Drive qui a été faite par quelqu'un d'autre. Ouais, je pense, mais même. Il est là, voilà. Enfin, la version Mega Drive est magnifique, mais je ne sais plus comment il. Parce que il s'appelle aussi Twin Cobra, non C'est Tokyoku Tiger. Ah ouais, voilà, ouais. Et ben moi j'étais persuadé que ça c'était Taito, mais il y a marqué Treco, mais Treco en même temps c'est un éditeur qui adaptait des jeux d'autres éditeurs sur à lui là, la version PC Engine. Oh. Et alors il y a marqué Taito là ou pas? Ah là il y a marqué Taito. Ok, c'est bon. Et ben du coup c'est marrant parce que là en 84 ils avaient déjà un shoot avec un hélicoptère. Je sais pas, ils aimaient bien ça parce que c'est pas tout le monde qui a fait un shoot avec un hélicoptère. Taito, ils aiment bien les hélicoptères. Bon, voilà, c'était le plus intéressant. C'est quoi, c'est la folie supercopter? Ouais, ouais, peut-être. Hein. 84. La folie supercopter. Bah, c'est possible. Ouais. Hein. Ouais. Tu parles de Gyrodyne, c'est ça, Gyrodyne? C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement, ce bon vieux Gyrodyne hein, que tout le monde connaît. On passe à 85, on n'a pas encore un jeu vraiment. Allez, parce qu'en 85, Bicam, vas-y, toi, tu vas nous parler duquel? Moi, je vais te parler de Samurai Nihon. Ishii. Ah, bah alors, vas-y. Alors là, t'as vu les graphismes comme c'est beau, les gars. Ah non, là, ça y est, là, le sprite, il est énorme. Ouais. J'ai découvert en préparant l'émission, je ne connaissais pas. Et j'ai fait, wow, on dirait, à l'époque, il devait dire, on dirait un dessin animé, tu vois. Il devait dire, ah, regarde, il y a un dessin animé, tu peux y jouer. C'est beau, quand même. Chariban expert en shmup. Hein. On salue Chariban qui passera. Si on arrive à arriver jusqu'à ce jeu-là, il va nous en parler bien comme il faut, parce qu'il vient de faire un sujet là-dessus. On verra quel jeu. Mais il dit, le dev, c'est Toplan et l'éditeur, c'est Taito. C'est l'éditeur. Oui, c'est vrai que j'avais cherché. Ok, ouais. Parce que Taito aussi, c'est vrai qu'ils sont des fois éditeurs. Alors, moi, celui-là, je le retenais parce que c'est vrai, effectivement, les sprites sont énormes. Ah, c'est beau. Regarde le Mont Fuji, on dirait, derrière. Là. Après, on va comparer ce qui est comparable. Mais tu sais, moi, dans ma tête, ce genre de jeu à scrolling un peu qui est un peu inspiré de Spartan X. Ouais, Spartan X. Il y a The Kung Fu, en fait, sur PC Engine, avec les sprites. Alors là, c'était l'escalade de la taille des sprites. Ouais, ben là, déjà. C'était quand même avant. Et puis, les sprites étaient assez gros. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. Regarde le tigre, comme il est beau. Regarde ça. Ouais. On dirait, à l'époque, je pense que ça devait peut-être faire partie, en 84, des plus beaux jeux. Ouais. C'est vrai que c'est joli, ouais. Ben oui, parce qu'après... Ah, et puis c'est marrant, t'as les oiseaux qui sont. On dirait Gugu Gamno. Ouais, Gugu Gamno. Ouais. C'est ça, regarde les oiseaux. Ils font 100 kilos, les oiseaux. Ouais. Et en plus, ils tirent des flèches, ils jettent des couteaux. Enfin, ouais. Mais bon, ouais, donc, voilà. Belle découverte en fouillant. C'est beau. Et en 85, il y a eu aussi un jeu qui s'appelle Fairland Story. Et là, c'est vraiment les prémices, c'est du puzzle, alors pas du puzzle, du bubble avant l'heure, quoi. On dirait que c'est la base de bubble. Voilà, on va dire, ils ont testé un peu le concept avant, un an avant bubble.
Et donc, ça s'appelle Fairyland Story. Fairyland Story. Ah ouais, oula, excusez-moi. Ouais. Je suis fatigué. Mais là, c'est un remake qu'il y a eu, je vais te montrer. Attends, hop. Donc, et après, un autre jeu qui est pareil. Après, c'est un jeu à concept, en fait, ça, après. Ça, c'est un nom, c'est les fameux jeux où tu as un tableau et ouais. Tu dois te nettoyer ça. Le tableau. Bah, Mr. Do, je pense que ça a été le premier de ce style-là. Oh, ouais, Dig Dug. Après, Dig Dug, il y a peut-être un scrolling. Mais c'est vrai que c'est un genre. Après, est-ce qu'il y a un terme technique pour ce genre de jeu? Et là, effectivement, a très très bien marché. Ouais. Donc voilà, c'est marrant. C'est le même concept parce que là, tu dois toucher les ennemis, tirer sur les ennemis. Ouais. Et une fois que tu les as tirés dessus, tu dois aller dessus pour les dégager de l'écran, je crois. Ah ouais, ça ressemble clairement à du Bubble. Après... C'est ça, et après, il y a eu plus tard, mais bien plus tard, il y a eu Snow Bros. De Toplan, je crois, Snow Bros. Qui est exactement le même genre de jeu, quoi. Bah, d'ailleurs, ça y est, je pense qu'on avance et on arrive à faire ce fameux jeu. Je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes autour de ce jeu. Tu veux parler de Time Gal? Non. Ou pas? Non. Je t'ai taillé tout, ils ont fait trop de jeux intéressants. J'ai sauté 85. Hein. Ah ouais, mais Time Gal, attends, le jeu sur Laserdisc et tout, là. Ouais, tu veux parler de Time Gal? Allez, c'est parti pour Time Gal. Non, mais il faut le montrer, c'est tellement beau. Et puis à l'époque, c'était fou. Parce que le fameux Road Avenger et tout, c'est quelle époque? C'est cette époque-là. Road Avenger, oui, bah, c'est le Mega CD. C'est 80. Mega CD. Il est sorti sur Mega CD, mais c'est le Laserdisc. C'est 83, 84. Ce jeu-là, je sais qu'il fera extrêmement plaisir à notre ami cousin Hubert. C'est vraiment péché mignon, ce genre de jeu-là. Donc ça, en fait, Taito, ils ont dû voir donc Road Avenger, tout ça. Ils ont dit, faites-nous la même chose, quoi, j'imagine. Hein. Puisque c'est leur cousin Hubert les a sur support VHD, encore plus rare que le Laserdisc. Ouais. Il a tous les trucs les plus rares du Japon, j'ai l'impression, ce cousin Hubert. Et donc, à l'époque, tu voyais ça, tu pleurais quand même. Ah non, mais tu tombais par terre. Bah, mais déjà, Road Avenger avait mis la claque avant, quand même. Ah ben oui, voilà, ouais. Sauf que là, on a des filles de petites vertus presque. De petites avec des culottes qui se déchirent par un dragon. T'as dû un peu du transformation ASD comme le collège foufoufou par moment, tu vois. C'est beau, c'est beau quand même. Hein. Visuellement, et les plans. C'est de l'animé, quoi. Bon, après, c'est quoi? C'est du 2D, faut pas. C'est de toute beauté. J'adore le design. Ça fait vraiment. Ça fait vraiment animé. Années 80, c'est magnifique. Enfin bon, je pensais qu'il fallait le dire quand même, ça c'était un truc assez marquant parce que ça n'a rien à voir avec tous les autres jeux qu'on peut voir à côté. Et moi, il y a un jeu que j'ai trouvé trop beau, mais magnifique, mais sublime, c'est Gogo Mister Yamaguchi. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais ça, alors, je suis désolé, Bika, mais c'est pas grave. Tu ne veux pas le montrer, je le trouve trop beau. Et Gogo Mister Yamaguchi, ça a l'air vraiment waouh. Super beau, on dit Taito, ça, les gars, ils étaient au niveau des graphismes, au niveau technique. C'est quoi le jeu, tu me disais, monsieur Garçon, parce que j'étais... Go, après Go, MR, Mister, quoi, et Yamaguchi, Yamaguchi, et il y a des vidéos sur YouTube. Go, Mister Yamaguchi. Voilà, j'ai trouvé ça, que vous allez voir. J'étais tellement concentré par le chat. Hubert. Où il dit à un moment donné, tu vois, il dit ça, je rigolais, donc du coup, bref, même cousin Hubert. Ah, j'ai pas vu un moment, un méchant, il tape sur quoi? Il tape sur la poitrine de la jeune fille, elle gueule, non, pas mes seins, bref. Ah, non, pas mes seins. C'est celui-là que tu parlais. Ah oui, au début j'avais été, j'imagine les graphismes plus beaux dans mon souvenir, parce que c'est vrai qu'on a vu le jeu avec le samouraï qui était magnifique, mais celui-là déjà, il a un côté... Regarde, déjà on dirait un peu un dessin animé, je trouve, et c'est un côté, une espèce de run and gun avant l'heure, parce que tu peux tirer, donc tu te déplaces, tu tires, c'est un Merx ou un Commando, d'ailleurs Commando peut-être de Capcom, c'est ce truc-là, hein, d'ailleurs. Je l'ai trouvé cool, parce que je l'ai trouvé super cool, mais bon, voilà. On avance, on va venir sur un jeu mythique qui, quand tu penses Taito, c'est presque la mascotte de Taito, hein, dans la console. Après, je ne sais pas si Taito, là, on va dire marqué comme étant sa mascotte, mais ça reste Space Invaders. Hein. Ouais. Ça, pour toi, c'est Space Invaders? Ah ouais, c'est pas pour moi, c'est juste le logo de Taito, c'est un envahisseur. Ouais. Et là, moi, pour moi, ce jeu-là, vous le connaissez tous, c'est Bubble. Bubble.
Ouais. Ah ouais. Qui a été pareil, un succès immense en arcade, mais c'est surtout toutes les conversions et toutes les versions qu'il y a eu après. Et je connais peu de gens dans leur culture jeu vidéo qui ne connaissent pas, c'est comme Space Invaders un peu, qui ne connaissent pas Bubble Bobble. Qui ne connaissent pas. Gros succès, donc j'imagine. Ouais, c'était un succès énorme. Puis les personnages mignons, voilà, ils ont voulu reproduire un peu le process de Pac-Man, attirer de nouveau les joueurs et les joueuses, les enfants, enfin bref. Le côté mignon, il est vraiment très japonais, quoi. C'était pour satisfaire une demande qui disparaissait encore à nouveau petit à petit des salles, quoi. C'est kawaii, quoi. Peut-être aussi pour, comme à l'époque de Pac-Man, attirer les femmes dans les salles d'arcade. Ouais. Et tu as dû jouer, non, sur Amiga, Lionel? Ah oui, bah ça, c'était... Ouais. Amstrad, Atari ST, c'est sorti sur tous les supports de l'époque. Hein. Ouais, NES, même Master System, je crois que c'est très cher. Sur quelle machine c'est pas sorti, sérieusement? Ouais, c'est vrai que... Là, Taito, ils ont engrangé des millions de dollars avec ce jeu-là. Hein. Moi, c'est l'un de mes premiers souvenirs arcade où j'étais vraiment conscient de ce que je voyais et je notais les noms des jeux quand j'étais enfant. Ce jeu-là en fait partie avec Ghost and Goblins et Enduro Racer sur la borne d'arcade. Et je me souviens très, très bien de ces jeux-là avec leurs noms parce que c'était les premières fois où, quand j'étais enfant, où je retenais le nom d'un jeu et je revenais jouer, je disais « je veux jouer à Bubble Bobble ». Le nom est chouette en plus, hein. Bubble Bobble, ça sonne bien, quoi. Et puis pareil, un jeu à concept qui a donné des sous-concepts par milliers. Effectivement, tous ces jeux qui sont sortis après, je vais en citer deux. Donc, un que beaucoup connaissent, je l'ai dit tout à l'heure, Snow Bros. Pareil, qui était un hit d'arcade. Et un jeu qui est sorti sur MVS qui est Nightmare in the Dark, qui utilise toujours ce concept-là. Sauf qu'au lieu d'avoir un bonhomme qui jette des bulles, il jette des flammes. Et en fait, il les emprisonne dans des boules de feu qu'on pousse. Et engrange, et ça fait des combos. Voilà. C'est vraiment des jeux à concept par tableau, en fait. Sauf que Bubble, il y avait l'eau en plus. Il y avait des petites choses comme ça en plus, plutôt pas mal. Et pareil, quand les ennemis meurent, ils se transforment en bonus. Il faut vite les attraper avant de passer au tableau suivant pour scorer, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez étonnant qu'il ne soit jamais sorti sur PC Engine, quoi. Ouais. C'est vrai, ouais. Il n'y a pas le 2 ? Ah, si, bien sûr. Après, il n'y a pas Rassol Star, effectivement. Ouais. Mais quand tu regardes la ludothèque Taito de sur la PC Engine, ils ont fait tous leurs hits, quasiment tous. Sauf Bubble. Ouais. Et Bubble, ouais. Tu ne sais pas pourquoi, non. Mais comme il était sur NES, je crois que Nintendo, ils ne l'auront pas dit. Ouais, celui-là, il est que pour nous. C'est probable, mais il y a des contre-exemples. Regarde Space Invaders, s'il était sur NES aussi, il est ressorti sur PC Engine. Mais je crois qu'ils avaient un accord sur ce titre-là. Alors, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais il y avait. C'est pour ça qu'on a eu des versions, d'autres versions, d'autres titres. Parce qu'on a eu New Zealand Story qui était aussi. Va savoir, voilà. On va en parler après. Ouais. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que pour le Japon. Non, j'en sais rien. Ce serait une bonne question à poser aux gens de Taito, mais à mon avis, ils ne sauront pas répondre. Même eux, maintenant. Ouais, c'est sûr, pour 86, c'était pas hier, quoi. Mais ouais, je crois que c'était lié à ça, et ce qui fait qu'on a eu d'autres titres de Taito qui ont déboulé sur PC Engine, dont le fameux Liquid Kids par la suite. Ouais. Moi, un jeu que j'avais beaucoup aimé sur PC Engine, alors qui était aussi sorti en arcade, et puis qui avait été aussi développé sur Amiga, mais malheureusement, Océan ne l'a pas sorti. Ouais, en plus, tu l'as, donc c'est excellent. Et donc voilà, c'est Hippopo. Donc là, on est plus dans la suite de New Zealand Story. Mais pour moi, c'est des séries en parallèle, comme les jeux kawaii, comme tu le disais si bien. C'est un petit peu aussi cette marque de fabrique de Taito, faire des jeux pour tous les publics, en fait. Hein, parce que ça, et là, c'est vrai que c'est pareil, ils reprennent le concept, parce que tu envoies de l'eau sur les ennemis, tu les immobilises, et c'est en les touchant que tu les expulses. Donc c'est vrai que là, comme c'est pour ça que tu fais le lien, il y a le concept de Bubble dans ce jeu et qui est magnifique. Là, les graphismes, quand j'ai joué à l'époque sur PC Engine, il est assez proche de l'arcade. Il y a une version Saturn aussi qui doit être presque arcade perfect, je pense, mais il est impressionnant pour la PC Engine, ce jeu. Oh là là. Alors, ouais, puis c'est, pour moi, c'est une sorte de fusion entre New Zealand Story et puis l'univers et de Bubble. Ça se réunit.
Et puis voilà. Alors, bon, pour info, pour les fans d'Amiga, je pense qu'il doit y en avoir quand même quelques-uns dans le chat. On peut récupérer la ROM parce qu'en fait, les développeurs l'ont libérée. Ils avaient fait un travail de fou. Et franchement, alors voilà, ça vaut pas la version PC Engine, mais c'est une très très belle version. Et en plus, ça utilise les deux boutons d'un joypad. Donc, c'est franchement, c'était du bon boulot. Et bon, c'est comme ça, c'est jamais. Tu sais pourquoi il est. C'était la fin de vie des ordinateurs 16 bits. Et puis, bon, bah voilà, Océan était dans une tourmente financière. Donc, ils ont abandonné comme ça plein de projets. Hein, donc, Océan a coulé. Pardon, parce que là, on a fait une digression. En train de dire qu'Océan a coulé. Mais en parlant d'Océan, on peut peut-être parler de la série de Shoot. La plus connue de Taito et qui est née en 1986. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui est en backstage qui va venir en parler parce que c'est un spécialiste de ce jeu. Ah ben, parce qu'en plus, il y a des choses à dire. Et encore une fois, ce shoot, ça nous parle encore des problèmes de la mer, en fait. Ouais, exactement. Le lien est tout trouvé entre océan coulé. Là, on est dans les poissons. Ah, et là, on a fait un combo incroyable. Donc on a transition. Notre petite guest, je lui ai proposé parce que c'est mon ami et puis j'aime beaucoup c'est ça. J'aime beaucoup ta passion pour le shmup. Salut à toi, Chariban. Salut à tous. Salut Chariban. Bien bonjour. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est avec plaisir. Hein. On accueille toujours les potes. C'est normal. Juste avant de commencer, est-ce que Chariban, tu vas aborder le design des vaisseaux? Parce que pour moi, ils sont vachement inspirés de Goldorak. C'est le vaisseau qui se mettait dans le vaisseau de Alcor. C'est le vaisseau de Alcor. Ouais, alors c'est inspiré. C'est inspiré pas officiellement, en tout cas. Ouais. Après, ouais, le design fait très penser à Albator ou Goldorak Là, on voit le. Attends, voir. Là, on voit. Oui, ça fait penser au vaisseau de Albator, là, comme tu dis là, le fond là. Là, c'est le Yamato. Canons. À mon avis, c'est le Yamato. Ouais. C'est le grand vaisseau japonais. Le fameux vaisseau japonais. Chariban, tu veux peut-être parler parce que là, tu viens de tourner une vidéo sur le sujet. Ouais. Donc, vas-y, je te laisse enchaîner sur Darius. Alors, Darius, c'est un jeu qui est un peu une réponse à un autre grand shmup de cette époque-là. C'est une réponse à Gradius. Gradius a à peu près... on n'est pas sur du Konami, hein, mais on est obligé un petit peu d'en parler, on va dire. Mais en gros, Gradius a bougé tous les curseurs des shoot'em up et a lancé une nouvelle façon de jouer. Notamment par le level design, les power-up, la vitesse, tout ce qu'on pouvait faire augmenter au niveau du vaisseau. Taito, quand eux, ils ont vu ce genre être autant modifié, eux, ils étaient un peu paumés parce qu'ils viennent quand même de Space Invaders. C'était un peu les inventeurs. En tout cas, c'est le titre qui est le plus représentatif à cette époque-là du shoot'em up. Et donc, ils sont partis sur le principe de relancer et puis de dire, nous, on va faire mieux, on va faire tout mieux, on va essayer de prendre tout ce qu'ils font, puis on va essayer de pousser les curseurs au plus haut. Et c'est là qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe de Taito qui ont commencé à réfléchir à comment ils pourraient faire tout ça. Donc, notamment avec la borne que beaucoup doivent connaître, avec ces trois écrans. Mais pas que, puisque la borne elle est aussi équipée d'un système son. Au départ, un système son qui devait être le body motion, je ne sais plus exactement le nom technique, mais qui coûtait. Il a été fini par. Ça a été décidé de mettre juste un caisson de basse sous les fesses. Alors, je dis juste un caisson de basse pour l'époque, c'était. Révolutionnaire, on va dire, parce que en gros, ce que Taito voulait, c'était créer une borne d'arcade qui serait un peu l'égale de ce que Sega pouvait faire avec ses bornes Space Harrier, ce genre de borne qui enverrait tout de suite plein les yeux pour les utilisateurs, enfin en tout cas les clients, et qui pourrait venir se dire là on est dans un space opéra ou assimilé. En fait, ce que tu dis, Chariban, c'est ce qu'on appelle un Taikan Game, un jeu d'expérience physique. Et effectivement,
Sega était spécialiste du Taikan Game parce que c'était des simulateurs, tu étais sur ta moto, t'étais, enfin bref, il y avait des tas de choses qui t'impliquaient physiquement. Et ce que tu veux dire, cher Ivan, c'est que là, par le son et par le visuel qui couvrait, en réalité, le concept des trois écrans, c'est juste de correspondre en fait à la vision humaine qui est plus large avec que la version périphérique. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Et puis d'avoir une immersion sonore avec le caisson de basse. Dès que tu tires, dès que tu élimines un ennemi, la basse elle est tellement puissante que ça te secoue. Et donc c'est en ce sens qu'il voulait faire une borne physique. Ouais. C'est ça. C'est cette expérience-là quand il y a le warning qui sonne pour les boss. Le truc te. En fait, tu es dans cette vraiment, t'es dans cette immersion-là. Et donc, partant de toutes ces améliorations techniques, ils ont aussi donc apporté d'autres choses. Donc, on a désormais chez Taito, ils ont développé en même temps, enfin ouvert le secteur de Zumtata. Donc, Zumtata, c'est ceux qui s'occupent des musiques. Des shoots chez eux, et peut-être pas que d'ailleurs, moi je suis plutôt casé sur les sur les shmups, mais en gros ils ont commencé à essayer de produire une musique qui soit pas juste quelque chose de très basique, là c'était quelque chose qui devait limite raconter une histoire, voilà, donc quelque chose qui se calque un peu, où la personne qui est là, encore de la même façon que la borne, ressentir un peu l'histoire que le vaisseau essayait de faire, voilà. Donc avec ces espèces de plans séquences, on se retrouve à passer d'une zone à une autre. Voilà, donc le pareil, du niveau de la musique, on avait quelque chose de très, de très comment on peut dire, inspirant. Enfin, en tout cas, on le vivait. Voilà, c'était un peu comme ça que c'était sorti à ce moment-là. Et puis après, bon, voilà, le côté des boss qui sont énormes, on va avoir... graphiquement, bah là, c'est pareil, hein, les curseurs sont beaucoup plus élevés que ceux qui étaient utilisés sur Gradius. Donc, on a un graphisme qui est plus fin, avec un inétendu qui est énorme, hein, parce que là, quand même, il faut arriver à couvrir une surface qui est beaucoup plus grosse. Et voilà, en tout cas, pour cette année-là, ce qu'ils arrivaient à faire par rapport à la concurrence, avec aussi un système de scoring qui a été pensé. Déjà à l'époque, avec du leeching, ce qu'on appelle. C'est, en gros, les boss ont plusieurs parties, et on peut s'amuser à détruire partie par partie des boss afin de faire un plus gros score. Ce qui d'ailleurs amènera au final, par rapport aux exploitants, à ne pas être trop apprécié cette borne, parce que les gros joueurs qui vont dessus vont passer énormément de temps sur une partie, parce que leur but, c'est de faire plus gros score. Donc ils vont essayer de... justement leecher, essayer de rester le plus longtemps possible sur les boss afin de faire un plus gros score. Donc voilà. Et est-ce que tous les Darius ont eu trois écrans ou pas? Non. C'est les deux premiers qui en ont trois, et à partir du non, même le deuxième avait que, enfin il y avait une borne à trois écrans, mais il en a eu une à deux écrans aussi, au moment où parce que les bornes, en fait, se vendaient... Faut savoir qu'une borne Darius, c'est quasiment deux bornes, on va dire, en largeur, c'est deux bornes standard. Mmh. Et donc, avec une partie qui peut durer entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure pour les gros joueurs qui voulaient passer dessus, donc c'était pas du tout rentable. Ouais, donc, ils ont essayé de passer après une borne qui était un peu plus petite. Et ouais, moi, j'ai essayé un Darius assez récent, peut-être, qui doit avoir moins de 10 ans, qui était ressorti, Darius Burst. Ouais, voilà, il est assez ouf. Hein. T'as des espèces de rideaux sur les côtés, je crois, pour te mettre bien dans l'ambiance derrière. T'as le son sur les sièges. Bah, c'est vrai que c'est assez fou quand tu joues. Avec la musique. Peux jouer à 4. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu peux jouer à 4. J'avais joué à 2 ou 3. Et donc c'est assez cool. Ouais. Je dois confesser que je ne suis pas hyper fan de Darius. J'ai toujours trouvé difficile à comprendre. Mais il est tellement incroyable. En fait, il a apporté tellement au genre. Et il est tellement impressionnant. Aujourd'hui encore, quand vous voyez une borne Darius qui fonctionne, vous êtes « Waouh !» C'est incroyable, en fait. Oui. Et c'est clairement un des jeux qui est très, très, très méconnu en Occident et qui est… Alors, on va toute proportion garder parce que c'est vraiment le hardcore gamer de base japonais, mais qui est extrêmement culte au Japon par ses gamers. Le grand public, il ne connaît pas, mais le gamer japonais, je ne connais personne qui ne soit pas fan, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas à partir de quel épisode ça arrive, mais il y a peut-être c'était le premier, je ne sais pas, il y a les embranchements.
Et ça, c'est, ouais, vrai, c'est pas mal aussi. Et dès le début, justement, ça, ah ouais, ça fait partie premier, des... C'est ça, des... ça y est, dans... ah ouais, dans le tout premier. Parce en que fait, ça, c'est assez cool, tu peux refaire stages. Le... Mmh. Ouais, voilà, tu et peux faire le... Une durée de vie qui était hyper poussée, justement, par rapport à un Gradius qui, lui, faisait en loop. C'est, t'avais 5 stages, et comme t'avais fini tes 5 stages, tu refaisais les mêmes avec une difficulté plus importante. Là, tu choisissais ton embauche. Et surtout, comme t'as différents chemins que tu peux emprunter, le replay value est génial. Oui. Parce que t'as beau terminer le jeu, tu le refais, mais avec une configuration différente et t'as pas le même scoring. Enfin, c'est des possibilités infinies, quoi. C'est ça. Ouais, ça assurait une grande rentabilité d'une borne comme ça. Et puis, ça permettait de la laisser plus longtemps plutôt que de la remplacer. Parce qu'en général, ils remplaçaient les bornes qui ne fonctionnaient pas bien en termes de pièces, mais surtout qui ne lassaient pas. En fait, fallait apporter de la nouveauté. Puis, du coup, ça lui donnait une durée de vie plus grande et... Forcément, il y avait des gens qui voulaient faire toutes les boucles et tous les chemins possibles, quoi. Et après, c'est marrant parce que tu parlais donc de la comparaison avec Gradius. Et c'est vrai qu'il y a eu un épisode de Gradius, j'ai jamais compris pourquoi, qui s'appelait Salamander. Salamander, alors que, c'est en Occident. Oui, mais... c'est en Occident. Ah, ouais. Et parce que eux, non. Ils ont eu un... Non, c'est le deuxième, pardon. C'est le deux, c'est Nemesis. En... Voilà, c'est ça. Et Salamander, si je ne me trompe pas, Salamander, c'est celui où tu as deux scrollings différents. C'est que alterne entre horizontal et vertical. Voilà. Et, vertical, ouais. Voilà. Et c'est celui où les options, quand tu les ramasses, ça valide immédiatement le bonus que tu as ramassé. Parce que ce qui est marrant, c'est que eux, je crois, le Darius 2, il s'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi, Sagaia. Alors, ça, c'est en ça, c'est en Occident. Ah ouais. Quand ils l'ont sorti, d'accord. Ils ont importé la borne en Occident, ils l'ont traduit en Sagaia. Et parce que d'ailleurs, Darius 1, les Occidentaux ne connaissaient pas. Donc ils sont partis sur Sagaia et ils ont aussi une difficulté qui a été un peu rabaissée par rapport à ce qu'il y avait sur le jeu original. Ouais. Ok. Parce que moi je t'avoue, on n'y arrivera pas là. On t'imagine, on est quand même à la bourre parce qu'on est en 86, on devait aller jusqu'à 2000. Non, mais on ira jusqu'à 90. Pas 30 minutes. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que moi, cette série, j'ai eu du mal à m'y attacher parce qu'en fait, je trouve que c'était un peu le bordel. Regarde, il y a Darius Plus, après il y a Darius Gaiden, après il y a eu un autre, il y a tout. Ils se ressemblent un peu tous, quoi. J'ai l'impression, je sais pas. En fait, le truc, c'est que Taito est une machine qui travaille essentiellement, enfin une société qui travaille essentiellement en arcade. Là, tu me parles de Darius Alpha, tout ça, ça, c'est des exemplaires plutôt consoles. La vraie histoire, on va dire, de Darius, en tout cas pour le début, hein, c'est Darius 1, Darius 2, Darius Gaiden. Voilà, en gros, c'est sur cela qu'il faut se baser. Au niveau de la construction. Après, le reste, c'est d'autres équipes, c'est d'autres... Ça n'en fait pas des mauvais jeux, hein, mais c'est des dérivés. T'en as eu sur Super Famicom, tout ça, t'en as eu une petite palanquée. Il y en avait beaucoup moins, finalement, en arcade. Et oui, parce que sur console, il y en a plein. Si vous m'y autorisez, je peux faire une petite parenthèse PC Engine. Ouais. Parce que forcément, ils voulaient Darius sur PC Engine. Mais à l'époque, Taito, à l'instar de Namco, ne souhaitait pas repayer un droit d'entrée pour développer sur support CD-ROM. Parce que voilà, quand vous sortiez des U-cards, vous aviez payé une sorte de droit d'entrée, des royalties après qui tombaient derrière. Et sur CD-ROM, Naked Sunsoft avait dit il faut repayer un droit d'entrée pour développer sur ce support. Et des gros éditeurs comme Taito et Namco se disaient non, pour nous, ce n'est pas rentable d'investir sur le CD-ROM, c'est nouveau, le parc n'est pas encore installé, donc on verra ça plus tard. Mais Naked Sunsoft voulait vraiment que ça soit le fer de lance du CD-ROM. Et donc, c'est NEC Avenue qui a racheté les droits pour l'adapter sur CD-ROM NEC. Et il est sorti avec une bande-son assez dingue pour l'époque, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des musiques de Darius sur PC Engine, mais elles sont franchement envoûtantes et elles sont géniales. Donc, ils l'ont renommé Super Darius pour montrer qu'il était supérieur au Darius normal. Ensuite, comme ils avaient toujours les droits, ils ont sorti une version qui s'appelait Darius Plus. Et c'est la seule U-card qui a des spécificités améliorées quand on la branche dans une super graphics. Voilà. Ah bah, en plus, c'est super, tu illustres tous mes propos. Oui, bah. Et après, tu avais une version hyper collector Darius Alpha où tu n'affrontes que des boss et qui a été tirée qu'à 800 exemplaires. Ouais, alors celui-là, désolé les gars, je ne l'ai pas celui-là. J'avais dit petit joueur. mais voilà, c'est pour ça que paradoxalement, en fait, Taito, alors qu'ils auraient pu sortir les versions U-card, ce ne sont pas eux qui ont fait la conversion, mais c'est NEC Avenue, parce que NEC Avenue avait racheté. À l'origine, les droits pour la version CD-ROM, parce que
Taito ne voulait pas le sortir sur CD-ROM. Donc voilà la petite parenthèse, parce que c'est vrai que pour le collectionneur PC Engine, on se demande pourquoi. Bah, tu as des U-Cards Taito, développés et édités par Taito, puis tu as Darius, qui était le blockbuster de l'époque, qui n'est pas développé directement par Taito. Donc voilà, c'est la petite, c'est une histoire de droit, comme souvent, hein, des histoires un peu bizarres. Voilà, c'est la petite parenthèse que je souhaitais faire pour la PC Engine. Ouais, très intéressant. Ah, merci. Comme d'hab. Bon, tu veux avancer? Bah là, on voyait la borne Darius que Florent nous montrait. Ouais. Bon, l'écran du milieu, il était rincé. Celui de droite, il était à la fin. C'est-à-dire, pour les trouver vraiment fonctionnels, celle-ci, c'est compliqué maintenant. Faut s'imaginer que c'est deux écrans qui sont en fait en bas et un écran en face et deux miroirs sur les côtés qui, en gros, font une seule et même image. Donc, ouais, effectivement, s'il y en a un des trois qui est bon à capter, on voit tout de suite le... Ouais. Le subterfuge. Là, c'est ce qu'on disait dans ton reportage, Florent, où il parlait qu'il les allumait très rarement, finalement, pour préserver un peu le matériel. Ouais. Les écrans sont devenus rares à trouver, c'est des tailles spéciales, assez uniques, et il y en a assez peu disponibles. Donc, des bornes encore fonctionnelles, alors, je pense qu'il exagérait, mais il disait qu'il en restait une demi-douzaine au Japon, quoi. Je pense qu'on a un peu plus, mais bon. Ouais, peut-être un peu plus, mais effectivement, c'est en train de mourir tout doucement. C'est d'en trouver, comme tu disais tout à l'heure, c'est... Oh, si moi j'en vois une, je vais tout de suite mettre ma pièce. Après, ce qui est pas mal, du coup, c'est de nos jours où on a des télé 16/9, c'est pas mal. Tu peux jouer aux gens en profitant un peu plus. Ici, là, c'est Darius 2 qui tourne. Bon, alors, il faut le recadrer un petit peu, mais... il y a possibilité. Parce qu'il y a sur les écrans cathodiques de l'époque, si tu avais le jeu tel quel, tu avais un petit truc, un petit écran. Ouais, tu pouvais pas. C'est pas très sexy. Quoi. Ouais, parfait pour tout ça, hein, les gars. Mais est-ce qu'on termine 86 parce qu'il reste encore un jeu majeur? Mais bien sûr, mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr qu'on finit 86 avec Kiki Kai Kai. Eh oui, il est où Kiki Kai Kai? Je l'ai acheté avec Big Cam à la Singspast de Lyon. C'est un des derniers jeux PC Engine que j'ai acheté. Ouais. Super, c'est un peu un run and gun, on peut dire. Ouais. Pour moi, c'est un run and gun. Hein. À la place d'avoir un commando avec des gros muscles, c'est un petit personnage dans un habit traditionnel japonais qui combat des yokai, en gros, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais, et donc, ce jeu, je ne sais pas pourquoi il est culte, il est très bien, mais il a quand même une aura auprès des joueurs, j'ai l'impression, peut-être que c'est avec la suite de Super Nintendo. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, parce que la suite Super Nintendo, c'est pas Taito qui l'a fait, c'est Natsume. C'est Natsume. Mais comment ça se fait? Il n'y a même pas marqué Taito en petit, je sais pas, c'est, vous savez pourquoi c'est passé de... Sous-traité, sans doute. Mais oui, mais des fois, quand c'est sous-traité, t'as quand même marqué Taito en gros, tu vois, et tu de partout, les indications et tout, Taito... c'est pas marqué, quoi. Ils je sais pas, c'est bizarre. De la licence. C'est fou, ça. J'ai remarqué que, pareil, il y avait un autre jeu aussi. Taito, en fait, il y a des jeux sur NES. Il y a deux jeux. Il y a Wrath Black Mamba, ou comment il s'appelle il y a celui-là, là. C'est un jeu Natsume, mais distribué par Taito. Donc, je sais pas le lien. Il y a l'air parce d'avoir qu'il un y en a lien un qui est l'éditeur. Ça fait comme tout à l'heure pour le Twin Cobra, parce que c'est peut-être juste l'éditeur, Taito. Oui, mais là, tu vois, à Taito, à la base, ils ont fait le premier Kiki Kai Kai, et c'est étonnant que le deuxième, ils disent « Oh, ben, on va plus le faire, on va le confier à quelqu'un d'autre. » Je trouvais ça curieux. Ben, bon. Voilà, en tout cas, je sais que le jeu sur Super Famicom est vraiment culte. D'ailleurs, il vaut plus de 200€ maintenant, l'original. Il y a un remake bientôt. Il y a un remake de celui-là, justement. Alors, Mamax, tu parles de quel jeu où c'est écrit Taito? Salut à toi, Mamax. Tu veux dire sur celui de Super Famicom? Peut-être, je ne sais pas, justement. Bah oui, il doit parler de... Dis, la licence appartient à Taito, Mamax. Bah là, moi, de ce que je vois, si je regarde Pocky and Rocky, donc la version Super NES, c'est bien le développeur, c'est Natsume, l'éditeur, c'est Natsume, le distributeur, c'est Taito. Voilà, donc, ça doit être une histoire de sous, hein, je pense. Ils ont peut-être racheté, effectivement, la licence. Puisque là, la réédition qui sort là sur les consoles de dernière génération, c'est pareil, c'est Natsume qui est noté dessus, charge, pas marqué Taito. Ouais. Donc j'ai été sur une liste encore. Bah, comme Ninja Warriors, ils relancent, ils ressortent Kiki Kai Kai pour un remake.
un remake reboot, on va dire ça comme ça. Ouais, sur PS4, et c'est comme Ninja Warriors Again, là, le dernier qui est sorti. Ouais, celui-là, là. Très bien d'ailleurs. Bah, ouais, c'est excellent. Mais il est noté Natsume alors que c'est un et jeu Taito, c'est... Ninja Warrior. Ouais, c'est vrai. Mais là, ouais, c'est vrai. Là, il y a quand même marqué Taito. Ouais. Là, ouais. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, c'est comme pour Sega, c'est-à-dire que tu avais des équipes de développement en arcade et des équipes console. Et quand tu développais sur console, bah, c'était un peu la loose, quoi. C'était moins bien vu que ceux qui développaient des supports innovants en arcade et compagnie. Tout à l'heure, je vous parlais des versions PC Engine. Ceux qui avaient développé les jeux, c'était Beats Laboratory, je crois. Et ça appartenait à Taito. Donc, c'était pas eux qui allaient mettre leurs meilleurs développeurs dessus. Ils avaient, entre guillemets, des petites équipes qui étaient périphériques, hein, c'est un satellite à Taito qui développait. Et donc, NEC Avenue a fait appel à eux parce que bah, c'était plus facile. Contrairement à certains jeux sur PC Engine de Taito qui ont été développés en grande partie par les gars qui venaient de l'arcade. Mais rapidement, après, bon, bah voilà, c'était. Je ne peux pas dire que c'était dégradant, mais dans l'esprit japonais, quand tu développais sur console, c'était toujours un peu moins bien que de développer en arcade. En arcade, oui. Bah, ouais, voilà, en fait, c'est ce que tu dis, c'est super vrai. Moi, je me souviens avoir croisé en interview un gars qui travaillait sur les jeux d'arcade et qui a été muté après dans une division qui faisait des jeux console, et il était dégoûté, quoi. parce qu'en réalité, c'est un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'audiovisuel, c'est quand on te dit bah, tu vas bosser dans le cinéma, tu vas waouh, classe. Et puis après, quand tu fais des grands chefs-d'œuvre et tout, puis après, tu passes dans un téléfilm. C'est un peu cette nuance-là. Quoi. Exactement, ouais. Exactement. Et pourtant, il y a plus de joueurs dans le monde sur console. Donc, il y a plus de gens qui vont jouer à ton œuvre. Ouais, mais comme celui qui fait une Formule 1 et celui qui fait une Logan. Une Clio. Il y a plus de gens qui conduisent la Clio. Que de la Clio que la Formule 1. Et pourtant, c'est plus classe de fabriquer la Formule 1. Ou alors, le mec, il travaille pour une écurie de F1, puis après, on le downgrade, il joue à Mario Kart, quoi, tu vois. Ouais, ok. J'ai bien même plus de mécanique, ça. Et là, ce qui est marrant, je ne sais pas si vous saviez, moi, je ne savais pas. En fait, je ne sais pas si on voit. Il y a marqué Natsume Atari. Quoi, ils ont fusionné ou quoi? Ah, c'est peut-être Atari les a rachetés. Ah, Atari a racheté. Ils ont encore des sous, Atari, ouais. Okay. Non, mais à l'époque, ils avaient racheté la distribution. Voilà, tu pouvais racheter des distributions pour certaines zones géographiques. Mmh. Bah, en tout cas, c'est marrant de voir Natsume et Atari dans le même mot. Tu vois, c'est comme Namco Bandai. Bah, là, c'est Natsume Atari. Alors, est-ce que tu penses qu'on cite un autre jeu de 86 où on avance un peu? Mais attends, mais moi, si tu me demandes à moi, mais moi, jusqu'à 6h du matin, on cite tous les jeux de Taito, me pose pas la question. N'oublie pas que Carrosse se transforme en citrouille. De toute façon, on va toi, tu veux jamais faire, eh ben, on va faire un volume 2, je sais pas, bon, on verra. Bon, j'avais juste un jeu, on en parle une minute, parce qu'en fait, je l'ai découvert et j'aime bien les petites curiosités, les petites pépites comme ça que je connaissais pas. Et en fait, c'est Daikaiju. Et en fait, j'ai trouvé ça assez marrant. C'est un jeu où tu diriges, genre, c'est pas officiel, hein, tu diriges un kaiju. Mais ouais, tu diriges un kaiju. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Pareil, c'est comme un peu, c'est marrant, ça sort la même année Kikikaikai. C'est un peu comme Kikikaikai, sauf qu'à la place de diriger la petite fille, bah, tu diriges un Godzilla, on le voit sortir de l'eau. Enfin, c'est vraiment Godzilla, il sort de l'eau. Et après, tu le diriges. Ouais, j'avais juste envie de m'attarder sur celui-là parce que je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça et je me disais, oh, wow. J'ai joué sur ma borne, celui-là, Daikaiju. Avec ta fameuse borne. Voilà, regardez. Ouais. C'est assez marrant, quoi. Tu détruis les tanks et tout. Et ça sort la même année Kikikaikai. Ça fait penser à Kikikaikai, mais avec un skin Godzilla, quoi. Voilà, mais ouais, mais c'est un peu dans la veine de Rampage et tout ça. C'est un peu un jeu satisfaisant dans le sens où tu détruis. Ouais, voilà. Et en plus, c'est marrant, la scène d'intro, on n'en a pas vu, mais il sort de l'eau, comme dans le film, quoi. Il sort de l'eau et après tu joues. Et ça, j'avais jamais entendu parler de ce jeu. Donc voilà, c'est juste pour. Ah ouais, ouais, regarde ça. C'est beau. Donc, on va le voir sortir de l'eau, là. Non, mais pour revenir à Atari, tu as raison une fois encore, hein, monsieur Garcin. C'est... Mmh. Là, je suis en train de regarder en 2013, Natsume est rebaptisé Natsume Atari lors d'une fusion avec la société japonaise Atari, INC, qui n'a rien à voir avec la version américaine d'Atari. C'est-à-dire, c'est deux entités différentes. Donc, Atari Japon a fusionné avec Natsume. Et ça, encore, tu as raison, hein, bravo. Bah, c'est juste que je l'ai vu marquer. Hein. Moi, j'ai fait que. J'avais jamais fait attention à quoi je vois marquer ça. C'est bizarre. Ouais, je vérifie ce que tu dis, comme ça, on dit pas trop de conneries. Il a toujours raison, mais il vérifie. C'est mal, hein, c'est deux mecs qui vérifient, c'est chaud pour toi. Ouais. Ah ouais, il rigole pas. Non, mais quand tu as prononcé Atari, ça fait titre. Je dis non, c'est pas possible. Il s'est étouffé.
Monsieur Garcin, on va passer tout de suite à 87. Je pense allez, ben je te laisse balancer. The Ninja Warriors, on en a parlé rapidement. Il faut quand même encore noter, toujours sur la même veine que la même veine de Darius avec ses multi-écrans. Multi-screen, justement. Et oui, c'est vrai, c'est un rapport avec Darius. Ouais, du coup. Oui, oui, pour les exploitants, on leur fournissait quelque chose à mettre dans leur borne multi-screen. C'est ça, fallait bien utiliser. Mais quel jeu en même temps, parce que c'est un jeu voilà, qui a une renommée incroyable, puisque voilà, il y a eu effectivement des remakes. Mais moi, je me souviens que j'avais joué sur l'Atari ST, malheureusement, d'un ami à moi. Et il existait sur Atari ST Ninja Warrior. Après, bon, la version arcade était complètement ouf à côté. Mais voilà, c'était juste pour souligner le truc. Mais c'est comme disait Florent, en fait, Bicam, comme disait Florent, et là, je rebondis parce que tu dis ça, la bande arcade, quand tu joues à ce genre de bande arcade, et quand tu joues après, mais ça n'a rien à voir. En fait, la sensation avec les écrans, moi, je l'ai vu gamin. Et d'ailleurs, la bande arcade, je ne sais pas si en France, elle était trop haute. C'est une des rares bandes d'arcade. Quand j'étais gamin, j'étais obligé de sauter pour voir le jeu, je ne voyais rien. Mais tu avais une atmosphère avec ces fameux miroirs là qui reflètent comme ça. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Après, quand j'ai rejoué sur PC Engine et tout, la magie, elle n'y est pas. Et c'est un jeu qu'il faut jouer en borne, comme disait Florent, à certains jeux. Eh ben, ça change après quand tu joues en émulateur ou quand tu joues sur console. Et je pense que celui-là, l'expérience, elle est différente. Hein. Oui, c'est comme clair. Darius, tu te sens un peu étriqué. Ouais, quand t'es dans ton petit écran comme ça. Là. Non, Florent, c'est des jeux qui sont. Oui. Arrête-moi si je me trompe. Tu sais, à un moment donné, t'as fait un sujet, quand t'étais en Corée, t'as fait un sujet sur une salle d'arcade. Ouais. Et il n'y avait pas Ninja Warriors dans la salle. Il y avait une Darius, mais qui était ultra chelou. Ouais. Je pense qu'ils l'avaient faite eux-mêmes, en fait. Mais la borne. Mais non, il n'y avait pas Ninja Warriors, non. Il me semblait, j'avais ça en mémoire. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai revu la borne, il n'y a pas si longtemps que ça, et je pensais que c'était dans ce sujet-là. Non. Quand tu as vu cette salle dérobée. Il y a plus de 10 ans, j'ai fait un reportage chez Mikado, et effectivement, lors de ce reportage, j'avais testé Ninja Warriors, mais c'est la seule fois où j'ai traité de Ninja Warriors dans mon émission. Hein. Dans mes émissions. Ouais. Mais en tout cas, voilà, un jeu pareil qui reprend un concept quand même déjà existant, sauf que on peut revenir en arrière par rapport à Spartan X. Là, on peut revenir en arrière. En fait, le scrolling revient. Enfin, bref. Et c'est un jeu vraiment qui a marqué son époque et en plus qui a été repris par la suite parce qu'il y avait cette animation très, très jolie. Et puis, on découvrait quand on mourait la première fois que, en fait, le personnage qu'on dirigeait, c'était un robot. Voilà, c'était quelque chose qui était particulier, je trouvais. Moi, à mon âge, en tout cas, quand j'ai connu, quand j'y ai joué la première fois, ça m'avait marqué. Il y a tout un tas de jeux qui ont ce genre. Même sans mourir, tu voyais, à force de prendre des coups, quand ta barre descend, tu voyais on voyait les parties métalliques arriver. À la Terminator, quoi. En sens, c'est la période Terminator, quoi. Et puis le jeu aussi était jouable à deux. Et ça, c'était quand même assez sympa. J'ai toujours été intrigué, en fait, par les idées. Il y a des tags. D'habitude, c'est des insultes, mais là, il y a marqué « shy », tu vois. Ça m'a toujours fait rigoler, quoi. C'est un insulte de ouf. Il n'y avait pas de version qui tenait vraiment, vraiment la route jusqu'à ce qu'ils fassent la version SNES qui est complètement différente. C'est une suite, hein, oui. Ouais, c'est plus une suite, on va dire ça comme ça, qui est une pépite absolue. Pour moi, c'est peut-être le meilleur BTU sur SNES. Qui est ressorti d'ailleurs, moi je vous le conseille. Mais la version Switch, c'est tellement différente, je te promets, monsieur Garcin. Ah ouais, parce que moi je joue que sur Switch. Très différente. La version SNES, elle n'a rien à voir. En fait, la version SNES, Switch, elle est éloignée, un peu comme ici là. On a des sprites qui sont beaucoup plus petits. Ah oui, ils sont plus gros. En 16/9. Mais oui, mais ils ont fait ça parce que c'est en 16/9, non ? Ça paraît petit. C'est ça. Alors que sur SNES, tu vois, c'est vachement plus proche. Ça ressemble plus à un BTU plus classique. Ouais, en fait, avec des gros mecs. Ouais, mais c'est une réussite absolue. La version SNES, c'est un bijou. Malheureusement, là, elle est intouchable. Elle est intouchable en termes de prix. Et d'ailleurs, on va voir, là, on est en 1987, mais on va voir que 1987, c'est une grosse année quand même pour Taito. Ouais. Parce que là, vas-y, dis-nous le prochain jeu. Est-ce que lequel tu veux traiter? Tu me dis toi. Le plus connu. Chase HQ. Toi. Non. Pas 87. Mais parce qu'en fait, j'ai remarqué, Bicam, je sais pas, des fois j'ai l'impression que la liste de jeux qu'on avait, c'était une liste, tous les titres ils sont en américain.
Et il y avait certaines dates. Des fois, je crois que les jeux sont sortis peut-être un an après aux États-Unis. Peut-être. Donc, je crois qu'il y a quelques dates. Ce que tu dis, peut-être que c'est 87. Nous, on l'a en 88, mais peut-être que c'est 87. Moi, je voulais parler, les amis, de Rainbow Island. Rainbow Island. Rainbow Island, c'est pas. Mais oui, parce qu'il y a plein de bons jeux en 87. Mais ouais, Rainbow Island, c'est un jeu quand même culte qui a été sur tous les ordis, j'ai l'impression, de l'époque. Pareil que Bubble Bobble, c'est sa suite en fait. Hein. Ben moi, j'ai jamais vu vraiment comme une suite. Non, ouais, c'est pas une suite. C'est comme ça, ça. Non. The Story of Bubble Bobble 2, c'est marqué, hein. Là, je me fais, mais ça n'a rien à voir avec puisque attendez les gars, je veux vous dire quand même que plus tard on va voir qu'il y a un jeu qui s'appelle Bubble Bubble 2, hein. Donc s'il y a Bubble Bubble 2, ça peut pas être Bubble Bubble 2. Ça, je vais t'expliquer l'histoire. Bubble, c'est des enfants qui se sont fait transformer en dinosaures, là, d'accord. Et en fait là c'est les enfants mais qui ne sont pas transformés et ils ont plus des bulles, ils ont des arcs-en-ciel, c'est quoi. Ça. Ok, ouais. Enfin c'est bon, j'adore ce jeu. Story of Bubble Bubble 3, Parasol Star. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, tu regardes sur la version PC Engine, c'est écrit aussi. Ok. Eh ben, écoutez, donc Bubble Bubble 2, alors. C'est Rainbow Island, sachant qu'il y a un vrai Bubble Bubble 2. Mais oui, c'est ce que c'est pour ça. Ou c'est vraiment Bubble Bubble 2. Bah, c'est pas un vrai en fait, c'est un Bubble Bubble 1.5, on va dire ça comme ça. Et donc moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est le concept de ce jeu. Je trouve très la façon d'avancer. De fabriquer ces ponts, en gros, de fabriquer ces marches d'escalier pour monter, je trouvais que c'était très fun à jouer. Je trouve très fun ce jeu. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un classique de Taito, hein, qui a un peu peut-être oublié. Hein, mais, C'est le même gars, en fait, qui est un des génies de Taito, qui, on en parlait tout à l'heure, c'est Monsieur Mitsuji. Mmh. Si vous regardez le leaderboard des scores, il apparaît en premier, il a ses initiales, Mitsuji. Et il est mort. C'est vraiment lui, c'est une perte, hein, qu'on n'ait pas pu l'interviewer plus parce qu'il est il est à l'origine de. Et c'est lui qui a fait Bubble Bubble, donc ça. Déjà rien que ça, mais il en a fait plein. Donc voilà, un gros jeu de Taito de 87. Allez Bicam, tu peux enchaîner. Alors moi j'ai envie de citer un jeu qui est très important en fait cette année-là, en fait très important. J'ai une affection particulière pour ce jeu parce que je l'ai connu à l'époque sur borne et puis j'ai connu sa conversion Master System. Oh, il va parler du jeu auquel je voulais parler. Tu en parles, c'est pas grave. Non, mais vas-y, parle-en, tu rigoles ou quoi. Non, il tourne derrière moi, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il tourne derrière la borne. C'est moi qui l'ai mis derrière exprès. Il faut savoir qu'on est dans l'époque. Ça, c'est Master System, là. Elle est là. Parce qu'il y a la version arcade qui tourne derrière moi. Et en fait, Rastan, on est dans l'époque Barbarians, Conan le Barbare, etc. Et on voit ce jeu. Moi, je vois ce jeu débarquer en arcade. Et je le vois, du moins, en arcade. Et je suis complètement traumatisé par le jeu. Et je joue, j'arrive à me débrouiller et tout, mais le jeu était très difficile. Ah, il est dur. Et en fait, il faut remettre en contexte, pareil, le bruit que le jeu faisait. T'avais limite peur. À l'âge que t'avais, en fait, t'as la musique qui est très particulière. Angoissante. T'as des sons bizarres, ça fait pou, pou, tu vois, un bruit qui monte comme ça en intensité. Et quand t'étais jeune et que t'avais le bruit comme ça de la borne, je peux te garantir que ça te faisait frémir l'intérieur. Mets-nous une vidéo, s'il te plaît, de la borne d'arcade. Oui. Une vidéo arcade. Pour la Master System, c'est quand même vachement beau. Hein. Il est génial sur Master System. Moi, ce jeu, vraiment, il me tient à cœur parce qu'en fait, je ne sais pas qui avait la Master System ou quoi, ou si vous avez joué à ce jeu. Moi, à l'époque, ce jeu sur Master System, c'était vraiment un trésor. J'étais tellement content de l'avoir. Sans le savoir, j'ai découvert. Après, il y a un petit côté pitfall quand même avec ces fameuses lianes. Après, tu peux descendre. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire les niveaux de plusieurs façons. Tu peux passer dessous dans les cavernes et avancer dans les cavernes ou alors rester à la surface. Et c'est vrai. Ah ouais, là, la version arcade, tu vois. Et il y a une ambiance très pesante et très un peu angoissante. Moi, je me rappelle, je sais pas pourquoi, dans ce jeu-là, j'étais toujours angoissé avant d'arriver au boss, plus qu'à d'autres jeux. Tu sais, les boss-là, je sais pas si c'est la musique ou si c'est… Parce que le jeu est assez dur. La musique est très particulière. Hein. La musique est très, très particulière et elle a des variations de volume au sein de la musique. Je l'ai derrière, donc si tu mets le volume, oui. Tu verras, quand tu viendras à la maison, je te le mettrai, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Ah ouais. D'ailleurs, je le salue, Obsilandre. Salut à toi, Obsilandre, ça fait plaisir que tu passes sur le stream. Il dit la version SMS ajoute un wall jump, l'un des premiers. Donc oui, c'est vrai que la version Master System ajoute
Un wall jump. Qui ah, tu peux, ah, je ne me rappelle pas. Tu peux ouais. sauter contre le mur, je ne me rappelle plus, tu vois. Et ouais, il est fou ce joueur. Enfin, bon. Après, ce qui est étonnant, c'est on dirait que ce n'est pas la même équipe qui a fait le 2. Parce ah, non, que le 2, si vous le connaissez, on dirait que c'est une sous-équipe ou c'est ouais. des stagiaires qui ont fait le 2. Le je 3, sais pas ça quand... va. Ouais. Le 3, ça va. Le 3, c'est un beat'em up à la Golden Axe ouais. que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas du tout. Mais le 2, alors autant les sprites étaient énormes, hein, tout le monde doit le connaître, mais il était horrible. C'est un jeu dans tous les magazines, il avait 40%, quoi. Quel jeu ignoble, le 2. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer en interne quand on bâcle une série comme ça. Il est injouable. Bien jouable, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, donc le 1, à jamais. Upsilon dit la musique FM est très cool, c'est vrai. Et tu verras, je t'ai dit, ça va être particulier quand tu vas y jouer. Je sais pas si tu as les souvenirs, monsieur Garcin, vraiment de ça. Mais moi, j'ai souvenir que sur Master System. Ouais. Et bah, tu vas voir, c'est très, très particulier en termes de son. En fait, tu as des variations de volume. C'est curieux. Hein. Mmh. Okay, c'est pas un bug de l'émulation. Non, c'est pas un bug de l'émulation. Non, 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 parce que je connais quelqu'un qui a remis la main sur la PCB originale et quand je l'ai testé, c'était pareil. Ok. Ouais. Donc voilà, moi là, c'est vraiment un jeu à la hauteur de ce que font les plus grands, comme Sega avec son Shinobi, Capcom avec Ghouls and Ghosts ou quoi. Ce jeu-là, même si malheureusement, il est moins connu. Hein, maintenant, le grand public, Rastan, bon, tu connais peut-être un peu Shinobi et tout, mais Rastan, c'est pas resté dans les annales, mais moi, je le trouve génial. Pour moi, il y a un jeu qui s'est vachement inspiré de ce jeu-là, et puis un jeu qu'on va voir plus tard, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, qui pour moi aussi a été fondateur. On en parlera de Taito hein, aussi. Mm-hmm. Et pour moi, il y a un jeu qui s'est aussi beaucoup inspiré de ce jeu, sans reprendre vraiment toutes les mécaniques. Il y en a même plusieurs. Mais notamment, il y a Magician Lord sur Neo Geo. Ah, il y a également Toki, en fait, Juju, là, qui a repris également beaucoup, beaucoup de mécaniques de Rastan. Ok. Donc, il y a la team Rastan et la team Rastan. Ouais, voilà. Rastan Saga. Rastan Saga. Rastan. Moi, je dis Rastan, mais oui. C'est vrai que... On dit Conan et pas Conan, le barbare. Ouais. C'est ça. Moi, enfin, je disais Rastan à cause de Conan, justement. Ouais. Et ouais, bah ouais, ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Enfin, bon, on a bientôt fini l'année 87. Oui. Ouais, ça n'avait rien à voir, mais sur PC Engine, tu avais Legendary Axe, qui était pas mal aussi dans le genre. Ah, dans le genre. Et il y en a deux, d'ailleurs. Il y a Legendary Axe et... Bah, il y a eu la suite, Dark Legend. Dark ouais, Legend. Voilà. Et c'est vrai que ça fait penser à ça, hein. Ouais. Assez inspiré de Rastan hein, et puis c'était la fameuse époque de l'heroic fantasy au cinéma et compagnie, donc la dark fantasy, même Rastan c'est de la dark fantasy, ouais. Ouais, c'est sombre, ils se sont engouffrés là-dedans quoi. Bon, et le 2 sur PC Engine pas... Rastan 2 sur PC Engine, malheureusement on n'ira pas au-delà de 87 hein, je pense, parce que là on a dépassé complètement le temps. Ok ben on peut finir l'année 87. Je trouve qu'on a fait un putain de voyage incroyable. Et ouais. Il restera 80, 88, je vois des bons. On va faire 89, va faire, oh là là, 90. Dire, je pense qu'on fera un live où on l'appellera de telle date à telle date. Regardez le papier, tout ce qui reste, ouais. Les gars. Ouais, et il faut aborder les jeux d'après. Il y en a un qui tombe derrière moi, il faut en parler. Mais je pense qu'on fera, parce qu'il y a un jeu qui arrive en 89. Ça aussi, là, voilà, que Florent adore. Je sais qu'il avait fait, pendant le confinement, tu avais parlé de ce jeu, je crois, et de Download 1 sur PC Engine. Attendez, les gars, je vais chercher le mien aussi. Je vais chercher le mien aussi ou pas? Vas-y. Non, mais après, il y a un jeu qui sort en 89, mais on en parlera, je pense, dans la suite, dans la partie 2 de ce live, ouais. Qui est Kadash et qui a traumatisé beaucoup de gens, parce que c'est un genre. J'adore mais... Ensemble. Et qui en fait, Kadash, il vient reprendre un peu la suite de Rastan, puisque ça reste dans un univers un peu pareil, mais il est très particulier par son game design, en fait. Oui, il m'a traumatisé pour sa musique. Bon, ah ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance assez oppressante, hein, dans mon souvenir. Ouais, la musique, elle est horrible. Horrible. Ouais. C'est la pire musique de jeu vidéo, je crois, qui existe. Ah ouais, carrément. alors que Taito et Balèze, ils ont proposé que Darius parmi les meilleures musiques du monde. Et Kadash. Ouais. Ah ouais, mais tiens, savait faire le mieux et le pire. Juste un truc, Florent et Gunned, vu que vous êtes un peu les historiens pour moi du jeu vidéo, mais ça serait bien de parler de l'évolution. Ouais, mais vous, tu t'aimes, t'as un peu cette fibre en toi, Gunned aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de parler de l'évolution du studio pendant ces années-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé. On a parlé plus de la genèse avec les gros succès, mais plus les années ont passé, ça aurait été bien d'aborder de comment le studio évolue, mis à part ces jeux. C'est ce qu'on a fait en survolant les jeux jusqu'à 80. On s'est arrêté 7, à quelle année? Là, on est en 87. Là, 87.
Et ça serait bien de dire comment le studio évolue, comment ça se passe au sein du studio. Ce serait bien de creuser ça pour la suite. Et ouais, allez, bah, là, je peux te résumer très, très vite fait, mais ouais. Honnêtement, très honnêtement, Taito va connaître un gros, gros passage à vide après Space Invaders. On ne va pas se mentir. Il casse tout avec Space Invaders et ils vont un petit peu se reposer sur leur laurier. Et puis l'autre problème, c'est que le game designer en majeur de Taito, c'est donc Monsieur Nishikado. Il a gagné en galon et il va se retrouver propulsé de directeur d'une division qui est censée avoir de l'avenir et qui va se viander à in fine. Et pendant ce temps, en fait, ils vont complètement stagner en matière de jeux vidéo en 1979, 80, 81, alors que tous les autres, Namco, Konami, ils vont proposer des jeux qui seront beaucoup plus novateurs. Et Taito, en fait, va se faire damer le pion. Alors, il y aura Pac-Man. Et pendant longtemps, en fait, Taito ne retrouvera jamais sa position de leader. Ils la perdront à tout jamais, en réalité. Et c'est dommage, quoi. Donc, la véritable épopée de Taito, elle s'arrête avec Space Invaders. Après, c'est un gros acteur, c'est clair. Il reste majeur. Mais ouais, parce qu'on cite quand même des jeux. On a des pions par Sega, Namco, Capcom. Ouais, Capcom, ils vont faire mal. Konami, évidemment. Et Taito arrive derrière. C'est très dommage. Il y a eu un vrai problème après Space Invaders. Et M. Nishikado, lui, il a des regrets énormes en disant on s'est fait damer le pion très, très vite, quoi. Ils ont dominé toutes les années 70, qui étaient longues, hein. Mais bon. Ouais, parce mais ils ont des belles pépites. En plus, quelque part, c'est pas plus mal que le live s'arrête à ces années-là, parce que pour moi, c'est l'âge d'or de Taito. C'est-à-dire, jusque dans les années 90, Taito sera un acteur extrêmement présent sur la scène. On le voit, ils ont quand même fait de l'argent avec Bubble Bobble, avec tous les titres qu'on a pu évoquer pendant ce live. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à l'origine, Taito, c'est vraiment un géant de l'arcade, c'est un pionnier. C'est vrai que le titre est bien trouvé pour ce live, c'est-à-dire qu'ils sont au sommet. Et c'est vrai qu'après, Space Invader a été leur succès interplanétaire. Alors, Bubble aussi, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire que ça a moins marqué, entre guillemets, les esprits à l'époque. Bah, l'histoire, tout simplement, mais, ouais. Voilà, et puis en fait, quand tu discutes avec des jeunes, pour eux, Taito, ils ne le calculent pas comme un géant de l'arcade. Pour eux, c'est Sega, Namco, Capcom. Parce que Capcom a marqué le coup avec Street Fighter. Sega, bah, bien sûr, c'est Sega, avec tous les hits qu'on connaît. Et puis Namco, avec l'épopée PlayStation, avec Ridge Racer, avec Tekken et tous ces titres-là. Donc quand tu parles arcade avec des jeunes, souvent, ils te citent ces trois sociétés-là. Et mon grand regret, c'est qu'on ne parle pas souvent de Taito. Et c'est pour ça que le bouquin de Florent est hyper important, parce qu'il réhabilite Taito comme étant vraiment la société qui a donné naissance aux jeux vidéo japonais et qui ensuite, pour moi, a vécu sur ses acquis pendant, je dirais, des années 70 jusqu'aux années 90. Bah voilà, ils avaient plein d'oseilles qui tombaient tous les mois, ne serait-ce qu'avec les produits dérivés et autres. Ils ont aussi eu des beaux succès avec Darius, avec Bubble Bobble, avec plein de titres, hein. Il y a plein de titres. Et oui, parce que là, on n'a pas parlé d'Opération Wolf. L'Opération Wolf, pour moi, il est dans toutes les salles d'arcade, quoi, avec ces deux guns, là. Mais c'est pour ça que ça s'est arrêté en 90 avec l'arrivée de Capcom et puis Sega après dans la foulée en 93 avec Virtua Fighter, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, l'âge d'or, voilà, c'est ces années-là et on a bien fait d'en parler parce que pour moi, c'est là où il y a c'est l'essence même de Taito. Tu vois, si tu devais résumer le. Mais. Je vais dire un dernier truc. Je crois qu'il y a un jeu qui cartonne au Japon, Densha de Go, un jeu de train, qui est vraiment un best-seller quand même. Il y a eu Puzzle Bubble. Qui n'a jamais joué à Puzzle Bubble? Les filles, admettons. Alors, les filles, elles jouent beaucoup aux jeux vidéo, on le sait, mais même des filles, ta copine qui aime pas les jeux vidéo ou quoi, Puzzle Bubble, elle connaît, elle adore. Enfin, alors, bon, on va pas parler là des jeux des années 90, mais je sais que Densha de Go, il paraît que c'est énorme au Japon. Donc, ils ont réussi à survivre. Oui, au Japon. Bien sûr. Quand tu vois les autres sociétés, elles explosent partout. C'est mondial. C'est vrai. Ils sont passés du statut de leader, de pionnier incontestable, au statut de très gros éditeur, un très gros éditeur de jeux, sans pouvoir leur enlever. Tu parles d'Operation Wolf, c'était de la folie en 87, enfin, quand c'est sorti. Avec les deux Uzi là, qui étaient super lourds, là, que tu dirigeais comme ça, c'est vrai que. Non, mais. Et il était, je me rappelle, dès qu'il y avait une fête foraine ou quoi, à un moment, je voyais Operation Wolf, même ça me lassait au bout d'un moment, il était tout le temps. Donc, ils ont dû en vendre des bornes.
En fait, l'histoire de Taito, pour le jeu vidéo en tout cas, elle peut se résumer par période de décennale. Les années 70, comme le disait Gunhead, c'est le top, c'est le leader incontesté au Japon. Ils sont devant Sega, ils dominent les débats, quoi. Il n'y a pas de souci. Ils sont pionniers en plus. Les années 80, ils loupent le coche, ils se reposent sur leurs acquis de Space Invaders. Il reste un gros acteur avec les titres tous les titres qu'on a vus, hein, que Big Cam nous a autorisé à citer, etc., que M. Garcin s'enflamme. Et effectivement, il y a des gros hits. Il y a des gros hits, mais ils ne sont plus dans le top 3. Je sais à peine s'ils sont dans le top 5. Et à partir de là, il y a les années 2000 où ils n'ont plus qu'un ou deux trucs qui marchent. Et effectivement, on a du Densha d'Ego. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont été totalement oubliés, c'est que c'est une descente aux enfers. Il passe de leader à on est aux oubliettes avec deux jeux, quoi. Ah là là, on va finir avec cette note triste. Oh là là. Ça, mais tous les héros ont une fin. Hein. Ouais, toutes ça, les bonnes choses aussi. Et donc voilà, pour finir, c'est vrai qu'il y a ce fameux Opération Wolf qui a inspiré après des tonnes, pas inspiré, qui s'est fait copier ou quoi, qui a inspiré des tonnes et des tonnes de jeux. Parce qu'après, il y avait plein de jeux de tir, j'ai l'impression, après Opération Wolf. Je ne sais pas s'il y en a eu un avant qui a marqué les esprits. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier vraiment que j'ai vu. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les jeux comme Nintendo ou avec les fameux fusils quand c'était les jeux mécaniques. Mais là, c'est un peu le renouveau de ce jeu de tir. Enfin, voilà, moi, Opération Wolf, je l'aimais beaucoup. Dans les faits, c'est pas nouveau parce que c'est un grand classique du jeu électromécanique. Voilà, ouais. Dès les années 70, Namco, Nintendo font déjà des jeux de tir au pistolet de ce type-là. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais il y a Interceptor en 1975 ou 74, et c'est déjà ce type de jeu, quoi, en réalité. C'est un bon. Tu n'utilises pas un fusil, mais tu pourrais, en fait, tu aurais pu. Ouais. Donc ce genre. Mais Opération Wolf était d'une immersion assez géniale, quoi. Et oui, pareil. C'est une grosse borne avec un espèce d'écran où tu rentres dedans comme ça. Moi, pour la petite anecdote, dans ces années-là, je jouais au football avec mon cousin. On jouait au club de foot de Billy Montini. C'était les carabiniers de Billy Montini. Mais en fait, le football, on s'en foutait royalement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était à la sortie du stade. Il y avait une salle d'arcade à Billy Montini. Et un jour, mon cousin me dit, il faut absolument que tu vois, tu as un jeu à la Rambo. Et tu vois, Rambo, c'était, on parlait de Conan le Barbare. Voilà, Rambo, c'était le film culte par excellence. Et tu avais plein de jeux qui se sont inspirés du cinéma. Et quand on a vu Operation Wolf, il y avait une queue phénoménale. Ouais, c'était Rambo. Devant la borne. Et ça a été un jeu qui a cartonné. Nous, quand on l'a vu, on s'est éclaté. Alors, on n'avait pas l'historique, les jeux, parce que les phasers que tu avais sur Sega Master System ou sur NES, enfin voilà, tous ces jeux de tir au pigeon, ça existait depuis belle lurette. Mais là, tu avais une dimension au niveau de l'arcade avec, comme tu l'as dit, le Uzi, le pistolet mitrailleur. Tu pouvais recharger ta mitraillette en tirant sur les trucs qu'il fallait. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il a renouvelé un genre qui existait déjà, mais il l'a fait avec avec brio. Et d'ailleurs, le phaser, il manquait, hein, parce que je vois la manette à Opération Wolf, les gars, c'est pas terrible. Ah, voilà. Autant sur Master System, tu as le flingue, mais il y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de pistolet sur PC Engine. Non. Et c'est à la manette, c'est pas terrible. Eh hein. Ben, c'était un beau voyage. Le shérif de Mars, il disait qu'il y avait un projet qui s'appelait Taito Wow Wow, un prototype de console de jeu jamais sorti et présenté en 92. Mais on n'y est pas encore. Ouais. Ah non, mais ça, je suis pas au courant. Mais, mais ça fait partie aussi des gros échecs de Taito. Ouais. Mais même avant ça, Taito a essayé de faire des consoles dès la fin des années 70 et déjà avec du téléchargement par fil téléphonique, là, par câblage téléphonique. Ils ont fait des tas de trucs qui sont restés à l'état de prototype. Ils avaient une division de recherche et développement qui était assez incroyable à la fin des années 70, début des années 80. C'est dans cette division qu'a été muté Nishikado en réalité. Mais ça a été une erreur parce que de ce bureau de recherche et développement ne sortira que peu de choses, malheureusement. Ils avaient tellement de pognon qu'ils se sont fait plaisir à essayer d'inventer des tas de produits, des robots, des tas de machins. Et très peu de choses sortiront sur le commerce. Et c'est ce qui va finalement leur coûter leur hégémonie, quoi. Donc, des consoles, ils avaient déjà des projets depuis bien avant la Famicom, même d'ailleurs. Ah ouais, ok.
Mais t'as le bouquin, je t'invite à le relire. Oui, je sais, je sais. J'ai une pile énorme, ça je l'ai feuilleté et il faut que je... J'ai tellement de livres que j'ai envie de lire, vous pouvez même pas vous imaginer. Bon, j'en lis des fois, ça m'arrive, hein, notamment sur Le Dragon. Peter Olive, il parle de Sonic Blastman avec sa borne extrêmement originale, sa borne Punching Ball que j'ai connue et qui, dans mon quartier, finissait à coup de pied, en fait. Après, les mecs, ils y allaient au coup de pied dessus. Borne, moi, qui m'a traumatisé. Pareil, je l'avais vu la première fois, en fait, foraine. Quand avec le Punching Ball. Et ouais, et j'avais été... En fait, j'étais trop petit pour pouvoir lutter contre la borne. J'avais pas encore assez de pêche pour le faire. Mais après, quand ils l'ont mis dans mon quartier, elle finissait les mecs à coups de pied. Quoi. Ils se suspendaient et ils mettaient des grands coups de pied pour essayer de battre le boss du deuxième niveau. C'est un train qui arrive à pleine vitesse. Au début, tu dois bastonner un mec dans la rue qui a frappé une femme. Ensuite, après, tu dois bastonner un train qui arrive à toute vitesse. Après, à la fin, tu dois détruire une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Donc, imagine-toi, je ne sais pas combien de mégatonnes et tu as le droit à 3 coups de poing. Ok. Donc, voilà. Mais c'était génial, Sonic Blastman. C'était génial comme concept, c'était top. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai vu une borne que je rêvais de tester, parce que je ne l'ai jamais testée. Je ne sais pas si tu as déjà mis les mains dessus, Florent. C'est la borne au couteau Noken avec les pavots. Où tu dois faire tu dois taper à des endroits. Ah, t'en as 6, non, ouais, c'est ça. Très rare, ouais. Le négociant en arcade de Lyon, que je salue, Alain, mon ami, Alain, il l'a, cette borne. J'étais à deux doigts de lui dire, écoute, bon, 1000 balles, bon, juste pour avoir ça et faire Ken. Mais je rêve de la tester une fois dans ma vie, quoi. Donc, pareil. Juste pour ça, c'était un peu le même. Jamais testé non plus. Là. Et j'ai une petite question là pour Florent, peut-être qu'il peut m'aider, pendant que j'ai sorti mes jeux Taito là, pour faire le malin pendant l'émission. En fait, je crois qu'il y a ça que je n'ai pas rangé. Tu pourrais lire, il y a le nom du jeu là ou pas? C'est une red card, non, c'est juste la red card. Hein. Ah, ah, mais quoi, et alors, il n'y a jamais marqué le… Ah, Tréco, ben, c'est bon. Eh ben merci, c'est celui-là. Ok, parfait. Ben c'est bon, on peut finir. J'ai rangé, enfin. Je ne sais pas quelle était ta question, mais je suis content que tu aies la réponse. Eh ben, c'était pour le ranger, parce que quand j'ai sorti mes jeux Taito et tout, ça, je ne l'ai pas rangé, j'étais dégoûté, je ne savais pas dans quelle boîte le mettre. Et Tréco, c'est ceux qui ont fait sur Mega Drive le fameux Twin Cobra qui s'appelle Tata Tiger. Ouais, ouais. Je ne sais jamais qui. Bon, là, ben, en tout cas. Là, David Vincent dit merci pour ce live, vous allez jusqu'en 90 la prochaine fois. Non, là, franchement, non. On a fait 1973-87. En fait, c'est beau, sans le savoir, les gars, sans le savoir, on a fait 10 ans. Ben, c'est magnifique. Ben on va faire jusqu'en 97. Avec l'explication de Gunhead, on est même remonté à 1953, voire même. Ah à oui, non, c'est vrai, oui, oui. Avec la vodka et les perruques. C'est ça. Et les cacahuètes. Ouais, et ouais, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, hein, avec un russe qui vend des poils de porc, hein, sur cet assaut. Mais ça a donné Puzzle Bubble, tout ça. Mais bon, Puzzle Bubble, on le verra dans la prochaine. Et il y a Cousin Hubert qui dit un truc intéressant. Il dit Kyukyoku, ça signifie extrême. Le jeu avec Kyukyoku Tiger. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je rêve de faire depuis longtemps. Tout le monde connaît des tas de noms en japonais sans vraiment savoir ce qu'ils veulent dire. Ah ouais. Et un jour, je pense qu'il va falloir faire un live qui propose de traduire tous ces titres-là. Parce que Kyukyoku Tiger, ça veut quand même dire le tigre extrémiste, hein, quand même. Hein. Ah, c'est génial. Les mecs littéralement, sont contents. Littéralement. Hein. Ou alors le tigre de l'extrême, quoi. Mais littéralement, c'est ça, quoi. Et c'est drôle. Et il y a plein de titres comme ça qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Et en fait, il suffirait de les traduire pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Quoi. Et moi, le seul truc que j'ai retenu, parce qu'ils reviennent en plein jeu, c'est Densetsu, qui veut dire légendaire, c'est ça, non? Ouais, légende, la légende 2, ouais. Ouais, voilà, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que Densetsu, c'est dans plein de jeux, et au bout d'un moment, j'étais allé chercher, c'est pas possible, ça veut dire. C'est qui ce Densetsu, là? Il est dans tout le monde. Tonma, c'est Densetsu aussi en japonais. Ah, de quoi? Legend of Hero Tonma. Et oui, parce que le titre, c'est Legend of Hero Tonma, donc il doit y avoir. Ouais. Juste Ben Shout, il dit qu'est devenu le patron juif. Ah, bah, il est mort en 1984. Et avec beaucoup de soucis. Ah, ouais. Ouais, il a été chopé pour fraude fiscale, enfin, il a été rattrapé par le fisc japonais, enfin c'était très compliqué. Il termine pas très bien. Là, il y a Mohamed Hafid qui veut répondre par rapport au japonais. Lui, il dit Namira Mokana, c'est un jeu, en fait, c'est un dessin animé qui s'appelle Tiger Mask japonais. Mmh. Et il a été extrêmement vendu dans les pays arabes. Et dans les pays arabes, on l'appelait Namira Mokana, ça veut dire le tigre masqué. Voilà. Mmh.
Okay. Le tigre masqué. Donc, juste, il a voulu dire ça. Ça, c'est un dessin animé culte au Japon. C'est, au Japon, ouais, un monument. C'est ce chez les Arabes, il était extrêmement. Ah ouais, okay. Ouais. Parce qu'en mais plus, il se battait, je crois, pour des orphelins ou un truc comme ça. Et c'est pas le créateur de Goldorak, il me semble que les. C'est non, c'est pas Gonagai. Hein. C'est pas Gonagai. Hein. Pourtant, les dessins, ils sont extrêmement proches. Bah, c'est les années 70. Tu sais, il y a un style, il y a une patte, comme une patte années 80 et tout. Je... non, c'est pas Gonagai. Hein. Ouais. À vérifier. Enfin bon. Peut-être que c'est les mêmes dessinateurs de l'animé. Et du, oui, ben avec des peut-être, Big Cam, on peut faire un autre live. Ok, d'accord. Bon, ok. Merci, merci. Mais non, mais on ne sait pas, là. On fabule. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, je remercie tout le monde. On a été assez nombreux. On ouais, c'était trop bien. Ouais. On est monté à 300. Donc, merci beaucoup d'avoir été si nombreux, si actifs à échanger avec nous. Je vous remercie tous d'avoir été là. Bah, Monsieur Garcin, tu es un peu le maître de cérémonie avec moi. Ouais, voilà. Ouais, bah, voilà. Oui, oui. Et merci à Florent d'être resté plus longtemps que prévu. Là, on a ça, dépassé un peu. On va déborder un peu. Guenet, ouais, merci. Je vais rentrer en citrouille, moi, c'est bon, c'est mort. Ouais, c'est... Il rentre à pied ce soir. Donc, merci à toi, mon cher Guenet, d'être passé. Merci à Florent. Chariban aussi d'être venu mettre les points sur les. Merci à l'ami Chariban. Bah, merci à vous. Vous d'aller voir sa chaîne. Hein, il fait plein de choses dessus. Il parle de différents sujets. Mais moi, j'apprécie beaucoup son skill pour les jeux et puis sa connaissance et sa passion. Pour les shmups notamment, mais pas que, mais c'est vraiment une mine d'or pour les shmups. Il m'apprend même à jouer à certains shmups. On peut lui demander des conseils et lui, il dit, ben, joue plutôt comme ça. Voilà. Ouais, parce que les caves, des fois, c'est bien d'être conseillé. Ah ouais, c'est un peu perdu. Ouais. Quoi. Bah, d'ailleurs, il faut que je lui demande un peu de m'aider à jouer à Ketsui, le jeu qui est là. Ketsui de Cave. Et c'est lui qui m'a gentiment procuré ce jeu-là. Qui m'a aidé à me... En fait, c'est, je lui ai pris à lui, hein, parce que voilà, il n'est pas... J'avais envie de le prendre et du coup, merci à toi, Chariban. Je le dis aussi. Bah de rien. Et voilà, mais il faudrait que tu m'apprennes à y jouer. Je le kiffe ce jeu, mais je perds en 2 secondes. Et je sais que c'est embêtant. Ouais. Ah, il n'est pas évident. Il n'est pas facile. Ouais. Chariban, voilà, le nom de sa chaîne, c'est Chariban. C'est ça, c'est juste Chariban. Chariban, la chaîne de Chariban. Voilà. Bon. Il a commencé sa chaîne. Parce qu'en fait, il est sur YouTube depuis un moment, mais il avait une chaîne en binôme avec un pote à lui. Et maintenant, il s'est lancé en solo depuis quelques mois. Depuis un an. Quasiment. Ouais. C'est l'année dernière que j'ai commencé. Ouais. C'est ça. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à bientôt. Peut-être qu'il y aura une partie 2, on va voir. On sait non, pas, mais c'est on sûr. Sinon, je la fais seule, la partie 2. Hein. Non, mais les gars, on fait une partie 2. Allez, ok, une partie 2. Merci à tous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut. Allez, ciao. Salut. Tout le monde. Salut à tous.